Entendez, m'entendez euh, Est-ce que vous êtes là Oui, vous êtes là. Il y a Cobra, il y a des Zbersecure, il y a Flocopo, il y a Frob4Alex, il y a Brofgangi, il y a Double D. Bienvenue les amis. Bienvenue. On va commencer dans, dans deux minutes. Je mets encore un tout petit peu de musique. Là, je m'entends. Ça, bizarre. J'ai l'impression que c'est différent d'habitude. Pourquoi euh, Je mets une petite prod de Sick. Prod incroyable de Sick, comme d'habitude. Et on se retrouve donc voilà, moins de trois minutes. Ouais, vous m'entendez, mais moi je m'entends bizarre. Je sais pas pourquoi. On va faire avec. Ce sont les aléas des cartes son. Ok, ok. Bon, tant que pour vous c'est bon, on est bon. Prod. Quelle prod de sick! Quel talent! Euh, si vous avez aimé la prod, vous pouvez la retrouver. Et Diamond qui nous raid, justement, où j'allais euh, lancer. Merci beaucoup, Diamond, pour le raid. Après, Diamond, je m'en suis voulu parce que j'étais en mode non, mais je ne voulais pas que tu arrêtes ton stream, forcément, parce que je lance le mien, tu vois. Mais c'est juste que Diamond, ça l'angoisse un peu quand on stream en même temps. Du coup, euh, voilà, je voulais, je voulais te prévenir, quoi, mais je voulais pas. C'est une dingue, il y a trop de stream OMG. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Attendez, on va, on va se mettre ensemble. On va se mettre là. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous J'espère que vous allez bien ce soir. J'espère que ça va pour vous, Jazer, Dimil Ruskov, Safustil, Bienvenue. La Tour PNL qui dit très belle prod. Ben, prod qui est sur, euh, qui est sur mon. Non, je suis pas mute, Diamond. Je le sais, je le vois. Euh, prod qui est sur mon projet, du coup, si vous voulez vous, vous abonner. Euh, N'hésitez pas. Franchement, tu sais à quel point c'est horrible de faire ça à un streamer en plus. Hein. J'ai pas envie de vous donner le trick parce que c'est vraiment atroce, mais. Vraiment, si vous détestez un streamer, vous créer mute dans le chat. Normalement, vous allez vous faire ban. Hein, si vous le faites, si vous le faites comme ça, mauvaise catégorie. Bon, on va changer la catégorie, c'est pas un souci. Mais vraiment, c'est atroce de dire un streamer mute quand il est pas mute. Vraiment, ça, c'est tellement angoissant, tellement angoissant. Ouais, je vais changer la catégorie. Peut-être qu'on jouera Helldiver d'ailleurs ce soir. Hein. Euh, on verra si je suis toujours chaud à, à minuit, mais pourquoi pas euh, Moi, j'étais chaud pour faire une petite nuit Helldiver avec Diamond. Pas forcément toute la nuit, mais pendant une heure ou une heure ou deux, quoi, je sais pas. Si ça te chauffe Diamond, on verra à la fin. On verra si j'ai l'énergie, si j'ai la foi, il faudra que je me fasse à manger à un moment aussi. Mais bref, j'ai mangé un peu avant le stream, mais je pense d'ici minuit, je vais faim. encore. Merci Tobias1. Moi, je suis un petit oiseau, vous savez, je picore. Il faut que je picore euh, toutes les... les deux heures, quoi, à peu près. Hein. On va parler de quoi euh, Eh bien, on va parler de plusieurs sujets qui sont indiqués dans le titre ci-dessous. Vous voyez, il est là, le titre. Euh, donc, faut-il doxer les harceleurs On va regarder une vidéo de Wild Eye Demon que les gens, désolé si vous venez de chez Daimon, désolé, vous l'avez vu, mais avec Daimon on a la même idée, on a eu envie de parler du même sujet, donc on va re-regarder la vidéo pour les gens qui n'ont pas le contexte, on va peut-être skipper certains passages, pas la regarder en entier, euh, on va regarder également euh, peut-être un bout de la vidéo du Bouzeux qui a répondu, elle n'est pas très longue je crois, oh non, ah ouais ben bah, désolé, hein, c est, c est, je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que je trouve c'est assez précis, donc j'ai sans doute répété pas mal de choses que Daimon a dit, mais bon, il y a le public YouTube. Euh, qu'il faut qu'il faut aussi parler de ça euh, les gens qui nous suivent sur YouTube merci de mettre un pouce bleu si vous nous suivez sur YouTube hein, vous, vous le savez il y a il versus expert qui est dans le chat on a en plus le gratin qui est là euh, Cobra qui dit dinguerie ce truc on va en parler on va en parler merci safrane 3000 merci beaucoup pour les, les 25 mois safrane 25 mois d'abonnement quel plaisir quel plaisir et du coup je me disais en lançant peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le stream, qui vont débarquer, qui vont dire qu'est-ce que c'est ces gens qui critiquent, sont-ce des harceleurs, critiqueurs euh, Non, ici, on est une, à la base une radio libre. Alors j'en fais plus trop des radios libres, hein, mais vous savez que si vous demandez, si vous avez vraiment envie de monter en vocal, c'est toujours possible. Je ne serai jamais fermé à ce que quelqu'un monte en vocal. Pour débattre d'un sujet, pour expliquer quelque chose, pour quoi que ce soit, en fait. Si vous pensez que c'est important de dire quelque chose sur le stream, que j'ai dit une bêtise, par exemple, ou que vous voulez me contredire sur un, sur un argument, après, il faudra assumer la discussion qui va avec. Hein. Ça, je vous préviens. Moi, je suis une pipelette, donc euh, voilà, il faudra assumer le débat. Mais bien sûr, vous pouvez tout le temps monter ici. Donc, de base, voilà, on est une radio libre, euh, un espace d'expression. Moi, je viens de la radio, à la base, voilà, je suis. Euh, je suis quelqu'un de la radio, donc si euh, donc je continue à faire sur Internet ce que je faisais en radio FM, sur la radio ici et maintenant, hein, pour ceux qui, qui, qui ont connu à l'époque, euh, radio plutôt euh, New Age, un peu, un peu bizarre. Hein. Merci beaucoup euh, Mirko68, euh, ce pas forcément les trucs que je vais défendre ici, ce qui se passait à la radio à l'époque. Euh, voilà, il y a beaucoup de trucs New Age et tout. Moi, je suis quand même plus côté zététicien, donc ça m'a permis en étant dans ce, ce sens, on peut parler. Bah, si vous avez un truc précis à dire, oui. Ce que j'ai arrêté de faire, c'est les radios pirates à l'ancienne ou euh, voilà, les radios libres à l'ancienne où il y avait 72 personnes en permanence sur le chat. C'était très bien, surtout pendant la période gilet jaune. On a beaucoup discuté, accueillir des gens, etc. Mais euh, t'es resté combien de temps chez Radio ICI maintenant ben, J'y suis rentré en 2007 et j'en suis parti en 2015. Et j'ai vraiment été employé de 2010 à 2015. Voilà. Euh, donc là, je donne tous les, ind tous les indices pour me, pour me faire doxer. Mais bon, bref. Mais, euh, mais voilà, du coup, il y a même des gens qui suivent ce stream aujourd'hui qui me connaissent de l'époque de, de Radio Ici et maintenant. Précis sur le sujet, euh, RG6, ben, le sujet ou un sujet qu'on est amené à, à. Pourquoi tu veux dire quelque chose Après, si tu me dis, ouais, il y a un truc, j'ai trop envie d'en parler, c'est ultra important, il faut qu'on en parle, ben, on peut prendre 15 minutes pour en parler, il y a aucun souci. Tu sais qu'ici, on a le temps, on prend le temps et tout, donc euh, non, pas du tout. Ben, voilà, alors ne faites pas des fausses alertes non plus. Mais si c'est le cas il euh, n'y a pas de souci on est voilà je, je disais que c'était une règle générale rg6 une règle générale sur ce stream que si vous avez envie de monter en vocal à n'importe quel moment pour dire un truc important et ben moi je vous laisserai parler après si vous dites de la merde je vais vous bâcher c'est sûr gentiment mais voilà je, je vais pas euh, voilà, on va pas non plus euh, laisser interrompre le stream de manière euh, il voilà. y a des gens qui montent qui trollent parfois donc bon ça on va éviter mais si vous avez des choses pertinentes à dire il y a aucun problème si vous voulez me corriger sur un truc et tout, c'est même accueilli volontairement. Donc c'est pas pour euh, voilà ici on n'est pas dans un truc sectaire où il faudrait euh, tous penser la même chose, etc. Quoi. Évidemment que j'ai mes opinions euh, de gauche. Euh, voilà, je suis de gauche, oui, voilà, j'en ai pas honte. Donc euh, oui, il y aura des opinions de gauche. Trigger warning, les droiteurs, il y aura des opinions de gauche émises sur ce stream en permanence, en fait, constamment. Donc euh, voilà. Pourquoi tu fais plus de Radio Libre en tant que tel Ben parce que euh, beta, beta, QV. Euh, je trouve que parfois les auditeurs cassent le rythme en fait. Qu il y a des auditeurs, ils n'ont pas des choses ultra intéressantes à dire. Enfin, c'est pas forcément que ce qu'ils ont à dire est inintéressant, mais c'est souvent assez banal au fond. Et moi, j'en ai fait pendant littéralement 12 ans des radios libres, même plus en fait. Hein. J'ai arrêté il y a 2-3 ans, donc c'est ça, ça fait plus de 12 ans de radios libres. Au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir entendu tous les avis et entendre un avis banal que j'ai déjà entendu 8000 fois bégayer. Euh, pendant une heure sur mon stream, je t'avoue que je ne peux plus en fait. Voilà, je l'ai trop fait, je ne, je ne peux plus faire ça. Donc euh, voilà, merci Aurélien B. donc Je, voilà, je ne peux plus entendre quelqu'un bégayer pendant 8 heures pour dire un truc d'une banalité totale, genre que Macron est nul, on le sait, voilà, c'est bon. Donc je l'ai énormément fait. Si vous voulez les archives d'ailleurs de, de mes radios libres, si vous, vous êtes nostalgique du temps des radios libres, ben, c'est à peu près évident qu'il y en a plein que vous n'avez jamais écouté parce que, à part moi, je pense que personne n'est à tout écouté en fait. Hein. Quoique si, il y a euh, un mec qui s'appelle Aurélien Albardier qui met un commentaire sur toutes les vidéos. Donc euh, merci beaucoup Marvaxor, merci pour le soutien, merci, ça fait très plaisir. T'es de gauche, désabo. ah oui, dés désabonnez-vous si le fait que je sois de gauche vous gêne. Hein. Mais bon, là, là, ouais, là j'avais déjà arrêté les radios libres, mais si on remonte vraiment, j'aurais dû trier par ancienne. Attendez, on va refaire ça. On va, voilà, Vous allez dedans. Donc attendez. Vous ne voyez rien du tout, donc c'est catastrophique. Voilà. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube dont le lien est dans le chat. Non, c'est pas toi Aurélien, c'est un autre Aurélien. C'est un autre Aurélien. Euh, c'est un Aurélien qui regarde tout depuis le début. Et là, il arrive presque sur le temps présent, mais parfois il fait des pauses et du coup ça rattrape. Donc euh, il aime regarder les trucs, voilà, en décalé. Mais si vous allez donc sur ma chaîne YouTube, euh, vous allez sur en direct. Important, cliquez sur en direct. Vous n'allez pas dans vidéo, mais dans en direct. Parce que moi, c'est que du stream. Merci beaucoup euh, Anonymous Gifter. Il y a des vidéos, des extraits, etc. Mais il n'y en a pas énormément par rapport au nombre de streams. Donc les rediff des streams elles sont vraiment là. Vous, vous triez par les plus anciennes et là c'est que des radios libres en fait. Que 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 des radios libres. Alors c'était dur sur celle-là parce que j'avais un seul viewer. Donc heureusement que j'ai des potes qui sont venus m'aider et parler, parler sur l'antenne. Voilà David et Steven je vous embrasse. Je... Merci à vous pour le soutien au tout début. Mais voilà tout ça, ce n'est que des radios libres, que des radios libres. Voilà FAQ de 10 heures, où je réponds aux questions et tout. Euh, il y avait tout le temps des gens dans le chat en fait, dans toutes ces émissions là, des gens dans le vocal je veux dire, des gens dans le chat vocal. Donc, euh, donc voilà tout ça c'est des radios libres des discussions après il y a des certaines émissions genre celle-là avec l'espèce de visage bizarre c'est euh, je lisais juste le chat donc je lisais tout le chat par contre j'étais un peu, un peu fou à l'époque donc euh, voilà tout ça c'est des, des émissions euh, débats radios libres et tout donc j'en ai fait j'en ai fait je sais pas combien de centaines juste sur mon stream avant ça j'ai fait sept ans de radio donc euh, ouais les radios libres voilà pourquoi j'en fais plus aujourd'hui parce que ça m'a ma langue au chat ouais c'était mon format ma langue au chat c'était que je faisais ça avant. Voilà, ouais. ouais, si vous voulez voir le old Cali. Ça a persévéré, ça a payé. Ben ouais, en même temps, euh, moi, je sais pas faire autre chose euh, MobZip. Hein. Le truc, c'est que ce n'est pas vraiment un choix. J'ai commencé à faire de la radio à 19 ans. C'est le, le seul métier que j'ai fait. J'ai fait une formation en radio. J'ai travaillé en radio. Et après, quand j'ai arrêté de travailler en radio, j'ai lancé mon stream plus ou moins. J'ai eu un, deux ans où j'ai fait un peu autre chose. J'ai fait des, des boulots. Euh, chiant de, de vraiment des boulots que j'ai plus du tout envie de refaire des voilà des, des boulots euh, dans le tourisme etc non, Je ne veux plus faire ça donc moi mon métier que j'aime c'est la radio c'est l'animation c'est le micro quoi voilà. donc euh, que je le fasse sur twitch ou en radio pour moi c'est plus ou moins la même chose au fond je préfère sur twitch parce que j'ai plus de liberté quoi donc euh, donc voilà donc si vous voulez aller voir ça je vous mets le lien voilà c'est dans l'onglet en direct je t'ai découvert à y a 3-4 ans sur une radio libre légalisation du cannabis. Ah c'est peut-être celle-là, attends je crois que je l'ai vu. En scrollant. C'est genre celle-là peut-être. Faut-il légaliser le cannabis radio libre Il y a 3 ans. Tu as vu l'interview de Jacob Cohen par Jérôme React. Elle est juste énorme. Jacob Cohen, il était pas Soralien à l'ancienne. Je crois qu'il s'était brouillé avec Soral, non. Il était proche de Soral, il s'était brouillé avec Soral. Ouais, c'est longtemps que j'ai pas vu ce qu'il raconte. Euh... Ouais, c'était en 2020, du coup, euh, ce live là. Mais bref, oui. Mais bref, bon, on a beaucoup de sujets à traiter, donc je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cela. Oui, parce que je voulais présenter la chaîne à la base. Donc oui, de base, on faisait de la radio libre, maintenant c'est plus une chaîne de commentaires, d'éditorialisation, éditor... de discussion euh, sur l'actualité. Voilà, on peut le dire comme ça, qu'on discute sur l'actualité euh, voilà, euh, au quotidien. Quoi, hein. Je fais, je ne sais pas combien de streams par semaine, entre 4 et 5, en général, euh, de plusieurs heures. Donc, euh, donc voilà, on fait beaucoup de beaucoup de contenu, de commentaires, on regarde des vidéos, on va regarder ce soir par exemple celle de Lumi et Usul, et on critique, mais je ne considère pas que ce contenu-là euh, ce soit une quelconque, euh, quelconque forme de, de harcèlement, quoi que ce soit, c'est pour ça que je dis tout ça, euh, parce que la vidéo qu'on va regarder, elle accuse euh, plusieurs personnes, euh, notamment Doumit, Martin Eden et Le Bouzeux, euh, d'être des harceleurs parce qu'ils ont fait des vidéos. Alors, c'est des personnes à qui, euh, moi, pour la plupart, par Doumite, on est, on est OK, mais je me suis embrouillé avec Martin Eden et je me suis embrouillé avec le Bouze Donc, euh, ce pas forcément des gens que j'apprécie, ce pas mes amis, vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve quand même que cette vidéo est très injuste envers eux euh, et que, ben, du coup, il faut quand même essayer d'en parler, essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fait euh, dans cette vidéo. Et alors, Sodom a promis qu'il paierait 50 euros pour que je regarde la vidéo de, M de Mister Sam, donc j'ai envie de dire s'il paye, pourquoi pas, mais il faut qu'il paye pour ça, pour qu'on la regarde. Catastrophique la vidéo. Bon, on va la regarder, vic euh, contre raoul on va la regarder, vous l'avez peut-être déjà vu chez Daimon, donc on va, on va faire ça vite fait, on va mettre en, en accéléré, parce qu'elle est assez lente en plus, hein. donc on va se mettre en 1, 75. Les boomers, préparez-vous, là, mettez-vous une petite serviette pour vous essuyer le front, concentrez-vous au maximum les boomers, ok On va y arriver. Donc les personnes soupçonnées de harcèlement sont innocentes, jusqu'à preuve du contraire, cette vidéo sur l'anonymat n'expose pas de preuves caractérisant le présumé harcèlement. Tous les documents présentés, visibles, sont en accès et reproduction libre, publique et légale. Ne harcelez en aucun cas ces personnes, ni qui que ce soit. Saisissez la justice si matière. Démon est un avatar romancé qui ne reflète que partiellement mon métier de détective. Ok. Un peu bizarre la fin du, fin du disclaimer. Donc oui, évidemment, ne harcelez en aucun cas les personnes. Le problème, c'est que cette vidéo est une forme de tuto pour apprendre à doxer les gens, en fait. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais bon, on va regarder. Merci beaucoup Paula, merci pour East le Damon. soutien. Bienvenue sur ma chaîne Betty aux enquêtes. Dans ce chapitre, je rassemble quatre enquêtes similaires. Ça peut être un peu trop vite, même là, type là, de client, même problème, même type de cible. Quatre personnalités publiques souhaitent porter plainte pour cyberharcèlement envers ah, voilà. quatre personnes s'exposant sous couvert d'anonymat. Mon rôle démasquer les cyberharceleurs présumés. Le de magazine, Martha Eden, Doomit et Victor Miguel. Le besoin de vérité. De justice. Wild Eye Je peux faire la voix hein, si vous payez. La voix Qu'on qu soit influenceur ou influencé, les copie réseaux... le contenu de C'est On a eu la même. Euh, Calicor. Oui, parce qu'il y a des kalidoscopes, c'est pour ça que tu dis ça. Mais on a eu la même idée avec Diamond, donc euh, bon. Sociaux ensemble moins de mais... dialogue, offrant une scène mondiale pour exprimer notre humanité dans cette scène numérique aux 1000 fait dire Diamond a dit. Ok, je vais essayer de rien dire que Diamond a dit. 7, le public va et vient, applaudit ou critique, propageant notre message au-delà des écrans par ses échos, ses ovations, et ses huées. L'enrichissement commun est néanmoins inestimable. Tu vas te faire doxer par elle, fais gaffe. Ben franchement, moi, je suis comme n'importe qui, en fait, euh, tout à fait doxable. Hein. Euh, quelqu'un m'a déjà envoyé mon adresse en mode, ah, tiens, tu, tu habites là, heureusement que c'est quelqu'un de bienveillant. Euh, mais voilà, effectivement, moi je sais que mon adresse, elle est pas difficile à trouver. Par contre, en fait, le problème, c'est que pour me harceler, ça demande un investissement pour m'harceler physiquement, venir à mon adresse, etc. Ça demande un investissement. En fait, le, le harceleur, il regarde le, billet des prix, de, le prix des billets d'avion. Il est déjà en mode, bon, non, quoi. 300 balles pour aller harceler Vision, ça ne vaut pas le coup, je pense. Après, il faut louer une voiture sur place, ça coûte une blinde. Donc, juste pour venir jusqu'à chez moi, déjà, le mec, il est 500 euros dedans, quoi. Donc, c est, c est, en fait, ce n'est pas, pas possible, quoi. C'est genre, il voit l'adresse et il se dit, bon, je laisse tomber, quoi. Même s'il si est impossible de saisir chaque main tendue, d'écouter chaque voix qui s'élève. Et parfois. En même temps, Kali est le roi pour se faire hacker son ordinateur. Ça fait longtemps que je n'ai pas été hacker, bon, je ne devrais pas dire oh, pas, Certains spectateurs se déchaînent, déversant du leur ciel, criant plus fort que tout le monde. Sur Internet, l'anonymat bah, bah, permet de se révéler pas, sans crainte plaît. du jugement et de la pression des autres. Les murmures dans la salle deviennent alors la cacophonie, plus moyen de se faire comprendre librement. Ok. Ces ombres dans la foule extériorisent peut-être ce besoin qu'on a tous de se, faire, de se faire entendre pour échapper au silence assourdissant qu'est la solitude. Si un mec qui vient te harceler chez toi, tu lui payes le café. C'est toujours ce que je me suis dit. Je me suis dit que si au fond, je Enfin voilà, c'est genre, si -ce vous voulez que je dise, je ne vais pas le. Je vais pas le frapper. Après, je suis armé. Il hein. faut, pas... faut que je le précise quand même. c'est j'ai vu qui disait Ouais, moi je suis armé, etc. Je fais savoir que je suis armé. Moi aussi, je fais savoir que je suis armé. Hein. Je suis corse, donc je suis armé. Donc euh, n'essayez pas de venir me tester. Hein. vous essayez de venir me tester, c'est à vos risques et périls. Hein, parce que moi, j'ai Big Pun et Fat Joe qui sont là. Donc euh, voilà. À vos risques et périls. Hein. Mais expliquer, c'est pas excuser. Qu'on soit influenceur ouais. ou influencé, parfois. Ces ombres parviennent à nous assombrir. Et je ne compte pas les laisser agir en toute impunité. Face au problème du harcèlement en ligne, j'observe diverses réactions. Pantagus qui dit tuto pour les harceleurs. Dilabs, il y a moyen de choper des beaux vets Figari. Ouais, si tu veux, t'arrives à Figari, bah, c'est bien. Pour 35-40 euros. Gaffe au TATP. C'est quoi TATP Des corses par contre. Bah le truc c'est que ouais, t'arrives à Figari. Ben bah, après je vais pas me doxer mais. T'as encore de la route, on va dire, pour arriver jusqu'à chez moi. T'as encore pas mal de route. Déjà, voilà, lou... regarde le prix pour louer une voiture. C'est surtout ça. Genre, t'as des hacks pour ça parce que c'est cher. Hein. Je dis que c'est cher. Tout légitime parmi mes pères. Ignorer, répondre ou faire taire. Si le mec fait ça, il prend l'avion, il débarque à Figaro, il prend une voiture et tout, il vient jusqu'à moi, je... ouais, je lui paye le café. Je lui dis, franchement, chapeau, tu vas vraiment me pour pouvoir en fait tout ça pour au final que je te paye un café. Bon, bref. La réputation en ligne, c'est ce qui remplit ou vide notre salle de spectacle voler une voiture oui voler une voiture encore c'est très bonne idée ça vraiment c'est la meilleure idée voler une voiture encore Corse, vraiment je le conseille à tout le monde c'est vraiment la meilleure chose à faire pour mourir en fait tout simplement si vous êtes suicidaire c'est la meilleure chose à faire sinon je vous conseille pas vraiment portefeuille notre jauge d'épanouissement aussi et regardez Joe Clo là Elle est en train de regarder Joe Clo d'accord basicole harcèlement du coup Alors, je plaisante Joe Clo c'est pas un harceleur mais bon Le truc c'est qu'il fait partie de cette sphère là quoi donc si on en veut à Doomit, parce que la vidéo va parler, je spoiler, hein, elle va parler de Doomit et de Martin Eden, mais si on reproche des choses à Sodom qui envoie les 50, que ce mon Dieu. Ok, ben bah ok Sodom, on va regarder ça. On va regarder Mister Sam, regarde, je la rajoute dans la playlist instantanément. Je suis ton esclave. Je suis ton esclave Sodom. Merci beaucoup pour les 50 euros. Et spoiler, je comptais la regarder de base, donc euh, merci beaucoup pour les 50 euros, mais on va la regarder En vitesse 1, t'as demandé, hein, donc ce sera, ce sera en vitesse 1 ou vide notre salle de spectacle. Notre portefeuille, notre jauge d'épanouissement aussi. En tant que détective privé, je travaille main dans la main avec le système judiciaire. Le réacte, il est certes pas. imparfait, mais actuellement, il reste l'outil le plus efficace. Donc... Le système judiciaire est imparfait, mais ça reste, ça reste le plus efficace, quoi. Autant s'en servir à notre avantage. Et puis surtout, la collecte de preuves recevables devant un tribunal est ma spécialité. J'aime fouiner, creuser, approfondir. Et c'est précisément ce que je fais dans cette vidéo. Détective privé. Mais avant de se perdre, un grand merci à notre sponsor, NordVPN, ah leader de la confiance. Ah Ah d'accord. Donc le harcèlement sponsorisé, pardon, le doxing sponsorisé par NordVPN. Ah d'accord, ok. Euh, je m'attendais, j'avoue que de base, quand j'ai vu la vidéo, parce que j'ai déjà vu la vidéo, mais quand je la regardais de base, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un... un il aurait peut-être pu y peut avoir une phrase de transition en mode « Et si vous voulez harceler en toute sécurité, pensez à NordVPN. » NordVPN vous permet d'harceler en étant caché, genre c'est un, un peu bizarre, non Ça me rappelle euh, la vidéo, la fameuse vidéo, là, de, un truc qui avait été leaké de, de psychodélique qui discute avec euh, Chisel et qui lui met la pression pour qu'il vienne sur son stream pour parler et tout, alors que Chisel est au bord du, du suicide. Ben, on a appris plus tard que la fameuse OPSP, parce que du coup Psycho devait sortir une vidéo, mais il voulait pas l'annuler. Parce que y avait une OPSP dessus. Et Chisel était en mode je suis au bord du suicide, frérot annule la vidéo. Et en maintenant je peux pas, il y a une OPSP. » C'est une OPSP CyberGhost VPN. Donc voilà, donc les VPN vraiment, une moralité à toute épreuve. Hein, les VPN vraiment on adore quoi. C'est pas bon pour le narratif. Oui voilà c'était ça. Ouais donc euh, ça, me fait un peu, ça me donne un peu des relents de ça là, de voir une sponsor NordVPN sur cette vidéo. Évidemment on va la skip, hein, mais bref. Cécile v juriste de profession et auteur de la chaîne Vous avez le droit, qui va nous éclairer sur le les éléments bizarre, là, pour le du délit de harcèlement et de ses dispositions légales. Alors le harcèlement, c'est une infraction relativement nouvelle. Ah, en... vous avez le droit, je l'adore, lui. En français qui a été introduit dans le code pénal afin de répondre aux nouveaux types de comportements, entre autres sur les réseaux sociaux. Regardons comment texte est rédigé. Il s'agit de l'article 222-33-2-2 du code pénal. Des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet. C'est-à-dire que la simple intention... Vraiment, en vrai, je trouve rompiche. Rompiche à, à F. Voilà. Des harceleurs de nuire à quelqu'un suffit pour que l'infraction soit constituée. Il n'y a même pas besoin que les conditions de vie de la victime aient été effectivement altérées. La simple volonté de le faire suffit. Continuons la lecture de ce texte. L'infraction de harcèlement peut donc être commise alors même que chaque personne poursuivie pour harcèlement n'a commis qu'un acte unique, du ah moment oui qu'il y a une volonté collective de harceler la victime. Et ça ah va oui. même plus loin que ça, puisque même s'il n'y a pas d'entente, différentes personnes qui harcèlent, il suffit qu'elles soient conscientes de l'existence du comportement des autres pour pouvoir être poursuivies et condamnées okay. pour harcèlement. La ah, loi harcèlement avait été créée en 2002, mais elle a, a été, été complétée par la loi Chiappa en 2018, afin de prendre en le harcèlement lorsqu'il est commis par un moyen numérique. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Merci, Jamie Merci, Seb. Cet exposé indique clairement que je n'ai aucunement le droit de divulguer l'identité de l'individu concerné. En faisant cela, je commettrai moi-même un délit, bah donc, oui. euh, celui de doxing. Puis même d'un point de vue éthique, ce serait violer la vie privée, permettre un potentiel nouveau harcèlement, voire en effet, pire, tu oui. sais. Mon but, ce n'est pas de créer une oui, série effectivement, de. Effectivement, oui. Merci beaucoup, euh... Merci beaucoup le Maxter. Mais du coup, le fait de montrer comment. On fait pour trouver l'identité de quelqu'un qui est sous pseudonyme. Est-ce que c'est pas déjà euh, aller dans le sens de ce qu'elle dénonce là C'est-à-dire elle veut éviter de faire quelque chose, mais au fond elle, le, elle va le faire, quoi. Donc, euh, ouais. Des pour traquer euh, tous les fauteurs de troubles présumés en faveur de, de plaignants, ni de les jeter en pâture sous le feu des projecteurs. Mon intention là, c'est de prouver aux anonymes qu'ils ne sont pas intouchables, de les rendre à leur tour vulnérables et de mmh. donner plus de pouvoir aux victimes. Je veux démontrer que tout le monde peut être amené à devoir répondre de ces propos et comment les détectives, comme moi, peuvent vous y aider. Les compétences et le modus operandi d'un détective, ça ne doit jamais servir en aucun cas à harceler quelqu'un, quand bien même il serait reconnu coupable avec certitude. L'objectif euh, est de l'emmener devant la justice s'il y a lieu. Autrement dit, la victime n'est pas plus légitime à harceler un harceleur que le harceleur n'est légitime à harceler la victime. Dès lors, les informations partagées dans cette enquête publique ne sont en aucun cas à caractère privé. Je le répète. Le détective est uniquement autorisé à utiliser des sources de données ouvertes et conformes à la loi. Les informations fournies ici ne le sont qu'à visée démonstrative afin de mettre du poids sur mes allégations. Ensuite, il faut savoir que euh, j'expose des Martin gens Eden. qui se découvrent délibérément sur Internet. Je précise enfin que mes clients... Ah mais du coup, ont... ils ne sont pas anonymes. Ils se découvrent délibérément. Ils sont sous pseudonyme à la limite. Que ce soit le cas du bouzeux Mardin Eden dumit oui, ils sont sous pseudonyme. Daemon et moi, on est sous pseudonyme aussi. Mais du coup, on... pour certains d'entre nous, on parle à visage découvert. Effectivement, c'est pas très compliqué de trouver notre identité pour quelqu'un qui est déterminé. Euh... Ouais, du coup, euh... quel est l'intérêt de faire une vidéo pour dire ça, en fait Et surtout, euh... si ces gens sont sous pseudonyme quand ils font ce qu'ils font, c'est pas... pas anonyme. Du coup, le problème, c'est pas qu'ils soient anonymes. Le problème, c'est du pseudonymat pas d'anonymat. Bah, oui, évidemment. Quoi, Kali, qu c'est pas ton prénom, choc-barre. Mon prénom, c'est Lysandre. je l'ai déjà dit un milliard de fois, enfin, on le sait. on leur aval pour que je révèle certains. mon pseudo sur Steam, c'est mon pseudo sur Discord, c'est mon prénom. Euh, voilà, prénom corse typique. Aspect de notre contrat. Sans cet accord, je suis évidemment soumise, comme mes confrères, au devoir de confidentialité. Maintenant qu'on connaît les aspects juridiques du sujet, rentrons dans son vif. Qui sont les quatre cyberharceleurs présumés dont je vous parle aujourd'hui Il s'agit du Bouze Magazine, de Martin Eden, de doumitz et de Victor Nickel. Quatre pseudonymes dissimulant l'identité bien réelle de quatre individus de chair et de sang. Mmh. Cette affaire de. Oui, de chair et de sang. Bute le jour où Arnaud Thierry, alias Astronogeek, me mandate dans le cadre de sa plainte contre un youtuber anonyme se montrant particulièrement agressif à son égard. Le de magazine. Lisandre Vision. Ça y est, j'ai été doxé par Bolpismut. J'ai été doxé. Harcèlement, harcèlement, je suis doxé. Avec mon agence de détectives qui tombe déjà à plein régime, je suis avide, tout le temps, de mystères à dévoiler. Retrouver les gens et mon domaine d'expertise. L'appel d'Arnaud tombe à pic. C'est d'ailleurs le second harceleur du net qu'on me demande de retrouver en quelques semaines à peine, comme si les masques étaient sortis. Comme s'il les... est Le Bouzeux Magazine, c'est un Oula type qui, sur sa chaîne YouTube, a fait des dizaines de vidéos et des centaines de tweets où il me traite de facho. Et... Alors, euh, des dizaines de vidéos, le Bouzeux Je crois que Daimon a vérifié tout à l'heure c'était ce pas ça, hein, de ce que j'ai vu vite fait. j'ai pas vu ce, ce moment-là en détail, mais il en a vu quoi 5, 6, pas, au maximum, il y en a 10 où il parle de lui, mais des dizaines. Tout de suite, on est dans l'exagération instantanée. Hein, je crois qu'il y en a 3. Voilà. Je crois que des vidéos vraiment sur lui, de sur il y en avait 3. Ok, de sûr, il y en avait 3. Il a sans doute parlé de lui à d'autres occasions, peut-être par des, des blagues, des trucs. C'est vrai que sur Twitter, il y en avait sans doute beaucoup, des centaines. Là, pareil, je suis pas sûr de, du chiffre. Donc tout de suite, ça donne l'impression que le mec fait des dizaines de vidéos. Il est obsédé, quoi. Alors que s'il en a fait trois, c'est pas des dizaines, quoi. Mais bon. Et de violeurs. Après le bouzeux, c'est ça, ouais. Le bouzeux, bon. Moi, pareil, je me suis embrouillé avec le bouzeux. J'ai essayé de lui tendre la main. À un moment donné, il était, voilà, euh, ouais, il m'a, craché dessus. Euh, bon, qu'est bon, ce que vous voulez que je vous dise. je ouais, j'ai pas, pas cherché plus loin. Hein. Mais, euh, mais effectivement, le, le bouseux, là, c'est vraiment aller le chercher. Enfin, euh, c'est l'histoire avec AstronoGeek et le bouseux, ça date de quand Il y a deux, trois ans. Merci, ça l'a dit, putain, j'ai perdu déjà le défi. Certes, il s'en défend. Il prétend à qui veut l'entendre qu'il n'a jamais dit ni l'un ni l'autre. Mais ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est que la justice n'a pas besoin de l'entendre prononcer un mot pour qu'il y ait diffamation. Il fait des sous-entendus gigantesques et des raisonnements par lesquels il emmène son auditoire vers cette conclusion, mais sans avoir à dire lui-même. Voilà, il a montré trois vidéos, effectivement. Hein. En mode les dizaines de vidéos. Il fait des sous-entendus gigantesques et des raisonnements par lesquels il emmène mais son auditoire deux, vers cette trois. conclusion. Bon. Et la, la troisième, parlait même pas vraiment de lui. Mais sans avoir à le dire lui-même. Et donc, même s'il si ne prononce pas les mots, la diffamation est caractérisée. En 2021, j'ai commencé à en avoir plein le cul de son harcèlement. De la même manière, ça aussi, il s'en défend, mais quand en moyenne, on parle plusieurs fois par semaine d'une personne pour la dénigrer, ça s'appelle du harcèlement. Mmh. J'ai donc commencé à constituer un dossier contre lui, mais pas le. C'est qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui sont en mode astronophaph, astronophaph. Alors, est-ce que ça, ça constitue du harcèlement que les gens le surnomment astronofaf. Moi, je n'en suis pas convaincu, je pense que c'est un... comment dire C'est insultant, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, le truc, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit du harcèlement, et je ne suis pas sûr que ce soit vrai non plus. Je ne pense pas qu'Astro soit faf. Vraiment, les faf, c'est genre, je sais pas, c'est les KB, c'est les, les Conversano, les mecs comme ça, c'est ça, les faf. Euh, vous voyez ce que je veux dire, les Baptiste Marchais et autres, qui sont vraiment en mode... Euh, voilà, mode faf, quoi. Lui, il est confus de droite, du à je parle en termes de politique, hein. après je parle pas sur l'astronomie, j'en sais rien, hein, j'y connais rien à l'astronomie, je juge uniquement ses prises de position politiques, notamment son débat avec Badmulch, notamment sa vidéo pendant le confinement sur un pays où ça file droit, où on peut manger par terre comme la Chine ou je sais pas quoi, euh, je juge sur ce genre de, voilà, de, le peu de choses qu'il a dit politiquement quoi, pote avec Code Reno, c'est un confus, au fond il est confus de fou, il ne sait pas de quoi il parle, il est ignorant parce que confus il y a des conflits, ils savent des choses, euh, mais ils ont encore un peu de mal. Lui, il est ignorant, c'est vraiment ça. Sur la politique, il est totalement ignorant et il parle comme s'il s'y connaissait. Il a ce biais de. Il s'y connaît dans un domaine, il pense qu'il peut parler d'autres domaines avec de la certitude, surtout que sur la politique, tout le monde a un avis. Et lui, voilà, il est vraiment ignorant. On sent qu'il n'a jamais lu un bouquin sur aucun sujet politique. Enfin, ça ne l'intéresse pas, quoi, en fait. Mais il a des avis tout à fait euh, arrêtés péremptoires péremptoires sur, euh, sur la politique. Mais vraiment, au fond. Euh, pareil, Badmulch aussi, c'est un de mes enfants avec qui je me suis embrouillé. Mais euh, oui, j'ai de nombreux enfants. Hein. C'est une famille difficile, mais bref. Mais du coup, Badmulch, je trouve que dans le débat qu'il a fait avec Astronomique, il montre la médiocrité absolue d'Arnaud. Il ne sait pas de quoi il parle quand il parle de politique. Voilà. En termes de politique, j'entends. En termes de politique. Mais être médiocre, ça fait pas de toi un FAF. Donc, euh, qu'il soit FAF compatible, quelle famille un hein. Kourou, toi, tu es la seule. Hein. Heureusement. Hein. Je remercie tous les jours le ciel d'avoir au moins une fille qui me, qui me porte de l'honneur et de la grâce et pas comme les autres. Mais bref, merci Coura, merci à toi. Tu sais que tu es la seule. Et bref. Mais du coup, euh, voilà. Il y a Arnaud, il est ignorant et médiocre dès qu'il est question de politique. Voilà, ça c'est la vérité. Vous devriez le surnommer médiocrophaf, euh, médiocronote. Bon, je sais pas comment il s'appelle. Bref. Enfin, bon, en tout cas, j'ai jamais utilisé le terme astronofaf parce que je trouve c'est, je trouve c'est un peu lame aussi, quoi. Je, enfin, je vois pas. Je... Ça, ça me rappelle les gens qui sont en mode. Euh, qui disent. Oh, je dis tout le temps ce truc, ce rapprochement, mais pour moi, c'est exactement la même chose. C'est les gens qui sont en mode Micron Et alors, s'ils disent Macron par hasard, ils se reprennent en mode Micron euh, Macron Non, Micron Je voulais dire Micron C'est vraiment. Voilà, c'est pour moi, c'est un peu ça, ceux qui disent tout le temps astronophafes, astronophaf. Et C'est vrai que le Bouzeux et Martin Eden, ils font partie de ces personnes-là, quoi. Après, est-ce que ça, ça devrait finir au tribunal Je ne pense pas. Voilà. Vous voyez, un avis nuancé. Vous voyez, un avis nuancé. C'est ça, un avis nuancé. Le problème, c'est qu'il était complètement anonyme, impossible d'avoir une identité et donc quelqu'un contre qui porter plainte. Parce que concrètement, une plainte contre X, ça lui aurait pas fait grand chose, il fallait le toucher lui directement. Et c'est là que j'ai entendu parler de Daemon, et que je lui ai demandé si elle pouvait faire quelque chose pour moi. Sur YouTube. Il un... ne parle pas de Daemon, il parle de Wild Eye Daemon dont on regarde la vidéo en ce moment. Un contenu, quel qu'il soit, peut être commenté et critiqué par n'importe qui, et son message peut avoir une portée bien supérieure à un commentaire chuchoté dans l'oreille de son voisin de siège. Dans notre salle de spectacle, au milieu des applaudissements, des huées et des critiques constructives, il y a un autre type d'individu. Vous ne l'entendez peut-être pas, vous qui ne lisez pas les commentaires, mais quand on est sur scène et qu'on entend le brouhaha de la foule, nous autres vidéastes, on l'entend. On l'entend d'autant mieux qu'il sait pas s'arrêter. Ce troll-là n'a rien à voir avec le gentil troll qui fait est des blagues aussi en... bloqué, non Je sais pas, il y a des gens qui sont en boucle à faire des trades, euh, des trades sur, euh, sur moi et d'autres gens que j'aime bien en permanence, ben au bout d'un moment ils m'ont bloqué, et puis voilà, on se parle plus, et c'est tout quoi, pas de... Ils peuvent continuer à parler sur moi qu'est-ce que ça qu ce que ça change quoi et il est en mode nous on est sur la scène et il y a des gens dans la salle qui qui ont des qui nous qui arrêtent pas de nous critiquer quoi et ça alors on le voit donc j'envoie un détective privé pour trouver l'identité de la personne qui me critique quoi c'est wow. c'est bizarre un peu quand même en commentaire si certains sont là pour plaisanter lui Parce que si on il... parle de fait de harcèlement faut montrer tu vois faut montrer d'harcèlement genre faire trois vidéos c'est pas ça du harcèlement pas enfin voilà c'est faire 20 vidéos sur une personne en suivant tous ses moindres faits et gestes. Ça, par exemple, plutôt ce qu'a fait Psychodélique, quoi. Psychodélique qui a continué à faire des vidéos sur des mois et des mois et des mois sur les mêmes personnes pour mettre les gens dans des sauces, pour ensuite que ça réponde, et on savait que derrière il y avait un harcèlement qui suivait, etc. Bon, évidemment, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo-là, quoi. C'est clairement là pour nuire. Les seules insultes ne lui suffisent pas. Le troll est capable de se fendre de sa propre chaîne YouTube où son contenu se concentre sur le dénigrement et la diffamation de quelques Youtubers plus importants que lui. En parallèle, il va alimenter son compte Twitter de la même manière. Le troll ne sait pas créer, il ne sait que détruire. Le troll, c'est un parasite qui vit aux dépens d'un ou de plusieurs créateurs. Parce que sans les créateurs, il n'existerait pas puisqu'il ne produit rien lui-même. Dans une vraie... Est-ce que faire de la critique, de toute façon, c'est toujours au dépend de quelqu'un quand on fait de la critique. Si on fait de la critique politique, forcément on va citer des exemples concrets, on va citer des personnes, on va citer des éléments, on va pas juste faire de la théorie. Donc euh, oui, ça revient à critiquer des gens, c'est évident. C'est évident que quand on fait du contenu politique, c'est difficile de le faire sans critiquer qui que ce soit et en faisant, euh, voilà, à moins de faire uniquement de la théorie. Mais c'est... on se vite chier en fait. Il faut prendre des exemples dans la vraie vie. Les rapports de force, ils se jouent dans la vraie vie. Donc oui, tu vas en venir à critiquer les gens. Mais est-ce que faire une chaîne où tu critiques les gens, c'est du harcèlement en fait Moi, je pense pas. Au fond, je ne pense pas. On a le droit de faire une chaîne YouTube pour critiquer les gens. Et ce qui est d'autant plus ironique, c'est que des mecs comme euh, voilà comme lui alors lui je sais pas exactement mais en tout cas Mister Sam il a une discussion voilà très agréable avec psychodélique on les entend pas beaucoup au sujet de psychodélique quoi tous ces gens-là alors que tout ce qu'ils reprochent là en l'occurrence ben psychodélique le fait fois 1000 sur plein de gens mais comme c'est des gens qu'eux n'aiment pas ça les dérange pas du coup c'est ça qui est un peu bizarre quoi dans les salles de spectacle, vous ne verrez pas ce genre d'individu, pour une raison très simple. Si vous veniez à perturber de la sorte un quelconque spectacle, vous seriez éjecté manu militari. Et si vous commettiez quelque acte illégal, l'auteur même du spectacle n'aurait aucune difficulté à faire appel à la loi et vous coller une plainte au cul. Seulement voilà, les trolls sévissent sur Internet grâce à ce qui est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse des réseaux sociaux, l'anonymat. Sur Internet, on ne sait pas qui est cet odieux individu caché derrière un pseudo sur un compte créé sans besoin de donner sa vraie identité. Et si, dans l'espérance de garder un peu de sérénité, on le bloque, Rien n'empêche d'utiliser un de ses mille autres comptes pour venir vous harceler. Et cacher derrière cet anonymat parfait. Il hmm, faudrait prouver que euh, le bouzeux a mille comptes. Là en l'occurrence il parle du bouzeux donc. Il faudrait prouver que le bouzeux a mille comptes et continue de le harceler avec ses mille comptes. Euh... Je ne crois pas que ce soit le cas. Le bouzeux, plus personne n'en parle en fait. Genre là vous lui faites une pub. En réalité, euh, presque ça lui fait du bien je pense. Ça lui remet un petit peu de visibilité quoi. Parce que le bouzeux franchement qui parle encore du bouzeux aujourd'hui quoi. C'est genre vous êtes allé déterrer le bouzeux de sa... De sa grotte à champignons, là, pour... Il euh, est sorti de sa champignonnière pour, au final, le remettre sur le... Sur le devant de la scène, quoi. C'est un peu... C'est un peu chelou, quand même. Tu veux faire l'arc complet Ah, il y a un trait du foyer ouais, bon. Même un peu... Wow, c'est turbolon... Ah, oh, vas-y, c'est jamais de la vie, je dis ça. Certaines personnes révèlent la véritable noirceur qu'ils ont en eux et se permettent de dire des choses... Le quoi. Le pavlar, ouais, trop bien. ...chose non. absolument infecte. Alors, peut-être auriez-vous envie de nous dire de les ignorer. Mais passer un certain niveau d'insistance de leur part, ça devient difficile, voire impossible. C'est difficile d'ignorer des... Mais là, elle date de, date de quand, genre, la dernière offensive du Bouzeux sur, euh, sur Arnaud Genre, euh, Franchement, soyons honnêtes. Moi, je sais pas, je suis pas allé l'or dans le détail, je regarde pas le compte du Bouzeux tous les jours, mais il me semble que ça fait au moins un an qu'il n'y a pas eu de vidéo, qu'il n'y a pas eu de relance, qu'il n'y a pas eu de... de nouvelles choses, en fait. C'est eux qui viennent remettre la sauce là. C'est eux qui reviennent re reparler de tout ça, ressortir tout ça, parler de d'attaquer en justice, de doxer des gens. De... C'est bizarre quand même. Hein. Surtout qu'en plus, il me semble qu'il y a une prescription pour le harcèlement, pour euh, ce qui est dit en ligne. Une prescription. Je sais, alors je sais pas. Les juristes là du chat, c'est combien Du coup, pourquoi maintenant Bah surtout ouais. La, la, la date de prescription est, est importante. C'est combien la prescription pour le, les, fait, les faits de harcèlement en ligne parce que si on a des trois mois, si c'est comme un jure très court, genre trois ans, un si jure, un jure public, on était d'accord, on avait regardé Diamond, c'était c'était trois mois, très court, genre trois mois, voilà. Donc c'est, ouais, on va dire six mois, on coupe la poire en deux, quoi. L Investigation a pris un an. Ouais, mais bon, trois mois pour la diffamation. Alors après là, on parle de harcèlement. Harcèlement, c'est peut-être un peu plus long. Je sais pas. Hein. Victime de harcèlement, en il dispose d'une durée de restriction de six mois. Donc voilà, six mois. Donc, six mois, on est, on est largement au-delà, en fait. Je ne crois pas que ça fait plus de six mois que le Bouzeux a envoyé... Après, je ne sais pas, je regarde pas son compte Twitter. Ça se trouve, vous allez me dire... Mais en fait, il aurait fallu le montrer dans la vidéo, vous voyez. Il aurait fallu dire, regardez, il s'en est repris à moi la semaine dernière. Il a refait ce, cette série de trades injurieux où euh, il dit des mensonges sur moi, etc. Si c'est pas le cas, c'est un peu bizarre de revenir faire une vidéo là-dessus. Le but, c'est d'intimider. On y arrive. On y arrive, C'est Au fond, je pense que le but, c'est ça. C'est ça gens qui cherchent à ternir, voire détruire votre réputation en ligne en propageant des propos de diffamatoires absolument ignobles. Quand la majeure partie de votre activité se fait sur les réseaux sociaux, les trolls sont constamment là en embuscade. Chaque notification peut cacher une nouvelle insulte et chaque page que vous ouvrez peut révéler une nouvelle diffamation. Et le résultat peut être une atteinte durable de votre santé mentale. C'était l'heure pour moi de sonder vers Comment dire Évidemment que le harcèlement, c'est mal et c'est pas bien, mais il faut pas confondre. Euh, des gens qui t'aiment pas et qui te critiquent avec du harcèlement. Enfin, je ferai une distinction. Et même on peut te critiquer de manière véhémente. Après, c'est parce que moi aussi, je viens du lore politique. Et dans le lore politique, il y a quelque chose où c'est très hostile. Il euh, y a des rapports de force, ça se clash. Ça se... Voilà, le monde politique, c'est dur. Les rapports, de... Les rapports de force sont violents. Donc, je suis habitué à un certain niveau d'hostilité dans la communication. Donc, c'est vrai que moi, j'ai peut-être un, un biais vis-à-vis -vis de ça qui fait que, pour moi, c'est normal. À partir du moment où tu fais du contenu sur Internet. Tu t'exposes à un certain nombre euh, de choses tout à fait injustes. Hein, Ce n'est pas pour dire que c'est normal et que c'est bien. C'est absolument injuste. Ça ne devrait pas avoir lieu. Mais on sait que voilà, quand tu t'exposes à des millions de personnes, il y a des gens qui vont pas t'aimer, qui vont te prendre en grippe, on ne sait pas pourquoi, qui vont t'envoyer des messages pendant des jours et des jours, euh, des messages insultants, etc. Voilà, moi, je suis un tout petit YouTuber et ça m'arrive en fait. Donc euh, voilà. Alors après, par contre, j'ai plus le droit de dire que je suis un petit YouTuber. Maintenant, je suis un gros YouTuber. Parce que voilà, on m'a reproché justement que j'interagissais avec des gens qui étaient moins gros que moi et donc que je risquais de leur envoyer du, du harcèlement. Donc voilà, je fais attention. Maintenant, je suis un immense YouTuber qui doit faire attention à sa communauté, cette communauté de, hein, de, de petits poussets là. Hein. Vous êtes méchants, hein. attention. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Calibre hein. premier. Ouais, voilà, en fait, il y, y a Squeezie, Michou, moi et InoxTag. C'est ça le top 4. Voilà. Nu. Qui est le bouseux Quel indice a-t-il laissé derrière lui À quel point se dissimule-t-il Comment allais-je réussir à le retrouver en partant de strictement rien Bon, on respire un coup et on plonge. En s'attardant sur le travail du bouseux, on apprend de sa bouche, avec des détails jetés ça et là, qu'il s'appelle Alexandre déjà, qu'il réside en Dordogne, en France, et qu'il vend ses champignons sur les marchés locaux. Par ailleurs, le bouseux oui. expose son visage dans ses vidéos. Sauf que les outils de recherche inversés d'images, les appels aussi aux commerçants et élus du coin où il wow. réside, tout s'avère infructueux. C'est pas grave, il m'en faut bien plus pour me décourager. Et à la limite, je dirais même que cela me motive. Un jeu du chat et de la souris s'installe, sauf que la souris ne sait même pas que le chat existe. Mmh. En ce qui concerne les coordonnées de contact, j'obtiens sur ces réseaux une adresse mail tout à fait banale. Vous voyez là. Deux derni... revoyer, là. Parce que la souris ne sait même pas que le chat existe. En ce qui concerne les coordonnées oh. Envoyez le mail. Trouver l'adresse et l'identité du bouseux. Donc c'est vraiment ça, genre ils ont payé une détective privée pour trouver l'adresse et ils font une vidéo pour montrer donc c'est pas donc le but n'était pas de contacter la justice puisque là il y a prescription sur les faits. Et le truc est public. Mais ne, ne mènera pas à une plainte. C'est grave en vrai, hein. C'est quoi ça, euh, Wild Eye Demon Eye Alors je vous mets le lien de la vidéo. Hein. Les commentaires sont assez gratinés sur la vidéo, vous allez voir. C'est Gringe. Ouais, c'est Gringe. Ouais. Alors enfin, c'est Gringe le mot, hein, Mais, mais c'est Gringe aussi. Donnez le contact. J'obtiens sur ces réseaux une adresse. Ah du coup, c'est le mail qu'elle que lui a envoyé. Tout à enfin, fait. Deux derniers numéros d'immatriculation de suivi du modèle de l'appareil. Bref, rien qui permet de trianguler une position. Quoi d'autre okay. L'excitation laisse progressivement place à une forme d'appréhension. Cela fait des jours que je tourne en rond dans une impasse. Est-ce que je loupe un indice Est-ce qu'il est trop bien planqué C'est alors qu'un collègue détective que je respecte énormément, Benoît Jutte, la... c'est marrant mais Sylvain a fait une vidéo pour trouver l'identité du lama fâché sans rendre ça aussi malsain. Oui, c'est vrai, hein C'est vrai. Ça surjoue de ouf, ouais. Le disant tu es restera le goat depuis Radio ici et maintenant. Respect maximum, merci Djibrilah. Voilà Djibrilah qui connaît depuis Radio ici et maintenant. Il y en a quand même, hein Surtout sur YouTube, hein. Sur YouTube, c'est là où j'ai le plus d'anciens de la radio. Je crois qu'il y en a quelques-uns sur Twitch aussi. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé là Comment faire face au cyberharcèlement euh... Pour agir, victime, oui, dispose de six mois, on l'a dit. Les victimes disposent de six mois pour agir. Donc il y a prescription, à moins que il y ait eu des faits récents, mais auquel cas, quitte à faire une vidéo publique, autant montrer que c'est raisonnable de faire tout ça, parce que là, absolument rien vu de, de harcelant de la part du bouseux. Genre, ils m'ont montré des demi-tweets qui étaient illisibles, donc on n'a rien vu, rien qui a apporté, on est censé les croire sur parole que euh, c'est du harcèlement et que ça mérite de doxer la personne, ou de montrer en tout cas des éléments pour le faire, quoi. me suggère d'explorer Léo et le Social Club ont fait supprimer les passages où ils apparaissent dans la vidéo. Ah ok, ben ouais, c'est vrai que hier quand je l'ai vu, la vidéo, ça parlait d'eux, effectivement... Euh je crois que quand tout à l'heure on l'a vu chez Diamond, ça n'y était plus. Merci beaucoup, Grotesque. Merci pour les 29 mois. Certains vieux réseaux sociaux, juste au cas où. Merci à merci lui. Merci Flochaton, a... merci pour le soutien. Avant ce cas, je n'étais pas accoutumée au site sur lequel j'ai obtenu le nom complet du bouseux. Mais depuis je ne jure que par lui. Enfin, de quoi avancer. En deux clics, on remonte à sa passion des bah, pépinières. Ouais. à ses Je donne pas le nom du site, au moins. Culture, études où le bouseux, c'est lié d'amitié avec trois de ses contacts Facebook perso. Contacts qui ont tous liké la page pro du Bouzeux. Les nouvelles arrivent et mon enquête reprend de plus belle. Une phrase encore prononcée par le bouseux lui-même et euh, archivée sur la Wayback Machine déclare que autrefois c'était un journal étudiant en version papier, tirant son nom du lycée agricole où il a vu le jour. Le bouseux Magazine donc a surgi le 26 janvier 2015 sur le web. Tout est lié. Mmh est enregistrée dans le répertoire Sirène sous le son nom. Vous pouvez lire l'adresse postale précise du bouseux parmi diverses données d'entreprise. Je finis en comparant les vidéos en extérieur du bouseux avec les photographies de sa rue dans Google Street View. Aucun doute. La forêt aux champignons qui jouxte la propriété, euh, la Dordogne, le nom, le lycée, chaque détail ah concorde. Ouais. Finalement, je fais une demande de 30 Il y beaucoup d'éléments quand même. Hein. Alors ce n'est pas du doxing à proprement parler, mais avec tous les éléments qu'elle donne, qu'est-ce qui empêche quelqu'un déterminé à mener cette même enquête lui-même et à tomber sur les mêmes résultats c'est très très malaisant. auprès du service de la publicité foncière pour savoir bah, qui est... société.com. propriétaire des lieux. Le nom de famille, commençant par la lettre M, correspond à celui d'Alexandre. C'est gagné, un masque en moins. Je souffle, la victoire est mienne. Le chat a attrapé la souris, mmh. mais il doit aussi aussitôt quitter sa peau. Ma mission s'arrête ici. Le bouseux sera-t-il jugé coupable de cyberharcèlement Tout dépendra avant tout de mon client, à présent qu'il sait à qui il peut adresser sa plainte. Le truc, c'est qu'il s'est produit quelque chose d'inattendu. Alors que je commençais à ficeler mon dossier et mon rapport, voilà que le scandale éclate. Et avec fracas. De femmes accusées, le fameux AM d'abus sexuel. Le Donc, ça, ça date d'il y a au moins deux ans, deux ans et demi, même peut-être trois ans maintenant. Donc, euh, ça ressort des trucs pour mettre quelqu'un dans la sauce au prétexte qu'il faut lutter contre le harcèlement. Ça sent la vengeance en fait. Ça sent la vengeance et l'envie de menacer à demi mot les gens quoi. C'est ça que ça sent la vidéo quoi. C'est vraiment non, c'est malsain, malsain de fou en vrai. Hein. C'est absolument malsain de, de faire ça. Parce que je ne comprends pas quel but ça sert. C'est Si l'idée, c'est qu'il faut porter plainte contre le bouseux, il ben, fallait le faire en temps voulu. Au moment où il a, les faits de harcèlement ont eu lieu, il y avait six mois de, de délai pour le faire. Ça n'a pas été fait à ce moment-là. Aller ressortir ça pour dire, ah, tu n'es pas anonyme, regarde, j'ai retrouvé ton lycée, c'est ultra malsain. C'est malsain de fou. La vidéo en elle-même est du cyberharcèlement. Bah, ben, quelque part, oui. La taille du CSC, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable de se... Ce... Là, en plus, c'est un énorme YouTuber qui s'en prend à un minuscule YouTuber. Par d'un rapport, là, je sais pas, il y a 20 000 abonnés d'un côté, 100 000 de l'autre, 200 000, 600 000, je sais pas combien il a, Geek. Mais voilà, il a énormément de followers, énormément de soutien, et il s'en prend à quelqu'un qui est, bah même suite aux accusations, effectivement, de VSS contre lui... Euh, a été euh, même euh, voilà, excommunié de la gauche, a été euh, ben, mis au rebut, quoi, mis au banc de la gauche aussi. Donc il n'a même pas le soutien de sa, de sa communauté euh, de base. quoi Donc même pas 15 000 le bouzeux Donc euh, c'est c'est un 870k Astronowish, Astronowish, Astronowik, Astronowish. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Je ne sais pas c'est quoi son vrai nom. Arnaud, on va l'appeler Arnaud. Donc 878 000 abonnés. Face à une minuscule chaîne qui le critique, et genre il envoie une détective privée, et ensuite ils font une vidéo deux ans plus tard pour révéler des éléments sur lui. Et le. C'est vraiment. Euh... trop bizarre. Hein. Le bouseux, je connaissais même pas. Pourquoi essayer de le descendre Ben ouais, là c'est le ressortir du placard. Alors nous on connaît parce que voilà. Parce que euh, ça fait un moment, quoi, qu'il est sur Internet et il est un peu dans nos sphère quoi, donc. Euh... On va même contacter avant qu'il y ait les trucs sur lui et tout, donc, euh, donc euh, voilà, bref, c'est moi je me souviens de, de quand ça a été euh, annoncé, etc. Euh, là, bref, c'était enfin le bouseau, il a pris cher quoi, donc euh, bon. Pourquoi avertir de futurs déglingos Ben c'est trop bizarre. Explode en plein vol et il a lui-même appuyé sur le bouton. Pas besoin d'en rajouter pour mon client, pour l'instant tout du moins. Voilà, donc si pas besoin d'en rajouter, pourquoi avoir fait 15 minutes de vidéo sur lui en fait, là je... je comprends pas, genre laissez-le, il se dans sa champignonnière, non Pas bizarre. Les deux cyberharceleurs présumés suivants se cachent avec les pseudonymes Martin Eden et Doumit, pour les raisons énoncées précédemment, ces deux... Se cachent, euh... en fait ils font du contenu sur internet quoi, donc ils ont un pseudo, pourquoi ils se cacheraient quoi Surtout Doumit harceleur, genre Doumit il fait des vidéos... Il peut, être, il peut être prise de tête, à la limite, on peut lui reprocher ça, genre, il fait des vidéos gros cerveau en mode, euh, voilà, mais harceleur. Alors, au bout d'un moment, il faut se mettre d'accord sur la définition de harceleur, là, parce que, surtout qu'en plus, on va réécouter. Les deux cyberharceleurs présumés suivants se cachent avec présumé, les... Présumés, elle dit présumés quand même. Ce qu'on entend, c'est quand même les cyberharceleurs, quoi. C'est genre, on entend que euh, le gars te harcèle en citant Spinoza, attention. Oui, c'est ça, voilà, c'est le harceleur philosophique, oui, c'est ça. Non, mais dans ce cas-là... Euh, euh, Antoine Goya est un harceleur parce qu'il a fait une vidéo sur Baptiste Marchais. Moi-même, je suis un harceleur parce que j'ai fait des vidéos sur un milliard de personnes où j'ai repris les vidéos des gens pour les commenter, pour y répondre, etc. Je veux dire, c'est Internet en fait. Donc, euh, si ça, c'est du harcèlement, on peut plus rien faire en fait, en, en vérité. Donc, euh, après, moi, je l'ai fait un milliard de fois. Personne ne m'a jamais attaqué pour harcèlement. Donc, c'est peut-être qu'on peut le faire sans que ce soit du harcèlement, du coup. Mais tu a déjà des problèmes. Alors, oui, on va. On va... Montrer l'extrait sur lui, mais je voulais quand même montrer ce tweet aussi. Merci de me l'envoyer dans le chat. Je l'avais mis de côté. Allez, je l'avais mis de côté là déjà. Euh, donc euh, suite à la vidéo de Demon, nous dit Doomit. pas de Diamond, de Demon, de Wild Eye Demon, la vidéo qu'on est en train de regarder. J'ai déjà reçu des commentaires qui affichent mon nom et certains lieux où je me rends. Cela me met concrètement en danger compte tenu du fait que je suis ciblé par des personnes particulièrement énervées. Donc euh, ouais. Sans suppression de la dite vidéo qui m'attire déjà des ennuis, je porterai plainte contre son autrice ainsi que contre toutes les personnes qui ont contribué. Vous me mettez en danger, je n'ai pas le choix. Donc euh, il adresse euh, Monsieur Sam, vous avez le droit, et AstroNoGeek. Je ne sais pas s'ils ont répondu. Du coup, enfin, Monsieur Sam, du coup, il a fait une vidéo. Euh, vous avez le droit. Je ne sais pas s'il en a parlé ou pas. Ouais, non, on dirait pas. On dirait pas. Euh, ouais, ouais. Franchement, euh, c'est pas cool. Hein. Vraiment pas cool. Parce que pour le coup. Pareil, Dumit, Do moi Doomit, je le connais vite fait, je n'ai pas regardé toutes ses vidéos, etc. Mais s'il y a des faits de harcèlement qui lui sont reprochés, il faut en apporter la preuve en fait. Il faut montrer, euh, il faut, il faut montrer voilà, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Parce que faire des vidéos pour critiquer euh, d'autres contenus, c'est pas du harcèlement, c'est de la liberté d'expression. On a le droit de critiquer d'autres gens. Le harcèlement, c'est d'envoyer des menaces de mort par MP, par exemple. Hein. C'est qu'un exemple. Ça ne veut pas dire que ça doit, ça doit être forcément ça. Mais euh, voilà, quand on fait des vidéos sur YouTube pour critiquer quelqu'un, ce n'est pas du harcèlement. Au bout d'un moment, stop. C'est juste euh, genre non, n'a pas de sens pseudonyme Martin Eden et Dumitz. Pour les raisons énoncées précédemment, ces deux individus font partie de ma liste. Ils étaient et sont toujours visiblement véhéments, s'attaquant à plusieurs créateurs de contenu, portant leur haine au nu et cherchant la confrontation sans répit. J'espère qu'à l'avenir, ils trouveront la paix. Dit quoi, du coup précédemment, ces deux individus font partie de ma liste. Ils étaient et sont toujours visiblement véhéments, s'attaquant à, hein. à plusieurs créateurs de contenu, portant leur haine au nu et cherchant la confrontation sans répit. J'espère qu'à l'avenir ils trouveront leur haine au nu et cherchant la confrontation sans répit. Euh, chercher à la confrontation encore une fois c'est pas forcément du harcèlement quoi. Désolé hein mais je veux dire les faits de harcèlement c'est que ça doit quand même être caractérisé par des choses graves. Euh, demander à quelqu'un de "Oh moi, je te prends en débat ou je sais pas quoi", moi ça m'arrive mille fois par jour en fait. Donc euh, si ça c'est du harcèlement alors je suis harcelé constamment parce que c'est porte sa haine au nu. Au nu. La paix et qu'ils mèneront bien mieux leur, leur combat. Mais si les soupçons qui pèsent sur eux sont fondés, ils seront peut-être un jour tenus responsables devant un juge. J'ai donc décidé d'apporter. Mais quel soupçon en fait Genre quel soupçon Enfin, montre, montre une, une preuve, genre un élément, une vidéo où Doumit il est super vénère, insultant, où il appelle les gens harcelés, je sais pas, genre. Euh... Genre mon, montrer genre un élément, un tweet, un truc, une chose. De, pour prouver déjà ou en tout cas amener des preuves, sans dire que ça prouve, mais voilà juste des preuves quoi, des éléments, des éléments de réflexion. Il n'y a rien là. C'était ma contribution en ce sens. À la justice de trancher, à moi de lui en donner les moyens. Musique angoissante. Dans le déni, Cali. Déni... Reprenons mon histoire où nous l'avons laissée. Déni, Caligula. Cela fait des mois qu'aucune affaire de cyberharcèlement ne vient frapper à ma porte. Mmh, Est-ce que j'oserais dire que ça me manque Je souhaite. Toujours continuer d'apprendre à tirer les ficelles du net, à connaître les dessous des cartes. Et en parallèle, en, wow. en sous-marin, je continue. Bizarre un peu. Hein. Ça me fait penser à un truc, c'est que bon, déjà la meuf a mental de flic, ça c'est évident. Euh, mais c'est que souvent en fait, comment dire, les voyous et les flics sont faits du même bois. Vous voyez, c'est juste l'arbre est né d'un côté différent de la frontière, mais en vrai, c'est les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un peu un truc comme ça, quoi. Genre euh, elle, elle veut dénoncer le cyberharcèlement, mais en fait, là, sa vidéo, c'est littéralement une vidéo qui apprend aux gens à harceler les gens IRL. Genre, c'est turbo-malsain. Genre, ça, elle, se, se, elle se croit justicière, mais en fait, genre, elle est littéralement en train de faire une vidéo. On l'a vu, je veux dire, je vais remontrer les tweets de, de It, hein, Mais Doumit dit, voilà, j'ai reçu des commentaires qui affichent mon nom, certains lieux où je me rends. Cela me met concrètement en danger. Donc, c'est ça les conséquences de cette vidéo. Donc... Euh c'est tellement bizarre, quoi. J'avance sur euh, mes autres enquêtes publiques, dans l'espoir bah, d'aboutir, notamment, ça, à une vidéo, ici même. Mais cela prend le temps que ça doit prendre. Et puis un jour, sans crier gare, ce n'est pas une, mais deux nouvelles chasses numériques que des youtubeurs m'apportent sur un plateau. Réveillant mon besoin irrépressible, je crois, de, de briser l'anonymat de ceux qui <laughs> en abusent, tout simplement. Les shorts de 13 secondes de Martin Eden, d'il y a un an. Je hante Yoclo le clone n'a pas craqué 13 secondes. Ah, oh, voilà, harcèlement, la, la taille du harcèlement, quoi. Pour euh, tenir des propos qu'il n'assumerait peut-être pas autrement. Mmh. Eden et Doomit cherchent paradoxalement la lumière dans leur coin d'ombre. Il se trouve qu'Eden opère également par mail, avec une adresse courriel en particulier. Il opère par mail Grâce à ça, je déniche au fond d'un site perdu un état civil dont les initiales sont JG, un numéro de téléphone affilié au fournisseur Bouygues et finissant par 59 une profession médicale probable... Non mais qu'est... C'est une dinguerie quand même. Hein. Le, ...ainsi qu'une adresse dans le Gard en France. Il se peut que je fasse fausse... C'est une dinguerie quand même. Hein. C'est genre, elle monte là où il travaille probablement, elle donne le dernier chiffre de son numéro de téléphone. Genre, à quoi sert cette information À part à faire comprendre à la personne que tu que as des informations sur elle, que tu as son nom, son adresse. Enfin, c'est genre... Euh... C'est chaud, quoi. Ce sont des gagards de youtubeurs. Ben, franchement, enfin... Martin Eden, le truc c'est moi je me suis embrouillé avec Martin Eden parce que c'est vrai que Martin Eden il est, il a un côté obsessionnel, euh, il a un côté euh, il est casse couilles quoi, il, disons disons-le, hein, je moi je vais dire les termes, hein. je, je m'en fous, euh, j'ai énormément parlé avec lui, Martin Eden c'est quelqu'un que je peux apprécier par certains aspects mais c'est vrai que parfois il ne se rend pas compte euh, que le voilà que le sang lui monte au cerveau, je ne sais pas ce qui se passe mais euh, voilà il a des moments où il devient fou quoi, je ne sais, sais pas comment le dire autrement, il est voilà il a des obsessions, il a des fixettes euh, et du coup je pense que lui-même, il a un truc parce que. Euh... Mais en plus, je crois comme la meuf qui a fait la vidéo, parce qu'elle le dit, je crois, à un moment. Donc, euh, peut-être, je vais attendre qu'elle le dise pour en parler. Mais Martin Eden, il était dans une secte pendant longtemps. Il en a parlé dans des vidéos, donc ce n'est pas un secret, je ne révèle rien. Euh... Et donc, il a un peu. Le... Je ne sais pas si c'est un syndrome qui existe vraiment, mais un peu le syndrome du. Voilà, du désectarisé qui euh... en fait un peu des caisses parce il avait. Voilà, un... son gourou était soralien, donc euh, il fait un rejet absolu de tout ça. Et donc, il est peut-être dans un. Dans un, une exagération dans l'autre sens. Vous voyez, genre, euh, il force peut-être un peu pour justement euh, se faire pardonner. Ça, c'est mon analyse psychologique à deux balles. Euh, mais voilà, Martin, si tu nous écoutes, hein, salut à toi quand même. Hein. Moi, je ne t'en veux pas, mais merci beaucoup à HBK Live. Mais juste, euh, voilà, moi, je n'ai plus la patience de, de faire avec des gens comme ça. Enfin, il y, y a trop de, peu d'heures dans une journée pour euh, voilà, perdre du temps avec des gens comme ça. Et c'est vrai que certains tweets de Martin Eden, il l'a même fait sur moi d'ailleurs récemment, euh, peuvent être problématiques, c'est clair. Hein. Il est, euh, voilà, parfois. Euh, très obsessionnel sur certaines personnes et ça peut revêtir un aspect selon mais ça je ne l'ai pas vu dans la vidéo je, je le sais parce que je connais Martin Eden donc euh, c'est voyez ce que je veux dire je le sais parce que je le connais depuis longtemps j'ai pas vu on n'a pas vu des extraits ou des tweets gênants ou choquants là dans la vidéo et honnêtement je pourrais même pas vous en citer c'est juste je sais que voilà je sais qu'il est comme ça et que voilà, il a le sang chaud Martin il est il est, il est nerveux donc euh, elle a réactivé son tweet son tweet du coup pour euh, dire Pop gauchiste de Twitter, je réactive mon compte pour vous annoncer ceci. Suite à la vidéo de Wild Eye Demon dans laquelle a participé AstronoGeek, Monsieur Sam, vous avez le droit, je dépose plainte pour diffamation, doxing et harcèlement. Alors faites circuler la nouvelle. La fête est finie. Le plot twist. Là, j'ai masqué un compte, c'est qui C'est Martin Hayden. Une cagnotte sera mise en place. Et eh bien, d'accord, très bien. Ça veut des sous. Pour porter plainte. Et eh bien, voilà, on en est là. Euh, alors après, dans la vidéo, je ne suis pas sûr que le doxing soit caractérisé. Pour moi, la. Euh, le, le fond là de, de ce qui se passe, c'est plutôt une forme de menace à demi-mot. Euh, donc pour des gens qui parlaient au début de harcèlement à demi-mot, de harcèlement par même si on fait un seul tweet, on est dans le harcèlement et tout. Là c'est quoi du coup de faire une vidéo comme ça en citant des gens, en citant le, la fin de leur numéro de téléphone pour bien faire comprendre qu'on a la, des infos sur eux. Bah, Je sais pas, c'est bizarre quand même. Hein une profession médicale probable, ainsi qu'une adresse hein. dans le Gard en France. Il se peut que je fasse Montrer, montrer une photo de son taf et tout, c'est genre même flouté, c'est genre. C'est juste prouver. Ouais, prouveur, prouveur, oui. Bien sûr, mais je pense disposer d'assez d'éléments pour encourager. Les... un peu terrifiant, quoi. Tu vois, c'est le côté, genre, euh, ne harcelez pas, parce que sinon, nous, on va vous harceler en retour, et non, on va vous doxer, et nous, on a tous les outils, on a tous les trucs, tu vois, c'est un peu. Euh, ouais. Surtout, en plus. Martin Eden, là, il viendra activer son compte Twitter, mais il avait fermé au moment où cette vidéo est sortie. Il avait fermé son compte Twitter, il avait complètement arrêté ses activités sur Twitter euh, parce que je pense qu'il avait réalisé que c'était pas bien pour lui et que voilà, il se ça lui mettait dans des états pas possibles. Il a arrêté. Donc quelqu'un qui a arrêté, qui est en repentir, est-ce que c'est pertinent de faire ça sur lui Genre, vous trouvez ça pertinent Genre, pour moi, c'est vous êtes pire encore que ce que vous dénoncez, tout simplement. Là, c'est ce, ce que je vois, quoi des gens qui sont pires que ce qu'ils dénoncent. Et c'est pas pour valider le comportement de Martin Eden. Moi, je me suis engueulé avec lui plein de fois parce que, effectivement, voilà, je vous l'ai dit, il est excessif sur plein de trucs. Donc, ce n'est pas pour le, le défendre particulièrement lui. Ce qu'il a dit, et s'il y a des procès ou des trucs comme ça, il assumera. Voilà, ce sera à lui d'assumer. Si c'est un grand garçon, il, il assumera. Mais à côté de ça, on peut quand même critiquer quand des gens, du coup, font l'équivalent ou même pire. Parce que je trouve que doxer, c'est pire que de critiquer sur Twitter. Vous voyez, moi, dans mon, dans mon échelle de valeurs euh, donc, c'est quelqu'un révéler l'identité de quelqu'un sous pseudonymat, euh, c'est pire que de le critiquer, même de manière véhémente, sur Twitter. Largement, largement. Donc, euh... donc ouais, ouais. Force de l'ordre a lancé leur propre fouille. Il n'aura pas été difficile à trouver, malgré son intention manifeste voilà, d'avancer camouflé. Quand à Doomit, il suffit de prendre une capture d'écran de son visage dans l'une de ses vidéos. Grâce à son adresse mail et ses photos de référence, je découvre le profil. Ce qui est fou, c'est que ça passe tellement de temps à nous montrer comment retrouver l'identité de ces personnes et tellement peu de temps, zéro, hein, zéro peanuts à montrer qu'ils sont dangereux, qu'ils sont problématiques, qu'ils ont fait de la merde. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Facebook d'un certain DL et une adresse précise sur Paris. Ça correspond. Je transmets alors sans tarder mon rapport à mon client afin là. de lui fournir une base solide. Elle a flouté parce qu'on voyait le club de bridge. On l'a vu tout à l'heure chez Diamond, donc ça a été flouté là dans la, la précipitation un petit peu. Mais effectivement, tout à l'heure, on voyait le club de bridge de Dumit à ce moment-là. Oui. Son futur dépôt. Voilà pour ces trois jeux de pistes. C'était pas mal. Ils m'ont donné l'occasion de me faire la main à refaire ajouté, du coup hein. mais en attendant je tiens vrai, à raconter bien, enfin, tant mieux, mais la dire en vrai, la vidéo devrait être supprimée on devrait même pas la regarder et moi honnêtement si elle supprime sa vidéo je supprimerais cette rediff, je pense pour pas que la vidéo soit voilà c'est un peu chiant parce que je pense qu'il bon, y a quand même des choses intéressantes puis j'aime bien mes lives mais voilà là je pense enfin moi je suis prêt à, à détruire la, la rediff s'il faut euh, voilà, de kick de twitter de partout euh, s'il y, y a besoin parce que ouais la vidéo est problématique de fou en fait. il faut, il faut la supprimer cette vidéo en vrai de, de vrai. ce voler. Je remonte dans le passé à l'époque de ma toute première affaire de cyberharcèlement, celle qui m'a mené jusqu'à vous aujourd'hui, celle qui a ouvert la voie à toute ma carrière autour de l'OSINT et m'a permis de me spécialiser entre autres dans le domaine de la cybercriminalité. Avant, dans, dans une autre vie, je n'étais qu'une jeune rescapée de secte qui voulait en découdre avec la, la moindre injustice. C'est a... c'est exactement comme Martin Eden, en fait. C'est vraiment, genre, exactement, précisément le même profil que Martin Eden. Donc c'est... C'est incroyable, mytho. Pourquoi vous dites mytho non, Vous abusez. C'est sans, sans doute vrai. Mais genre, c'est vraiment... Exa... Martin Eden, en parle dans ses vidéos, etc. C'est exactement le même profil. C'est des gens qui ont été sectarisés à un moment... On, ils ont été lavés, on leur a lavé le cerveau entre guillemets. Bon, c'est une expression qui ne veut rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Et euh, quand ils en sont sortis, bah, et du coup, ils ont une vision de, du monde. Euh, ils se sont dit, il y a une grande injustice, quoi. J'ai été victime d'une grande injustice. On m'a menti. Et donc, ils veulent rectifier ce, ce truc-là. J'ai l'impression que voilà, vous êtes exactement dans la même chose et du coup, vous avez les mêmes excès, en fait. Martin Eden et toi, euh, Walday. C'est terrible, hein. vraiment, c'est terrible. Remettez-vous en question profondément, là. Hein avait tendance à enfoncer des portes ouvertes. Je ne criais pas je mes. Je fais pas du stalking, je fais de on oui, Combat vrai. sur les toits, mais j'en rêvais, je crois. Dien après, j'ai réalisé la nécessité. Mais tendance à enfoncer des portes ouvertes. Oui. Je ne criais pas mes combats sur les toits, mais j'en rêvais, je crois. Dien après. Oui, bah, peut-être garde-les pour toi tes combats, effectivement. Genre, si c'est ton travail, fais-le discrètement. Euh, donne les informations aux personnes concernées pertinentes, à la justice s'il faut, mais ne fait pas de vidéo YouTube pour raconter tout ça en fait. C'est genre quel est le but servi par cette vidéo Après j'ai euh, réalisé la nécessité de canaliser mon feu vers des causes plus grandes, plus importantes que les miennes. Et tout cela... Je le dois à un autre youtuber, un ancien rescapé aussi, que je suis allé remercier pour avoir rendu ma libération possible grâce à ses contenus. Monsieur Sam, point d'interrogation ou d'exclamation de son vrai nom Samuel Buisseret, s'est avéré être mon tout premier client sur la trace de l'identité d'un présumé cyberharceleur. Je souhaitais le rencontrer depuis des années et j'en ai enfin eu l'opportunité au cours du REC, le Festival de l'Esprit Critique à Toulouse. J'ai dû me frayer un passage... Attendez, elle l'a rencontré dans le futur les 27 et 28 avril 2024. Moi aussi, je vais enquêter. Attendez, j'enquête. Vous entendez que j'enquête ou pas Elle l'a rencontrée dans le futur. Elle viendrait donc du futur Peut-être qu'elle nous prévient de choses qui ne se sont pas encore passées, j'enquête. Je suis détective. Pourquoi t'en parles Il faut bien parler de quelque chose, William Nativel? Ça, c'est la pire question. Pourquoi t'en parles J'en parle parce que c'est des gens que je connais. Et quand j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai envie d'en parler, tout simplement. C'est tout. Ça n'a pas duré mille heures, sauf qu'on va regarder la vidéo de Mister Sam, ça a peut-être duré mille heures, en vrai. Mais bon, Sodome a payé, donc voilà, j'en parle parce que je suis payé pour ça, tout simplement. Si tu veux que je parle d'autre chose, paye-moi. les fans et les curieux pour l'atteindre. Je lui ai d'abord parlé de notre passé semblable et de la portée de son travail sur moi, dans ma vie. Il m'a fait confiance lorsque je lui assurais être en mesure de retrouver un homme qui le harcelait sur les réseaux sociaux, un homme qui ira jusqu'à menacer son intégrité physique et inclure sa fille, la fille de Monsieur Sam, dans ses emails Ça de délire conspirationniste. Cet homme faisait déjà l'objet de plus plusieurs plaintes. Émanant d'une demi-douzaine de créateurs de contenu, en Suisse, en France, en Belgique, mais les plaintes étaient figées de par leur absence de matière. L'identité du harceleur présumé demeurant introuvable même pour les avocats engagés sur l'affaire. Je pouvais pas échouer. Il s'agissait d'une mission conséquente et vitale, peut-être pour beaucoup de gens, qui plus est, confiée par mon youtuber préféré. <laughs> mon youtubeur préféré <laughs> C'est ma de fou. Il y a de ça quelques années, bah, j'ai été victime ah, de lui. harcèlement de la part du plus gros harceleur en place à l'époque, qui était euh, bah, Victor Nickel. En tout cas pour Alors, lui, apparemment, euh, c'est un vrai fou harceleur abominable. Il y a même des gens dans le chat. Sodom, tout à l'heure, disait qu'il avait eu affaire à lui. Euh, voilà, il y a, même Diamond disait qu'il avait eu affaire à lui. C'est un. Alors lui, là, celui qu'on voit à l'écran, c'est Mister Sam. Euh, c'est un, un ancien YouTuber. Il n'avait pas arrêté YouTube, je crois. Enfin, bon. YouTuber, ancien YouTubeur, bon, YouTubeur qui est en instance d'arrêter YouTube en permanence, euh, qui, euh, voilà, YouTubeur un peu zététique, lui-même ancien conspi, qui du coup a fait des discussions avec des conspi, etc. C'est un contenu, pff, moi, que je trouve à titre personnel assez moyen, mais ça aide des gens, donc euh, j'ai pas envie de critiquer non plus, je sais que ça a aidé des gens à se réapproprier euh, de, voilà, des processus de réflexion, etc. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Merci euh, Hydroé pour le sub offert à, à Sodom, qu'il mérite, parce qu'il s'est fait harceler, lui aussi, Sodom, et eh oui. Calu, t'as vu, même toi, tu fais son accent chelou Ouais, non, euh, bon, bref. Le sceptique, c'était quelqu'un qui avait déjà un, un, un gros pédigré euh, à son actif. Il y avait déjà pas mal de plaintes euh, déposées contre lui. Et j'avais créé un petit groupe comme ça où euh, je disais. Ce est Victor une... est vraiment problématique par contre. Et mélanger ce mec avec Doumit et le Bouzeux, c'est vraiment du what aboutism. Ouais, c'est ça en fait. C'est que là, pour le coup, il parle d'un vrai gars qui a l'air vraiment dangereux et fou. Euh, dans le sens vraiment extraordinairement agressif. Euh, et lui, finalement, je crois pas qu'on voit de tuto pour le doxer quoi. Il disait peut-être que via euh, une exception euh, avec la loi belge. Et son mec à, à elle, Mister Sam. Ouais, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure, c'est Thierry qui disait ça, qui disait que Mister Sam et Wild Eye Demon, ils avaient été en couple, peut-être qu'ils le sont toujours. Du coup, peut-être ça aurait été précis de donner cette information aussi, parce que il y a une espèce de conflit d'intérêt, genre en mode Mister Sam qui fait le client satisfait de, euh, de la détective euh, dans sa vidéo, et ils sont ils sont en couple, c'est un peu bizarre, quoi, mais bon, bref. Après, je n'ai pas sûr de l'info, c'est Thierry qui disait tout à l'heure, je suis pas sûr de l'info, donc je ne veux pas forcément euh, insister là-dessus, quoi. On aurait plus de simplicité... Mais si c'est vrai, c'est grave. ...pour déposer une plainte et euh, faire en sorte que ça aboutisse à une audition. Alors, on a fait ça, on s'est réunis, euh, on a mis un avocat sur l'affaire, ça a été très coûteux, et euh, bah, le problème, c'est que le gars était planqué, on ne le retrouvait pas. Ni l'avocat, ni les policiers, ni qui que ce soit n'arrivait à le retrouver, n'arrivait à trouver son adresse. Et toutes les plaintes qui avaient été déposées contre lui avant, que ce soit en Suisse, en France, etc., n'avaient pas réussi à aboutir à cause de ça. Et puis j'ai rencontré Damon et bah, elle a tout de suite proposé. C'est un tunnel de vente, hein, en vrai. Enfin, elle y mène l'enquête, c'est le moment. Bah, je sais pas comment vérifier qu'ils sont en couple ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui le disent. Mais j'ai l'impression que c'est au stade de rumeur. quoi. Si vous avez une preuve, je veux bien, mais de retrouver le gars pour euh, je parlais donc c'est eux non plus hein la plainte puisse aboutir et ce oh qui zît. est complètement fou c'est j'ai enquêté j'ai tapé sur mon clavier pour enquêter sur société.com j'ai tapé Mr Sam point d'exclamation hmm, ça ne donne rien vais continué mon enquête j'ai marché sur le vieux port en regardant mes chaussures en me demandant comment on va se trouver si Mr Sam et wild Dimon sont en concubinage hmm, peut-être que s'ils avaient une source qui m'informait en m'envoyant une enveloppe en papier craft opportunément, ce serait très pratique. Oui, c'est voilà J'essaie de mener l'enquête, hein, j'essaie, hein, mais parle plus suave. J'arrive pas, j'ai forcément un osotement qui me vient quand je fais ce personnage. <laughs> Qu'entre le moment où je lui ai dit. Euh, désolé. Ok, essaye de le trouver, mais tu sais, euh, l'avocat du grand cabinet machin n'a pas réussi à le trouver. Euh, si j'ai mis sa façon de parler, ça va être misogyne, seconde une. C'est <laughs> désolé, donc, je suis mon pas, avis, ça va quand même être costaud. Elle a mis deux jours. Elle a mis deux jours, vous vous rendez compte? Deux... Waouh, quelle, quelle enquêtrice de choc! Elle est plus forte que la police belge, quoi. C'est vraiment waouh! Merci, Mr Sam, de m'avoir informé que cette personne avec qui tu n'as aucune autre relation qu'une relation professionnelle d'enquêtrice à consommateur d'enquête, pas enfin, comme on dit quand on est client d'une <laughs> détective privée, d détectiviste, ouais, je sais pas. Bref. C'est vraiment incroyable, cette information vraiment est formidable. Je vais moi-même immédiatement m'enquérir des services de cette enquêtrice de choc, cette détectrice privée, pour ainsi faire tomber tous mes ennemis politiques en les menaçant de poursuites et en les doxant intégralement. Merci Mister Sam pour cette idée qui rendra Internet plus sûr à tout le monde. Merci beaucoup, une vidéo pertinente. Toujours pour avoir toutes les infos. Et ça a permis de débloquer toute l'affaire. Alors, l'affaire n'a pas abouti parce que malheureusement, euh, le harcèlement, il euh, bah, y a eu une jurisprudence en attendant en Belgique et qui fait que la Belgique est moins bien placée que la France finalement pour se plaindre du harcèlement en ah, ligne. Pourquoi Et donc, euh, bah, finalement, ça n'a rien donné. Ensuite... En ça, ça aurait été un sujet de vidéo intéressant. Pourquoi la loi est mieux en France ou en Belgique Est-ce qu'il y a d'autres pays où la loi contre le harcèlement marche mieux on regarde les différentes études, comment on lutte contre le harcèlement, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont. Ça, c'était une vidéo pertinente. Vous n'avez pas fait ça, du coup. Vous n'avez pas fait la vidéo pertinente qui était possible. Vous avez préféré dire, bon, on va plutôt doxer des gens qu'on n'aime pas. Concerne ce harcèlement. J'ai voulu discuter avec lui, j'ai voulu dialoguer avec lui. Les gens qui me connaissent savent que j'essaye. Doxer ou en tout cas donner le mode d'emploi pour le faire, quoi, au minimum. D'avoir un discours apaisé et euh... Très apaisante cette vidéo, oui. C'est vrai que pour les gens concernés, c'est vraiment apaisant, oui. Euh... Pendant que je parlais avec lui, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de conversation, mon téléphone sonne. Et c'est un ami, Serge Brett Morel, euh, de la chaîne Astro hein, que je vous recommande, qui... qui me téléphonait pour me dire euh, qu'il était en train de retransmettre toute la conversation en direct. Et, ben... et cette conversation est restée en ligne. Il n'y a pas de loi en Belgique contre ça. Pendant des années, sans que je puisse rien y faire. C'est-à-dire qu'une conversation 84, privée wow. dans laquelle j'essayais de raisonner quelqu'un qui était euh, un adversaire finalement, c'est une conversation privée dans laquelle je parlais de plein d'autres gens, il l'a streamé, il l'a diffusé. C'est dégueulasse. Elle est restée en permanence sur les réseaux Il met au niveau de ce gars, c'est clair, qu'est-ce qu'il a fait d'Oumit d'approchant de ça en fait Je euh, jamais vu utiliser de, de méthodes malhonnêtes comme ça. Je sais pas, hein. genre, s'il y a des éléments, il faut les montrer en fait. Moi, je connais pas tout ce qu'a fait Doumit. n'ai pas vu toutes ses vidéos, n'ai pas vu tous ses tweets. Mais s'il y a vraiment des trucs graves, faut les montrer, en mode voilà pourquoi Doumit. Il faut pas qu'il se sente safe parce que il est dangereux. Mais est-ce qu'il est vraiment dangereux Moi, tout ce que j'ai vu de lui, c'est plutôt un gros cerveau qui a lu plein de livres et qui est en mode non, actuellement, le marxisme, voilà, c'est plutôt ça. C'est pas pas bien méchant quoi. Hein. C'est pas c'est pas ça le harcèlement. Encore une fois, ça n'est pas ça le harcèlement. Ne pas faire des vidéos philo de philosophie politique en fait. C'est c'est pas ça. Comme comme une espèce de petite agression, mais de tous les jours. Il faut, il faut imaginer ça. Et, et je n'avais aucun recours, ni auprès de YouTube, ni auprès de la loi, ni auprès de quoi que ce soit. Il y a une impunité totale par rapport à ça. Et on a un moyen de, de faire avancer les choses, c'est que beaucoup de gens agissent comme ça parce qu'ils sont anonymes, parce qu'ils arrivent à rester anonymes. Mais personne n'est anonyme, en fait. Les personnes à forte visibilité, euh, ou visibilité euh, moyenne, comme je le suis, sont des gens comme les autres, qui ont les mêmes droits que les autres. C'est pas parce qu'on on a la chance d'avoir un public que. Du William coup, qui dit non, pas dangereux de Ben tu vois, ils ont mis Doomit, Martin Eden, le Bouzeux, et là le, le Victor, euh, voilà, qui a l'air d'être complètement fou, euh, sur le même plan, quoi. En mode, le mec qui a enregistré la conversation privée, qui a diffusé en direct. Euh, avec des gens qui font des vidéos critiques, qui sont virulents sur Twitter. Voilà, après, il faut voir. Encore une fois, s'il y avait des éléments concrets, on pourrait juger. Genre, ouais, bon, ce tweet, il est peut-être effectivement très injurieux, pas nécessaire. Euh, peut-être que le nombre fait que aussi, voilà, j'en sais rien. Mais là, on n'a rien eu. Littéralement, zéro. Donc, c'est très, très léger pour, euh, au final, quoi, nous dire euh, oui, faites appel à, au service d'enquêtrice de privée parce qu'elle, elle mettra deux jours là où la justice euh, n'y arrive pas, quoi. Donc, comme ça, vous pourrez faire une vidéo. Pour dire, j'ai des infos sur mes harceleurs, je, je connais leur adresse. C'est ouais, ça, c'est se faire justice soi-même, ça. Hein, c'est pas, pas faire appel à la justice. Hein. Euh, euh, c'est plus acceptable qu'on souffre de harcèlement. Il n'y a, a absolument rien qui justifie ça. Et le problème, c'est que quand on est exposé, on prend plus de risques. Et on augmente aussi la quantité de gens qui sont susceptibles de nous causer. Une vie de... angoissante, elle est vraiment. Euh... Bien choisi, bien mis la vidéo, je trouve. Tort de nous faire du mal. Et le harcèlement, c'est pas du tout une plaisanterie. Hein. C'est quelque chose qui est... C'est comme un venin. Moi, je me rappelle vraiment que je... quand je sortais de chez moi, à cette époque-là, je regardais à gauche, à droite, au cas où. Juste au cas où. Et rien... Je pas suivi le débat, Domit, il doit harcelé qui Je regarde ses vidéos et je comprends pas. Mais on n'a pas compris non plus. On ne sait même pas qui est harcelé par Domit au final. C'est un, har un harceleur supposé, elle a dit dans sa vidéo. En montrant zéro preuve. Par contre, elle a montré son club de bridge. Elle a montré, euh, voilà, elle a donné ses initiales, elle a donné, tu vois, des éléments, le, la ville où il vit. Moi, je savais pas qu'il était sur Paris. Ben voilà, elle a révélé ça, tu vois. Donc, euh, elle a révélé des éléments sur sa vie sans donner la moindre preuve qui constituait un danger ou qu'il était euh, problématique en fait. Je lui dis, on m'a dit d'enquêter. Un YouTuber lui dit, enquête sur lui. Elle enquête, voilà. Et après, elle met ça dans une vidéo. Genre, c'est, c'est tellement cataclysmique en fait. Enfin, c'est. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est la supprimer cette vidéo. Hein. Vraiment, hein, c'est genre. Euh, supprime, point. C'est Comment comment, c'est comment juste possible d'avoir fait ça, en fait Je ne, Vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. C'est une absurdité totale. Je suis vraiment très curieux d'entendre les justifications de, de Mister Sam, hein, qui dure 50 minutes. Mais bon, j'ai promis qu'on regarderait tout, donc on va tout regarder. Ça, ça peut miner le moral, ça peut miner. Euh... Euh, le quotidien, ça, c est, c est, c est, ça fait partie du harcèlement. Bah, je, je voudrais remercier vraiment Damon. Déjà, je suis très content de pouvoir en témoigner dans sa vidéo. Et je mmh. voudrais mmh. encourager absolument tout le monde à ne pas hésiter à ne serait-ce que discuter. C'est vraiment avec... la user review. Je mets 5 étoiles à ce service de détective vraiment approuvé par Mr. Sam. Un ou une détective, euh, ils ne sont pas là pour rien. Je n'avais encore jamais fait un truc pareil de, de toute ma carrière, ben... mais j'étais déterminée et prête. Je savais comment procéder. J'ai d'abord suivi la trace d'un Samsung Galaxy se terminant par 79, puis d'une photo correspondante au visage connu et prise par un studio parisien. Tout ça me mena dans un appartement, propriété de l'individu aux initiales JBR. La mère de l'enquêté y vivait donc et je me rendis chez elle sous un faux prétexte. C'est une des prérogatives du détective. On peut ne pas. Avec l'ingénierie sociale et tout, hein. Tant qu'on ne se fait pas passer pour un professionnel réglementé et tant qu'on agit sous couvert de la loi. Cette dame me communiqua, très gentiment d'ailleurs, un nombre étonnant de documents et d'informations sur son fils. Eh un ben. portrait plus complet se dessine progressivement. C'est Macron beaucoup Et en fait, c'était Macron depuis le début. Sur le parcours et la personnalité du personnage et mon propre jugement entre en jeu. Ne pas se substituer à la justice, ne pas se substituer mm. à la justice. Bah, C'est un peu ce que tu as fait avec cette vidéo, hein, malheureusement. Et vraiment, si tu veux pas te substituer à la justice, faut supprimer cette vidéo hein, et en refaire une qui soit euh, qui soit pertinente, parce que vraiment là, ça va pas. Évidemment, divulguer que le nom complet et l'adresse personnelle euh, aux avocats des plaignants pour préserver les secrets inutiles à la procédure. Mmh. Mais là, en mode, j'ai appris plein de secrets sur lui. Sa mère elle m'a tout dit. Voilà, le bal masqué s'achève ainsi. Je m'en retourne à l'affût de nouvelles missions. Avec le sentiment du devoir accompli. Tu ben, oui, voyez Batman. Ok, Batman. Vraiment. Je ne remercierai jamais assez Sam. Je suis tellement heureuse et reconnaissante qu'il puisse prendre cette place dans la présente vidéo. C'est ma façon à moi de le mettre. Ça pique à... un peu quand même. Bah, J'ai l'impression que c'est le but en fait. Hein. Le but c'est d'être menaçant pour les personnes euh, citées. Donc, euh, donc ça revient à une forme de harcèlement. En tout cas, beaucoup plus que les vidéos de Doomit. <laughs> Vraiment, genre, c'est. C'est cataclysmique, hein cataclysmique hein. et que Mister Sam Astroneo se joigne à ça avec en plus on le sent pour eux c'est la vengeance en fait ils l'ont jamais encaissé ils sont jamais passé à autre chose genre le bouzeux il a un loft deux étages 240 mètres carrés dans la cervelle d'Astroneo il se lève le matin il est en mode oui le bouzeux il a fait des vidéos sur moi il y a trois ans genre avance dans ta vie gros en fait avance genre pense à autre chose au bout d'un moment c'était il y a quatre ans le truc c'est genre c'est je je c'est un truc de fou un truc de fou. Vraiment. Vraiment. Ces gens, ces gens représentent la zététique, représentent la science. Hein, je mets des gros guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est ça le, le rôle qu'ils occupent socialement, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Hein. L'honneur, comme il m'a mis à l'honneur. Juste plus, avant. Le bouzeux, est finito. Le bouseux est finito. Martin Eden, il avait fermé son compte YouTube. Et Doumite, j'ai aucune idée de ce qu'il lui reprochait. Donc, c'est vraiment, genre. Euh, voilà, quoi. Il n'y a que le dernier qui, a apparemment, était vraiment craignos, puisque plein de gens en ont témoigné. Et bon, ça je, je veux bien, mais à la limite c'est sur lui où il y avait le moins d'infos donc euh, bon. Merci infiniment à Seb et à Arnaud également. Ils ont significativement ah bah à eux, contribué oui. à me donner de, de bon, la... Je vais couper là, on va avancer, mais à la fin il fait un tunnel de vente pour sa formation en mode oui, abonnez-vous à ma formation et vous pouvez vous aussi apprendre Lowsin grâce à mes PDF. Voilà, donc ça finit comme ça, mais bref, on va avancer. Curieuse et que cur... euh, Voilà, Mister Sam, allez. Bonjour. J'ai payé 50 euros pour ça. J'ai payé 50 euros pour ça. Voilà. Je vous avais dit qu'on se retrouvait vite. C'est quand même cool ce petit setup là qui me permet de oui, oui, réagir à la volée. Alors aujourd'hui on va euh, aborder trois sujets. J'espère que j'arriverai à les aborder tous les trois assez rapidement. Le premier c'est la dernière vidéo de Demon Wild Eye dans laquelle ah, j'apparais. Le deuxième ce sera un texte de Pascal Wagner qui fait suite à l'entretien que j'ai eu avec lui. Et le troisième, ce sera bien 50 sûr. 50 c'est pas assez, Imao. Ben après, c'est toujours plus que vous. Sur <laughs> notre petite histoire d'ovni que je nous ai mis Isolé. au chaud. Euh, donc voilà, sans plus attendre, je commence tout de suite avec cette petite affaire de Damon Wild Alors, euh, resituons les choses. Hier, Damon a sorti une vidéo dans laquelle elle euh, présente ses enquêtes sur quatre harceleurs présumés de mmh, youtubeurs. Présumés, oui, présumés. Euh, et elle montre un petit peu bah, comment elle est. Ils ont montré une image de psychodélique pendant le, le truc, mais j'aime pas tilter, mais genre, ils ont montré littéralement un shot de psychodélique. Alors peut-être qu'ils l'ont enlevé de la vidéo parce que j'aurais réagi si je l'avais vu, mais on l'a vu chez Diamond tout à l'heure. Il y avait vraiment un plan de psychodélique, genre d'une vidéo de psychodélique dans euh, le, la vidéo, donc ils connaissent psychodélique, mais voilà, la priorité c'est Martin Eden qui a fermé son compte euh, YouTube euh, et euh, le bouseux qui euh, voilà fait. Euh, des vidéos qui font 1000 euh, vues. Enfin, c'est genre, euh, je, je comprends même pas. je ne comprends pas quoi. Pour euh, pour les retrouver puisque ce sont manifestement. C'est à dire qu'on peut contre ça avec une somme plus forte demande à la store. Ben après ouais, tu peux doubler. Si tu doubles, euh, on change. Mais il faut doubler. Du coup, mettre 100 euros et une vidéo et on change. Personnes qui agissent sous le coup de l'anonymat, qui se permettent d'être insultante. Il faudra remettre 50 pour qu'on regarde Mister Sam. Mais bon. et vous êtes pauvre, donc je pense personne va doubler en mettant 100 euros. Donc de toute façon. Parce que ou supposément ça mais pas fait un débat avec psycho ouais je l'avais pas regardé je dois avouer donc j'en ai j'en ai pas de souvenir mais euh, mais oui effectivement oui parce que elles sont ou seraient anonymes Alors, moi je connais pas tous les détails donc je je ne je ne vais pas en dire plus que ça bah, Ce du coup est important... non elles sont pas anonymes elles sont sous pseudonyme donc déjà là c'est une, une une mécompréhension juste de la langue française euh, faut arrêter de dire anonyme genre anonyme c'est des gens qui effectivement ont 300 comptes différents et euh, qui euh, voilà ont des noms euh absolument random et ils n'ont pas un seul pseudo, ils ne s'expriment pas sur une chaîne YouTube en montrant leur visage euh, avec un seul pseudo. Ça, ça veut dire quelqu'un qui est sous pseudonyme, c'est pas anonyme. Voilà, c'est pas la même chose en fait. faut arrêter de... Après, peut-être que le pseudonymat les protège dans une certaine mesure, c'est possible, mais dans ce cas-là, ce pourquoi vous militez, c'est qu'on n'ait plus le droit au pseudonymat, que tout le monde doit avoir son numéro de sécu tatoué. Hein, voilà, j'exagère toujours. Moi, je ne connais que la nuance et l'exagération, vous le savez. Mais vous euh, voyez ce que je veux dire Genre, on devrait avoir quoi, son nom et son numéro de sécu sur Internet, à côté de chaque tweet que tu écris. Bon, déjà, je ne pense pas que ça freine les gens. En fait, les gens les plus fous, ils écrivent avec leur, nom, euh, leur nom et leur prénom, ils s'en battent les couilles. Donc, je ne pense pas que ça freine vraiment les gens. Et je pense qu'on a droit aussi au pseudonyme. On a le droit d'avoir plusieurs vies, on a le droit de s'organiser comme on veut, on a le droit de se faire appeler comme on veut. c'est Ça me paraît être un droit humain tout à fait euh, basique, en fait. Donc... Euh... Oui, je ne suis pas convaincu. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que je ne suis pas particulièrement, particulièrement fier d'avoir de, 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 dû en arriver là. Mm -hmm. Et euh, je sais que ça a déçu beaucoup, beaucoup de gens. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Je, je, je m'y attendais parfaitement. Okay, bon. euh, Pardon pour les bruits. Hein. Ça a été un gros dilemme de choisir s'il fallait euh, rentrer là-dedans ou pas. Donc, j'explique un petit peu. On, moi, je, je m'y exprime au sujet d'un harceleur... Je peux pas accéléré, j'ai été payé, donc non. ...en particulier, auquel j'ai eu affaire. Arnaud s'y exprime au sujet d'un... Arnaud est de la chaîne s'y au sujet d'un harceleur, lui aussi en particulier, auquel il a eu affaire, qui lui a fait énormément de mal, euh, à lui aussi, mais je ben. voudrais pas parler pour lui, mais enfin, bon, voilà. Enfin, de toute façon, il le dit dans la vidéo, et ce qu'il explique dans la vidéo, le, le, le Arnaud a une intervention, et elle est criante de vérité. Je... je j'ai presque envie de dire qu'il faut le vivre pour voir à quel point c'est bien ça le problème. Parce qu'on parle vraiment de gens qui sont personnes, qui n'ont aucune visibilité, euh, mais qui sont là tout le temps. Et qui sont là tout le temps et qui font tout le temps la même chose. Essayer... Ça veut dire quoi, ils sont là tout le temps. Parce que, criant de vérité, non. Dès la première phrase euh, d'Arnaud à, à Geek dans, le, dans la vidéo de Wild Eye Demon, on, on vient de le voir. Première phrase, il dit un mensonge, il dit il a fait des dizaines de vidéos sur moi, c'est faux. Il en a fait au maximum 5, et de ce qu'on a pu constater, 3. Donc des dizaines, non. 5 vidéos, 3 vidéos, c'est pas des dizaines de vidéos. Donc déjà, il y avait un mensonge dans la première phrase qu'il a prononcé. Donc euh, en fait, je comprends même pas le truc de dire il reste. C'est-à-dire que oui, en fait, il y a des gens qui ont des chaînes YouTube et qui font des chaînes YouTube, et effectivement, ils ne vont pas s'écraser parce qu'il y a un plus gros YouTuber qui leur dit de s'écraser, en fait, je... Je comprends vraiment pas quoi. S'il y a des faits de harcèlement, encore une fois, eux apparemment ils sont pour la justice, pour la, la punition, tout ça, donc porter plainte en fait. Genre si vraiment il y a des faits de, de harcèlement insupportable je pense que il qui fait des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, il a largement les moyens de payer un avocat. Au pire, il fait une cagnotte, il demande à ses fans, il aura les moyens de, de porter plainte. Donc s'il y a des faits, il faut porter plainte. Mais faire une vidéo deux ans après pour revenir sur un harcèlement, pour semi doxer la personne. C'est bizarre quand même hein. Ouais, c'est la loi du plus fort, c'est en mode oui, il y a des petits youtubeurs, ils n'ont pas de visibilité, mais ils restent. Ben oui, ils vont pas s'en aller pour te faire plaisir en fait. Genre tu tu es tu, tu es en fait, tu as le, le droit d'être critiqué aussi. Voilà, c'est comme ça. Enfin, chacun a le droit de te critiquer plutôt. Voilà, c'est comme ça. C'est genre tu peux rien y faire effectivement. Tu peux pas faire taire des gens que euh, tu n'aimes pas juste parce que tu les aimes pas ou parce qu'ils te critiquent. C'est vrai que ça marche pas comme ça. Voilà. De nous attirer à venir faire la bagarre avec eux. C'est vraiment ça la, la sensation. Ce n'est pas des gens qui viennent euh, vous critiquer en mode euh, « Ouais, mais tu te rends compte ?» Ou même, même avec une certaine, euh, euh, comment dirais-je, colère. Ce euh, c'est pas, pas ces émotions-là. J'ai déjà dû répondre à des, à des, à des collègues en colère, j'ai déjà dû répondre à des, à des critiques qui n'étaient pas spécialement gentilles avec moi. C'est vraiment pas ça le problème. Franchement, autant que tu veux, Jardu. Autant que tu penses que ça le mérite. Problème Le problème, c'est que ces gens-là débarquent avec un cortège d'insultes en mode no limites Mais vraiment, il euh, n'y a rien qui les arrête, quoi. C'est On n'est même pas encore entré dans le, 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 le fond, pour peu qu'il y en ait un, qu'on euh, est déjà euh, recouvert de, 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 de... Je sais pas, de, de matière toxique, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme s'ils nous vomissaient dessus, quoi. Donc, Vous offrez des insultes je ne suis pas sûr qu'il insulte particulièrement le bouseux en plus. Hein. Il peut avoir un ton agaçant, mais euh, tu vois, est... il n'est pas insultant particulièrement, je crois. Hein. Il y a effectivement ce profil, ce profil. Après, moi, je fais partie de ces personnes qui sont euh, supérieurement intelligentes, donc très vulgaires. Parce que oui, il y a une étude américaine, je suis supérieurement intelligent, donc je le sais, qui a prouvé que les personnes vulgaires sont des personnes supérieurement intelligentes, voilà. qui ont euh, meilleure compréhension du langage. Donc, pour moi, la vulgarité n'est pas un problème. En fait, ça n'a jamais été. Quelqu'un qui est vulgaire, pas m'arrêter à ça en mode Oh, il est vulgaire, donc n'écoute pas ce qu'il a à dire. Je m'en fous complètement que les gens soient vulgaires ou pas. Donc, moi, j'avoue, j'arrive pas à me souvenir si quelqu'un est vulgaire parce que ça me choque pas assez pour que je m'en souvienne. Mais il me semble que le bouzeux, il a plutôt un langage châtié quand il écrit que c'est très. Comment dire Ça peut être très agaçant, j'imagine, d'être la cible de, 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 de ces diatribes. Mais il le fait dans un truc, un côté pamphlétaire, un côté, voilà, enfin, un truc très français au final, qui a toujours existé et qui n'est pas à mettre devant les tribunaux, quoi. C'est. Même si on n'est pas d'accord avec lui, vous voyez ce que je veux dire C'est une sorte d'ironie, ouais, exactement. Une sorte de turbo-ironie permanente. Bon. Je ne sais pas si ça vous emmerde à ce point, de travailler sur vous, en fait, au bout d'un moment. Ils existe. Ce sont des gens qui essayent désespérément d'attirer l'attention par l'agressivité, par la violence, par Mais le... Mais qui vient de redonner de l'attention au Bouzeux, en fait, là Martin, Martin Eden avait fermé son compte Twitter, maintenant il vient de le réouvrir, suite à cette vidéo, et le Bouzeux, personne n'en parlait, et là on en parle, on parle de lui depuis une heure, parce que, parce que vous en avez parlé, en fait. Parce que c'est vous qui l'avez sorti, qu sorti. Donc, il demande de l'attention, que vous venez de leur donner un ben, CSC, voilà, bravo pour le CSC. Félicitations pour le CSC absolu, instantanément. Je sais pas, cette espèce de sentiment qu'ils auraient euh, trouvé tout ce qui va pas chez nous et donc du coup, ils peuvent nous mettre à mort, je sais pas. Mettre à mort, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pas chez nous, ça c'est certain, il n'y a aucun problème avec ça. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont pas chez absolument tout le monde, c'est absolument inévitable. Mm -hmm. Et ça fait un petit lien d'ailleurs avec l'article de Pascal euh, dont je vous parlerai tout à l'heure. Bref, tout ça pour dire que euh, j'ai vu passer beaucoup beaucoup de commentaires sur euh, cette vidéo, des gens qui effectivement considèrent que c'est une espèce de vengeance. Alors non, ce n'est pas une vengeance. Euh, bah, c'est. Euh... Ah si, il y a un petit côté comme ça. Hein. Parce que aller re redéterrer le bouseux pour le faire aujourd'hui, c'est, ça sonne comme une vengeance. Je vois pas du tout. Euh... Soit il fallait porter plainte à l'époque. Voilà. Soit vous faites une vidéo en rappelant. À la limite, les trucs qu'il a fait, mais juste une vidéo pour dire Hé, hey, on connaît ton adresse, on sait t'as été dans quel lycée, on sait où tu vis, on connaît l'adresse de la résidence de tes parents, machin. Ça, ça sonne comme une vengeance, ouais. C'est pas une vidéo genre euh, à tête reposée, on va revenir sur le harcèlement qui a eu lieu, qu'est-ce qui était problématique là-dedans, machin. Ça, à la limite, même si je trouve ça un peu, bon, je que ça cringe un petit peu, au moins, il y aurait du fond, vous voyez ce que je veux dire Ce serait pas juste un truc pour dire Ah, vous croyez anonyme Bah, regardez. On donne vos initiales, on donne votre numéro de la fin de votre numéro de téléphone, etc. Genre, c'est ouais, ça sonne comme une vengeance de fou, de fou malade. C'est une espèce de mise à égalité. Chacun à vient de parler en plus de celui qui l'a harcelé et tout, ça fait vraiment ça quoi. Que on a des raisons, on a des raisons, je dis bien on, parce qu'on a beaucoup beaucoup réfléchi avant de, de se mettre plus ou moins d'accord, de faire ça comme ah ça. Ouais. On ben. a des raisons de penser que les, les, ces gens agissent comme ça parce qu'ils sont anonymes. Et cette raison, elle est très simple, c'est que euh, Damon a très vite remarqué, c'est elle qui sait, hein, c Damon, elle est détective privée, c'est son, son métier, mm -hmm. elle a très vite remarqué que ces gens se cachaient, utilisaient des méthodes pour se dissimuler. Alors, je ne parle pas au nom de tous les gens qui sont dans sa vidéo, les quatre, je ne sais pas si les quatre ont fait ça de nouveau, euh, mais en tout cas, pour les cas qui, moi, m'intéressaient, le mien et, euh, et euh, avec curiosité d'autres, euh, ce sont des gens qui se dissimulaient volontairement, euh, etc. Donc, on suppose. Qu'ils. Qu que, que for... dissimulent volontairement en utilisant un pseudo, oui. Oui, c'est. Oui. Forcément, cette dissimulation est en lien avec leur, euh, leur manque de limite. Euh, maintenant, euh, s'il. Et donc, en fait, voilà l'intention de cette vidéo, et mon intention à moi, ça a toujours été de retrouver l'espèce d'égalité par rapport à l'anonymat. Euh, je comprends la critique qui dit. Euh, mais du enfin... coup, ils vont doxer des fécateurs. Des oui, il est anonyme, du coup. Euh... Du coup, il harcèle des gens, Defecator. Bon après Defecator, en vrai, c'est. C'est le pire exemple, parce que lui, il fait méga attention de cibler personne. Il est justement très vigilant. Je pense que Defecator, s'il voit la vidéo de Wild Eye Demon, il a 10 000 red flags qui s'allument, hein, comme nous, quand on l'a regardé, comme Diamond quand il l'a regardé. Euh, je veux dire, les... les red flags sont très nombreux. Je pense que Defecator, jamais il aurait fait une vidéo qui s'approche euh, voilà, de, de ça, quoi. Jamais il aurait fait les choses comme ça. C'est juste évident. Donc, euh, ouais. L'effecteur, il s'est fait reveal plusieurs fois, ben, en plus. Merci, Milo Sardinas. Après, voilà, s'il y a des infos sur les, les, les docs des gens et tout, ne les donnez pas, en fait. Il enfin, ne ouais, faut pas les relayer aussi. Hein. Il y a aussi ça, quoi. Enfin, euh, vous avez beaucoup plus de visibilité, etc. Mais je suis désolé. J'ai passé, euh, je ne sais pas combien d'années, mais bientôt 10 à, à, à encaisser et supporter, sans rien dire, beaucoup, beaucoup de choses. Et, et ça, c'est le moment où je dis stop en fait. Personnellement, c'est le moment où je mets un, une voilà. barrière. C'est le moment où je dis. Je bah, rappelle hein, que, que Mister Sam, c'est le gars qui avait été choqué et mis extrêmement mal à l'aise par des gens qui avaient des yeux lasers sur leur PP, hein, sur leur profil de Twitter. Beaucoup de gens sont mis à mettre des yeux lasers en monster, hein, même de gauche, on met des yeux lasers et tout. Même moi, j'ai des emojis où il y a des yeux lasers. Voilà, vous voyez, c'était une blague de gauche, il était en mode, c'est terrible, il marcel en mettant des yeux lasers, genre c'est vraiment ce niveau de fragilité-là. Donc c'est sûr, quand on en est là, ben tout t'agresse, tout quoi, forcément. Genre il y a des yeux lasers, tu ne le supportes pas, parce que les gens qui le mettent, plus ou moins, euh, sont des gens qui te critiquent. Bon, au bout d'un je sais pas, faut être un peu plus solide que ça, quoi. Ou alors il faut pas faire de contenu sur Internet, après c'est terrible à dire, mais au fond, je vois des gens qui sont en souffrance de faire du contenu sur Internet. Genre, faut juste arrêter, en fait. Si genre, ça vous fait souffrir à ce point-là, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Genre, juste n'en faites pas. Si des yeux lasers vous font pleurer, peut-être qu'Internet n'est pas fait pour vous. Peut-être trop, trop d'Internet pour la journée. Là, il faut arrêter un petit peu, toucher de l'herbe, voilà, regarder le ciel, marcher dans le sable, hein, caresser un chien, voilà. Baiser, je sais pas, faire faites, faites ce que vous avez à faire, quoi, pour vous sentir bien, mais arrêtez Internet, en fait. Si vous êtes comme ça, Internet, c'est... Voilà, c'est le shitposting, c'est le troll, c'est il faut avoir euh, un minimum de recul. Hein, ah, c'est bref. Là, désolé les gars, mais euh, si si vraiment vous allez sur ce terrain-là, je, je fais le nécessaire pour retrouver votre adresse et porter, porter plainte réellement, pas juste plainte contre X. Et donc euh, voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Et euh, je, je, je conçois que cette vidéo laisse un goût amer. Vraiment. Je le conçois et cette opinion-là, je, tr je trouve qu'elle n'est pas critiquable. Mmh. Si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous laisse un goût amer, un goût un peu sale, je suis navré. Euh, je le conçois. Il a fallu faire un choix et ce choix n'avait rien d'objectif. C'est pas une vengeance, hein. mais ça laisse un petit goût amer quand même. Hein. Mais c'est pas du tout une vengeance. Hein. C'était juste qu'il en a tellement pris pendant des années que voilà, il était obligé de faire un truc sale. Mais c'est pas une vengeance. Hein. Attention, hein. c'est pas une vengeance. C'est juste qu'il en avait tellement gros. Que voilà, il avait besoin de semi doxer, semi-doxer, on va dire, hein, pour pas avoir de problème, semi-doxer des gens, quoi. Mais c'est pas une vengeance, hein C'est pas une vengeance, attention, c'est pas une vengeance, À hein. Ceux qui pensent c'est une vengeance, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser le dire. Car c'était juste une envie, c'est pas une vengeance, c'est une envie de prendre une forme de. de, de revanche, si vous voulez. C'est pas pareil Revanche, c'est pas vengeance, c'est arrêtez, arrêtez. Je vous sens de mauvais dans le chat, je vous sens mauvais là Et en fait, je pense qu'il n'y a pas une façon objective de considérer ce move. Je pense qu'il y a. Voilà, à un moment donné, pas, c'est pas gratuit, c'est au bout de X années de, de, de se faire emmerder, il fallait envoyer un message. Il fallait que nous, les youtubeurs, mmh. on envoie un message. Vous voulez nous faire chier, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a, ils vont <laughs> immensément trop loin. Quatre seuls cro. <laughs> ah, ton ça, il m'a tué. Quatre seuls crocs qui dit, je crois que je préfère Psycho. Au moins, il te propose le resto avant de te doxer. <laughs> le pire, c'est que c'est vrai, en plus. C'est ça, ça qui est fou, quoi. Après, je sais pas si Psycho, il a vraiment doxé des gens. Mais euh, c'est plus des gens de sa communauté qui ont pu faire ça. Il a des gens assez bizarres dans sa communauté. Mais après, lui-même, je suis pas sûr qu'il l'ait qu fait. Mais bref. Mais ouais, c'est vrai qu'au fond, au fond c'est vrai que. J'avoue, les bourgeois qui sont en mode. Ah, je, je me la joue détective et je vais sortir des informations sur les gens qui me critiquent, c'est un peu. Bon. Cringe. Cringe de fou. Loin. Et oh, surprise, ces gens-là sont anonymes. Quand on veut porter plainte contre eux, on ne trouve pas l'adresse, on ne trouve rien. Il y a une illusion totale. Ça, après, qui... c'est le rôle de la police. Hein. Je veux dire, si les faits constatés sont graves, la police, normalement, va retrouver très facilement l'adresse. Voilà, contact YouTube, ça contacte Twitter, ça donne les trucs. Tu vois, les, les entreprises collaborent avec la police. Il n'y a pas de. Voilà, hein. tu fais une demande pharos. Si c'est du sérieux, t'inquiète pas que les gens vont recevoir le coup de bélier à 6 h du matin. Hein. C'est. Voilà, mais il faut passer par les voies. Euh, judiciaire pour ça et c'est fou parce queux mêmes en parlaient dans la vidéo et au final ils le font pas quoi merci beaucoup Davilou merci pour le sub faire à l'art du rap il le mérite l'art du rap merci Davilou pour ton soutien euh, donc euh, genre euh... genre en fait si vraiment il y a matière la justice et la police vont le faire c'est pas parce que ah voyez la police genre la, la police qui enquête ah mince il est sous pseudonyme bon, ça s'arrête là les gars on ne peut plus rien faire on va rester là du coup tant pis fin d'enquête il est sous pseudonyme. s'appelle Le Bouzeux. Comment on peut savoir qui c'est Tant pis, les gars. Encore raté. Hein. Il a pris un pseudonyme, le gars, putain. Fais chier, là. Encore un pseudonyme, merde. Comment on travaille dans ces conditions C'est non, évidemment. Les flics, ils appellent les procureurs. Ils ont des autorisations. Ils ont des trucs. Enfin, c'est arrêté. arrêté. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps d'aller euh, casser la porte de quelqu'un à 6 h du matin parce qu'il a fait une vidéo sur vous, en fait. Ça, c'est sûr que la police a autre chose à faire. Ça, c'est certain. Alors euh, en plus, si la personne n'est pas noire, bah, c'est sûr que là, ça ne va pas arriver. Si la personne qui vous a harcelé est blanche, vous pouvez être sûr que voilà, la police va pas. Non. Si c'est Marvel Fitness, par contre, là, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est un autre vidéo encore. Mais bref. Il consiste à croire que euh, si on porte plainte, les autorités peuvent lever euh, le. Après le Marvel le le Fitness, il y a littéralement des vidéos de lui en train de dire à sa communauté d'aller harceler la personne. Donc, c'est sûr que c'est difficile à défendre devant un tribunal. Et en plus, il est noir. Et en plus, on est en France. Donc, voilà, c'était compliqué, quoi. Des réseaux sociaux, un rien à voir, quoi, absolument rien à voir. J'ai même entendu bizarrement les filles qui se sont pas dit merde, il s'est appelé Marvel Fitness, on saura jamais c'est quoi son vrai nom. Fin d'enquête, non, ils se sont pas dit ça, quoi. Blanc noir, t'es sérieux, ben bien sûr, la seule personne qui a fait de la prison ferme, William, c'est très sérieux ce que je dis, la seule personne qui a fait de la prison ferme en France pour harcèlement, c'est Marvel Fitness, il est noir, voilà, c'est pas moi qui l'invente. C'est juste la réalité du racisme judiciaire en France. C'est un exemple parmi 10 milliards d'autres. C'est juste factuel. La seule personne qui a fait de la prison ferme pour harcèlement en ligne, à ma connaissance, après peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas, affaire médiatique dont on a parlé et tout, c'est lui. C'est le seul. C'est le seul. Voilà. Il y avait le harceleur de Magla. Oui, mais lui, il, est, lui, alors, il a encore un autre, une autre affaire. Mais voilà quoi. Mais donc après, c'est pas pour défendre Marvel Fitness sur cette affaire-là. Il a fait des dingueries. Aline Dessine a fait des dingueries en l'accusant lui de choses qu'il n'avait pas fait, etc. Les deux ont fait des dingueries. Ça allait très loin, euh, voilà. Mais c'est la seule personne qui est allée en prison. C'est voilà, c'est comme ça. Des gens du milieu disent que même pour un crime, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc franchement, pour du, pour du harcèlement entre de, de YouTubers à, à nobody, pff. et de toute façon, je l'ai vécu. Euh, on a passé, euh, je ne sais pas combien d'années à, à essayer de retrouver mon harceleur à moi. Avec la police, avec le, le, le cabinet d'avocats que j'avais engagé, oh bah. sans succès. Il a fallu qu'une détective, en l'occurrence Damon, s'en occupe. Alors, elle est redoutable, ça lui a pris deux jours. Je, je, je le redis encore, parce que moi, je sais quoi, comment elle fait. Euh, il a fallu qu'on en arrive là. Et d'ailleurs, s'il propose ce service, c'est un petit peu quelque part la preuve qu'il y a un souci par rapport à ça, qu'il y, qu y a une demande. <laughs> Donc euh, voilà, je. Après, il y a peut-être une demande pour des motifs euh, extrêmement sombres en fait. Genre, chercher à connaître l'identité de quelqu'un qui te critique. Moi, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de harcèlement. Le harcèlement, encore une fois, il faut que ce soit caractérisé et ils ont montré zéro preuve de harcèlement. Donc, euh, moi, ce que je vois de ce que je connais, c'est des critiques. Des critiques véhémentes, des critiques qui sont pas sympas, qui doivent piquer, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, en fait, tu crées du contenu sur Internet, tu vas avoir des critiques qui piquent. Même des gens qui disent juste c'est éclaté, c'est du la chier, oui c'est ça arrive. Non, c'est normal, surtout si tu fais un contenu un peu personnel qui rentre pas dans les cases, etc. C'est évident que tu vas te manger ça en fait. C'est juste ça va avec. Donc si on commence à, à appeler des avocats euh, dès qu'on reçoit des critiques, en fait on va où Donc euh, pour moi là là vraiment les gens dont ils parlent. Bah, ils ont été pour beaucoup dans la critique. Après, c'est vrai qu'il y a le harceleur belge là, dont ils ont parlé, qui lui, c'est encore un autre cas. Mais c'est ça le problème aussi, d'avoir paqué tout le monde dans le même truc. D'avoir mis Doumit avec ce harceleur belge, avec euh, le Bouzeux, avec. Euh... Chacun, c'est un cas différent, en fait. Avec Martin Eden, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc, euh, procédure Bayon de Bourges. En vrai, ça fait un peu ça. Hein. Les cloches, on a 22h. Ouais, il est 22h, les cloches. Même s'il est 22 h 4 Et l'abbé, il a. Nité au bar, sans doute, comme d'habitude. Non, plus je crois que c'est automatisé, mais je ne sais pas pourquoi ça se dérègle en fait, et il ne le règle pas, donc ça sonne euh, toujours avec un peu de retard. Mais bref. Mais du coup, euh, tout ça pour dire que je, je suis vraiment... Euh... Oui, Martin Eden a dit qu'il porterait plainte, euh, Doumit a dit qu'il avait déjà eu des conséquences dans sa vie IRL suite à cette vidéo, donc ça aussi c'est turbo-grave, hein, je veux dire... On euh... ne peut pas le dire autrement, si on pourrait dire juste c'est grave, mais nous on est jeunes et on est dans le futur, donc on dit c'est turbo-grave, pas juste grave. C'est turbo grave, ok Donc, euh... Donc ouais. Quel... Quel but a servi cette vidéo Genre, mettre sous pression un YouTuber qui vous critique. Mm -hmm. Je trouve que c'est quand, euh... quand même très bizarre. Je comprends parfaitement. J'entends les, les, les critiques qui disent que c'est un petit peu se vautrer dans la boue. C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu pas ça, pas, le problème, quoi. Hein. C'est, pas euh, la zététique qu'on veut. C'est pas euh, oui. l'activité qu'on veut. Oui, mais... C'est du drama. C'est, tous ces trucs-là. Mm -hmm. Mais pour vivre, nous, on avait besoin, on avait besoin de dire euh, attention, on a une limite. Et au-delà de cette limite, mais... on porte les faits devant la loi. Mais parce qu'il y a une loi. Mais je... que ce soit pour, je vais devoir répéter encore la même chose. Hein. Mais que ce soit pour astrologique qui s'en prend au bouseux, qui ne parle plus de lui depuis, au bas mot, un an, si c'est pas plus. Genre, c'est quoi la limite à reparler d'une ancienne histoire qui n'est plus du tout d'actualité, pour, quoi, au final, menacer, faire mal Vous voyez, je, je comprends, mais je m'en branle, c'est un peu ça qu'il dit, hein Je comprends, mais je m'en branle, quoi. C'est... C'est non, c'est Mister Sam, la vidéo qu'on regarde. Mister Sam, la vidéo s'appelle « Un démon pilote, un ovni idéologique » ou Quelque chose comme ça, voilà, aucun sens suite de la, de, de la vidéo. Bref, là pour ça aussi, il est dépressif il des... le bouseux. Non, ben ça, je sais pas. Peut-être Qu'il en a parlé dans ses vidéos, je sais pas. J'ai pas vu toutes ses vidéos, mais ça change rien au fond. Enfin, c'est on va dire que c'est aggravant, c'est sûr. S'il est dépressif, parce que voilà quoi. Mais je trouve, il a déjà pris euh, énormément de sauce le, le bouseux hein, suite aux accusations de VSS qu'il a qu'il a eu. Euh, voilà, il a il est passé dans un arc un peu genre. Euh, en gros, euh, voilà, je, je fais des esthéticiens du harcèlement. Bon, c'est un, un peu bizarre, enfin, de, plus des VSS, C'est un, un peu bizarre, mais c'est même pas une question au final de défendre des personnes, parce que moi, à titre personnel, euh, voilà, comme je disais, Doumit, je suis neutre avec lui, j'ai pas de, voilà, on s'aime bien, on a déjà discuté vraiment vite fait, mais on ne se connaît pas plus que ça. Euh, Martin Eden, je le connais assez bien. Et je vois qu'il a pu avoir des comportements problématiques, mais je pense que là, justement, il était en train d'en sortir. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est quand on connaît les personnes, en fait, on voit les faits, les faits terribles que ça a. Il était en train d'en sortir, il avait fermé son compte Twitter, et il était plus là-dedans. VSS, c'est violences euh, sexistes et sexuelles. Euh, Martin Hayden, il n'était plus là-dedans. Et là, ben, il réouvre son compte Twitter, il parle de porter plainte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire C'est eux qui réouvrent un truc qui était fermé, au final. Donc... Euh c'est ça que je trouve euh, ultra bizarre dans la démarche. Et de l'excuse de dire, ouais, on a une limite. Genre, ouais, il fallait le faire il y a un an, en fait, à la limite. Si c'était vraiment ça le problème. Là, ça sonne comme le truc euh, que vous avez déterré pour vous venger des, des gens qui vous ont fait du mal il y a, il y a deux ans, quoi. Franchement, euh, purifiez votre cœur. Hein. Apprenez le pardon, hein, au bout d'un moment, je ne sais pas. Les hein. gens qui abusent. Je vous encourage à écouter vraiment ce qu'Arnaud en dit, hein, parce qu'il a, il a su trouver les mots justes, je pense, pour dire à quel point. Ça peut être un, un enfer, ce genre de personnage. Oui, on rappelle que la métaphore... Pas, ils sont là tous les jours. La métaphore d'Arnaud... Euh, Je vais dire Arnaud Montebourg. Je vais dire Arnaud Montebourg. La métaphore d'Arnaud Montebourg, du coup, qu'il a utilisée dans la vidéo d'avant. Arnaud Montebourg, c'est astrodogique. C'était de dire, oui, quand on est sur la scène, euh, vous, vous voyez juste, vous avez les applaudissements et les huées, mais il y a aussi ceux qui critiquent et qui sont toujours là à nous critiquer. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est genre, vous ne voulez pas de la critique, en fait. Vous voulez un voilà un récital de d'applaudissements et de tu es génial et tu es formidable et personne n'a le droit de critiquer franchement même si quelqu'un fait une chaîne pour faire des, des, des vidéos H24 sur toi en vrai quest que ça change dans ta vie fondamentalement genre un mec qui fait 500 vues en faisant des vidéos de merde sur toi genre surtout que ça veut dire que le mec les regarde il les détaille il en mode il a dit ça sur sûrement etc qu'est-ce que tu t'en bats les couilles au fond vraiment genre euh... je sais pas hein, c'est pantoufle après le vaccin ouais vous êtes dur c'est le, les lunettes et le béret qui font ça, en fait. Et la barbe rousse, un peu, aussi. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais Pantouf n'a pas du tout la même forme de visage. Donc là, vous abusez. Euh, ils vous taguent tout le temps. Ils, ils, ils sont omniprésents. Au point que partout où vous allez, vous vous demandez si vous n'allez pas voir leur gueule, s'ils ne vont pas venir vous pourrir l'ambiance. Ah hein. Et ça gâche tout. Ça gâche absolument tout. Euh, et ce n'est pas constructif. Et ça ne sert à rien. Et, et c'est une attitude ils, qui ont, est vraiment... Ils ont euh... peur que Doumit et Martin Eden débarquent... Euh... Pendant qu'ils font les courses et se moquent d'eux publiquement. Enfin, de, je, de quoi ils ont peur exactement Parce qu'ils mélangent tout en fait. Ils mélangent des gens qui font des vidéos et des gens qui pourraient les menacer. C'est sûr que si tu reçois euh, une, une lettre à ton adresse personnelle qui dit je sais où t'habites, euh, genre je sais où tes enfants vont à l'école et ce genre de choses, là bien sûr je comprends l'aspect terrifiant. Là bien sûr c'est terrifiant, c'est genre on te cible spécifiquement, etc. Ça c'est horrible et ça c'est du harcèlement euh, dans la vie réelle, des menaces de mort, tout ce que vous voulez. Donc. Euh, ça, c'est évidemment grave, mais là, c'est pas... Enfin, dans la vidéo qu'ils ont citée, le bouzeux d'Oumit et Martin Eden. donc 3 cas sur les 4 qu'ils ont cités, ben, je crois pas que ce soit ça, leur délire. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils ont fait des choses approchant de ça. Donc je vois pas pourquoi le fait que quelqu'un sur YouTube fasse des vidéos pour te critiquer, ça fait que dans ta vie au quotidien, tu as peur. Éteins ton téléphone, il n'y a pas à avoir peur, hein. T'éteins ton téléphone, tu les verras pas. Je trouve c'est fou, en fait, de... De projeter à ce point-là et d'être moi, je vais engager une, une détective pour empêcher les gens de faire des vidéos sur moi. Genre c'est fou, vous êtes, vous avez vrillé en fait. C'est grave. C'est vraiment, je suis choqué, je suis choqué. C'est presque de la folie. Enfin je, je, oui, c'est euh, difficile à expliquer. Enfin bon voilà, je vais pas m'égarer, je vais essayer de rester quand même constant. Euh, mm -hmm. Pas oublier que je suis en impro et que je débute dans l'exercice. Ah bon. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre passer par rapport à ça J'ai oui, alors... La... mauvais, tu doxes, le marxiste fou pour pas qu'il te tue. <laughs> voilà, on devrait pas rigoler avec ça parce qu'en vrai c'est grave, mais là le même était bien placé, putain. Accusation de doxing. Les gars, il faut redescendre un petit peu sur Terre. Je suis conscient que, euh, entre nous, on se dise que c'est pas bien de montrer... Des données. Klaus qui dit, ben, je vais le lire parce que vraiment il va dans mon sens, mais merci pour ce message, Klaus qui dit il y a une certaine fragilité de la part de ces personnes, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça serait s'ils recevaient de vraies menaces de mort comme les youtubeurs de gauche Après, je pense qu'ils en reçoivent aussi des menaces de mort, si on est honnête, hein, puisque moi j'en ai déjà reçu plusieurs fois, donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'un Wissam, par exemple, s'en prend quotidiennement des menaces de mort. Et ben voilà, on fait, enfin je l'ai jamais vu oui, Wissam faire euh, des vidéos de 50 minutes où il est en mode oui, j'ai reçu des menaces de mort. Alors j'ai embauché une détective. Non. Vous voyez, non. Alors que vraiment il en reçoit mille fois plus que lui, c'est sûr. Hein. Et, euh, public des autres. Si par exemple, je, je sais que euh, je ne sais pas moi euh, si par exemple, je trouve que euh, quelqu'un que j'aime pas, bah Idriss Aberkan par Mais, exemple, qui ça m'étonne pas du tout qui m'étonnerait pas du tout qu'il reçoivent des menaces de mort. c'est voilà, il y a des gens qui le détestent. Euh, c'est vrai, mais enfin, moi, j'aurais aimé qu'il montre, je sais pas, juste euh, qu'il en montre trois exemples, voilà. Je sais pas, quelques juste des exemples réels de genre, voilà. Encore hier, j'ai reçu ça. Vous voyez, ça, ça au quotidien. Là, c'est en mode, oui, je sors, euh, je vais faire mes courses et j'ai peur de voir mes harceleurs. Mais genre, arrêtez, genre vous ou quoi Je sais pas que je l'aime pas personnellement, mais euh, disons que euh, je n'aime pas son travail. Travail de qui Si quelqu'un dont je n'aime pas le travail, hein, soyons précis. N'aime pas travail de qui je ne sais pas que je ne l'aime pas personnellement. Euh, si par exemple, je trouve que euh, quelqu'un que j'aime n'aime pas, bah, Idriss Aberkan par exemple, ah, Alors, je ne sais pas que je ne l'aime pas personnellement, mais euh, disons que euh, je n'aime pas son travail. Euh, si quelqu'un dont je n'aime pas le travail, hein, soyons précis, euh, je trouve qu'il est euh, membre euh, du club de, de, de cartes de la ville de Morlanway euh, et que je, je dans une vidéo, je fais eh, regardez, il. il et sur la page du Racing Club de Morlanway, on voit euh, que Idriss Aberkan fait du kart là-bas. Bon, c'est ça que vous appelez du doxing. Mm. C'est pas ça le doxing. Le doxing, c'est beaucoup plus encadré, c'est beaucoup plus défini. Encadré. Et euh, je peux vous dire que, bah, a priori, Daemon, elle sait ce qu'elle fait. Elle s'entoure de. Euh, ouais, alors là, en l'occurrence, c'est quand même révéler des informations personnelles sur la personne. Ça s'apparente à une forme. Moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure semi-doxing. Parce que c'est vrai que doxing, c'est de dire, voilà, nom, prénom, il habite là, c'est ça son adresse personnelle, voilà son numéro de téléphone, genre voilà, toutes les infos que j'ai trouvées sur la personne. Ils n'ont pas fait ça, c'est évident. Donc, ce n'est pas un doxing dans ce sens-là. Mais, c'est une forme de tuto pour dire, regardez, si je fais ci, si je vais là, si je cherche sur tel site, tel site, euh, tel truc. Alors, ils n'ont pas cité forcément tous les sites qu'ils ont utilisés et tout, mais bon. Avec les captures d'écran qu'il y avait au début, c'était clairement visible. La vidéo, il faut dire aussi que depuis qu'elle est sortie, moi, je l'ai vue quasiment après qu'elle soit sortie. Je ne sais pas pourquoi, on me l'a envoyée très vite. Euh, et je l'ai vue voilà, vraiment dès qu'elle est sortie. Et depuis, il y a des trucs qui ont été floutés, il y a des trucs qui ont été enlevés, euh, retirés carrément de la vidéo. Donc, c'est qu'elle n'était pas si parfaite, la vidéo. C'est que vous avez euh, beaucoup réfléchi, mais pas beaucoup quand même, parce qu'il y a quand même des trucs évidents que vous n'avez pas pris en compte. Et les commentaires sous la vidéo le disent. Donc... Euh donc ouais, il y a une grosse partie de trucs qui ont été floutés. Ils ont flouté le club de bridge, ouais, ouais, ouais. ouais. On donne quasi l'adresse de Martin Eden et du bouseux en tuto, mais tranquille. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est pas du doxing au sens pur comme je disais, mais c'est un tuto pour le faire, quoi. C'est du doxing avec extra step, donc c'est du doxing soft, voilà. Hein. Moi je dis du demi doxing. Pour moi c'est un peu ça, genre tu révèles une partie des informations et t'orientes les gens sur euh, voilà comment ils peuvent trouver les informations par eux-mêmes. Et en plus, s'ils si arrivent à les trouver, tu as donné les numéros de téléphone, la fin du numéro de téléphone qui permettrait de le confirmer. Donc ouais, ouais, c'est chaud en vrai. Non, en vrai, c'est chaud. Du coup, c'est du dox. Ben, comment, comment dire ça C'est Du dox, mais qui va pas jusqu'au bout, quoi. Mais ça, s'en approche beaucoup trop pour pas être problématique, en fait. Euh, c'est quoi ouais. le but Franchement, on se demande toujours, Olivier Nera. Hein. On a compris que ce c'était pas une vengeance, mais c'était parce qu'ils en avaient gros et que du coup ils voulaient se venger, mais c'était pas une vengeance. Hein, voilà. Donc euh, on ne sait pas. Le Juriste, elle s'entoure d'autres détectives, des détectives. Euh... Argument d'autorité, hein, genre argument d'autorité. Elle est détective, c'est ce qu'elle fait. Elle a fait de la merde en fait dans cette vidéo-là. Qu'elle soit détective, qu'elle soit présidente de l'Union européenne, qu'elle soit euh, prix Nobel de la paix, ça ne change rien en fait. Hein. Euh, à la renommée euh, assez élevée. Qui vérifient son travail, qui qui, qui ont très à cœur euh, manifestement, euh, alors c'est les petits secrets que j'ai, je ne sais même pas si je peux trop le dire, mais les détectives entre eux ont très à cœur que leur métier ne soit pas mal vu, donc euh, oh bah, c'est euh, réussi là. Je vous, je vous promets que c'est c'est assez surveillé parce que moi j'étais inquiet évidemment. Il hein, faut quand même s'imaginer que je peux aller là les mains dans les poches mm -hmm. en me disant ah ouais 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 vas-y viens on va on va on va dauber sur tous les gens qui nous emmerdent comme ça ils nous emmerdent plus c'est ce pas que vous, vous avez fait mm -hmm. bah oui mais ce que vous avez fait au final Donc, je me suis renseigné euh, <laughs> je lui ai demandé comment idée. elle faisait je lui ai demandé euh, de me montrer un petit peu ses méthodes je sais que dans la vidéo ce qu'on voit ce n'est pas ses méthodes hein, d'accord il euh, y a plein de gens qui disent waouh wow, elle montre comment les retrouver et, et, euh, et etc. Mais c'est faux, c'est faux. Essayez, vous verrez que c'est mmh. juste pas le cas. Essayez. Donc Alors... il est en train de dire, <laughs> ça va vraiment de C.S.C. en C.S.C. Il est en train d'essayer, dire... essayer Essayez de doxer les gens. Vous allez voir, hein, vous n'avez pas trouver. Hein. Donc euh, en même temps, euh, elle explique que c'est faisable, elle donne quand même les numéros de téléphone et tout, euh, les initiales. Euh... Il ouais. y a des gens qui ont réussi en l'occurrence, puisque Dumit, il a bien été doxé si on en croit ce qui témoigne aujourd'hui. Donc euh... Genre, Essayez trop bien de dire ça en fait. Essayez, j'ai pas envie d'essayer de doxer les gens que vous ciblez dans la vidéo en fait. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et genre là, c'est littéralement de l'incitation au doxing en fait. C'est genre essayer de retrouver les infos qu'elle a trouvées. C'est vraiment le les comptes sont camp hein, parce que CSC les gens l'ont pas forcément. CSC contre son camp, métaphore footballistique. D'ailleurs, ça reprend quand la Ligue des Champions C'est bientôt. Faut que je regarde la date. Hein. Donnez-moi les dates. De tous les quarts de finale de Ligue des Champions, dans le chat, s'il vous plaît. Vous faites un copy paste et vous le mettez en boucle, s'il vous plaît. Je veux pour que je m'en souvienne. Il y en a un qui a prétendu avoir quand même réussi à trouver. Euh, si vous demain. De ces gens -là, ah, go. Vous, vous écrivez à démon Vous lui dites comment vous avez fait. Ah oh, demain City Real. Oh là là. Oh je bande. Allez, let's go. Bon. Très Merci. Mercredi PSG Barça. Let's go la semaine de fou. Et, euh, et je suis persuadé qu'elle ajustera le tir en conséquence. C'est pas du tout quelqu'un qui est. Euh, euh, réfractaire ou entêté ou en tout cas je ne la connais pas comme ça. Donc je suis navré. Ben non c'est pas du doxing. Alors oui, euh, il oui, oui, y en a un. Euh, ah ben oui, euh, il a été révélé que euh, du demi doxing. Comme une demi molle n'est pas tout à fait une érection, mais c'est déjà un peu une érection. Donc euh, voilà. T'as raté il une la... dinguerie. Je remets. Euh, réfractaire ou entêté ou en tout cas je ne la connais pas comme ça. Donc je suis navré, ben non, c'est pas du doxing. Alors oui, euh, il oui, oui, y en a un. Euh, ah, ben oui, euh, il a été révélé qu'une euh, de ses passions a été révélée. Et ce n'est même pas une passion euh, honteuse ou quoi, hein. c'est juste comme je vous dis, c'est comme si on apprenait que... Euh, enfin, on voyait l'adresse de son club de bridge en l'occurrence sur le truc. Hein. Euh, Idris fait du karting. Non, c'est pas pareil. Euh, dans une précédente vidéo... Mauvaise foi euh, là, hein, parce qu'ils ont, ils ont dû flouter. Le fait qu'on voyait l'adresse exacte de son club de bridge, donc c'est pas la passion jusqu'à été révélée, c'est que dans la vidéo on voyait littéralement le nom et l'adresse du club de bridge en l'occurrence. Donc, euh... donc euh, ouais. Euh, dans laquelle euh, Damon parlait d'Idriss, elle a été un petit peu plus loin que de dire qu'il faisait du karting. Donc je je sais pas, pas je sais pas, je mesurerai un petit peu quand même mes, mes propos là, l'emballement sur Twitter assez euh, assez rigolo. Alors, c'est rigolo, attention. Hein. Attention, je ne veux pas non plus oui. me moquer des gens attention, qui... Attention, pensent... parce que si vous vous emballez un peu trop sur Twitter, ils vont dire que c'est du harcèlement, et puis euh, voilà, ils vont... ils vont vous doxer après. C'est rigolo, c'est rigolo. Ça en première instance, parce qu'effectivement, la vidéo, quand on la regarde comme ça, si on ne fait pas trop attention au disclaimer, si on se laisse un peu emballer par le narratif, on a l'impression d'assister à un doxing. Effectivement, ah. Mais, les gars, euh, vous... <laughs> On a l'impression d'assister à un doxing. Ah. ah Du coup, ça ressemble de plus en plus à un doxing. On a vraiment l'impression, mais c'est juste une sensation de doxing. C'est pas un vrai doxing, c'est juste une sensation. Vous avez l'impression, mais pff, ça n'est pas un. C'est vraiment, c'est pour le narratif, ouais. Moi, pour moi, c'est la défense demi-molle. Mais non, une demi-molle, c'est pas une érection. C'est ça, la défense. Merci beaucoup, la Perme Sauvage, pour les 8 personnes qui nous rejoignent. Dans ce raid, bienvenue, bienvenue les amis. On est en train, alors je suis désolé, vous arrivez vraiment au pire moment. Hein. On est en train de regarder une vidéo de Mister Sam, mais on n'en est qu'à 12 minutes sur 50. Donc, euh... donc voilà, je ne vais pas vous forcer, mais on est dans ça. Euh, J'ai été payé pour, donc euh, pas le choix. Vous êtes sur une chaîne YouTube qui relance. Merci beaucoup pour le raid, vraiment, ça fait plaisir. J'espère votre stream s'est bien passé. Et effectivement, ouais, le fun, oui. L'incarnation le... du fun, oui. Ces euh, enquêtes, la chaîne YouTube d'une détective qui relance ses enquêtes. Euh, critiquer ça alors parce que là euh, c'est oui c'est une mise en scène qui fait croire vous allez regarder la vidéo vous allez avoir l'impression qu'il suffit de faire comme dans la vidéo pour les retrouver c'est faux évidemment mmh. ce n'est pas le cas alors c'est pas le cas mais on rappelle quand même que doumit euh, donc je résume le, le contexte pour les gens peut-être qui nous ont rejoints euh, déjà il y a les gens du raid qui nous ont rejoints s'il y a peut-être d'autres gens qui sont arrivés je vais, je vais résumer vite fait le contexte il y a une vidéo euh, avec plusieurs youtubeurs qui a été publié sur la, la chaîne Wild Eye Demon, donc il y a une enquêtrice. Merci beaucoup de Baquet pour le soutien. Qui est une enquêtrice privée, une détective privée pardon, euh, qui du coup euh, révèle comment voir connaître l'identité euh, de plusieurs harceleurs. Et dans les harceleurs, un harceleur belge. Genre lui apparemment il est vraiment, c'est vraiment un, un vrai harceleur qui a harcelé beaucoup d'ététiciens etc. Mais finalement, il donne pas trop d'infos sur lui. Et il y a aussi Martin Eden, Doomit euh, et Le Bouzeux. Et Doumit, justement, il vient de publier un, un tweet euh, un peu plus tôt dans la soirée qui dit Suite à la vidéo de démon j'ai déjà reçu des commentaires qui affichent mon nom et certains lieux où je me rends. Cela me met concrètement en danger contre, compte tenu du fait que je suis ciblé par des personnes particulièrement énervées. Sans suppression de la dite vidéo qui m'attire déjà des ennuis, je porterai plainte contre son autrice ainsi que contre toutes les personnes qui y ont contribué. Vous me mettez en danger, je n'ai pas le choix. Voilà. Et Padu qui dit On aurait préféré qu'ils te répondent sur le fond, mais ils ont choisi ça. Une honte. Force à toi. Ben, c'est ça, au final, euh, Toumit, c'est du fond avant tout. Je veux dire, il n'attaque pas les gens personnellement. Il peut être parfois un petit peu, il a un ton un peu agaçant, mais encore une fois, est, je veux dire, on est sur Internet, c'est quand même permis. Euh, ça ne justifie pas cette espèce de semi-doxing ou de l'afficher comme un harceleur présumé. Enfin, c'est très très bizarre. Parce que pour qu'il soit harceleur présumé, il faudrait qu'il y ait une enquête contre lui déjà. Il n'est pas harceleur présumé parce qu'il y a zéro enquête pour harcèlement contre lui. Donc, euh, à ma connaissance, en tout cas. Donc, c'est déjà le présenter comme harceleur présumé alors qu'il y a zéro enquête contre lui, c'est déjà problématique de base. Et la preuve, c'est que ça lui a apporté des problèmes. Donc, euh, bon, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Sinon, ça tomberait tout de suite sous le. Enfin, je veux dire. À nouveau, il y, y a un truc qui m'épate, c'est à quel point des trucs extrêmement évidents, basiques dont on sait que c'est le premier truc qui vient en tête, on ne soupçonne pas chez l'autre que ça puisse lui être venu en tête. Moi, c a compris. ça, c'est vraiment une démarche que j'ai que du mal à comprendre. J'ai eu le cas récemment avec un tweet que j'ai fait, qui était une punchline, euh, dans laquelle j'ai euh, utilisé des, des termes un peu trop vagues au goût de Twitter. Maintenant, je vais vous le ressortir, vous allez voir l'exemple. Donc voilà, dans un tweet récent, pour vous pour montrer l'exemple de ce que je veux illustrer là, je dis... Mais, je fais régulièrement hein, des punchlines sur Twitter, des, des petits des petits mantras, euh, Z, etc. Des petites idées qui me passent par la tête. Mm -hmm. Poops, je les lâche, tweet, je quoi Discute et tout. Et là, j'ai eu une shitstorm pour ce truc-là. Écoutez bien. Pour savoir si on est sujet au raisonnement dit complotiste, il faut mesurer le rejet qu'on éprouve à l'idée que personne ne dirige le monde et que la bêtise humaine est l'explication à la majorité des étrangetés. Ok. Personne dirige le monde. Donc euh... là, vous vous êtes peut-être en... On souffle, hein On souffle, hein. La punchline retour de karma. Oula. On dit, Démon n'a rien révélé qui permette de te retrouver. Bah ben, la preuve, des gens l'ont retrouvé. Et tu le sais forcément. Les vraies méthodes ne sont pas dans la vidéo. Elle m'a fait une démo sur personne avec ses vrais outils. Je ne sais pas qui a demandé à retrouver ton adresse. Moi, c'est juste le gars dont je parle dans la vidéo. J'ai lu ces com que tu prétendais que j'ai un discours sur les races humaines. Ça, c'est de la diffamation. Si tu veux des choses de sa part Elle a un mail. Quel est le problème Qu'on puisse porter plainte Si tu continues tes insultes, je ne veux pas interagir avec des gens comme toi. Tu te prends un retour de karma et je ne vois rien d'étonnant à ce que quelqu'un ait besoin de t'adresser une plainte. Mais qui, du coup Des moines à des consultants juridiques et détectives qui valident son travail. Bonne chance, merci de m'oublier. Euh, ouais, le truc, c'est que ça se trouve euh, je sais pas, ça se trouve, je vais dire n'importe quoi, hein, c'est vraiment juste. Euh, voilà, Mais ça se trouve, c'est psychodélique qui lui a demandé ça, vous voyez ce que je veux dire Psychodélique est en mode, donne-moi l'adresse de Dumit. Et genre, là, ils sont en mode, c'est bien, parce qu'elle est assermentée en tant que détective. Elle ne fait que répondre à son client, tu n'as qu'à l'embaucher. Pour d'autres, c'est psychodélique, du coup. Genre, c'est vraiment ça, on en est là, quoi. On en est là, du coup. Jamais sous-estimer la puissance de la victimisation. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Vous devriez tous méditer ça. Et donc, il dit, si on, trouve, si on fait un petit tour sur le LinkedIn -link de Psyo, on y trouve une mine d'informations de première main. Après, c'est vrai que Psyo, c'est... Moi, je voulais pas en parler, mais bon, puisqu'il y a des questions, Psyo, son nom et son prénom et son adresse personnelle sont très facilement trouvables, malheureusement. Et je pense qu'il devrait faire quelque chose pour ça, vraiment. Il devrait, enfin, voilà. Et vous savez que moi, Psycho, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie, mais c'est genre, je suis limite inquiet pour lui, quoi. Après, bon, ce qui tendrait à prouver que... Euh, au final, les gens ne sont pas si déterrés à aller taper les gens, etc. C'est que euh, il a dit son nom en vidéo. Ouais, il a déjà dit son nom en vidéo, mais là, son adresse personnelle, voilà, c'est quand même euh... si on oui, associe son pseudo et son identité, ouais, c'est ça, c'est ses choix à lui, mais je trouve ça très bizarre. Mais euh, euh, la teub parle tout le temps de son nom et prénom. Ouais, c'est pas le nom prénom. Le problème, c'est plus son adresse. Mais du coup, malgré que son adresse soit publique, euh, c'est il a jamais eu, à ma connaissance, d'agression physique ou de gens qui sont venus chez lui. Le menacer ou autre. Donc c'est la preuve que voilà, il y a quand même très très peu de gens qui ont la détermination de venir physiquement sur ton lieu de vie pour te foutre la pression, même si ça peut malheureusement exister quoi. Tu doxes un peu. Ben je dox pas en fait. C'est malheureusement une réalité que moi je trouve grave, mais qui semble prouver que c'est pas si grave quoi. Mais arrêtez arrêtez de voilà de doguer les psycho. En train de vous demander, la shitstorm c'est quoi C'est les complotistes qui sont venus Pas du tout. Ce sont des des sceptiques. Qui sont venus me. Ah oui, alors, me... Sa, sa phrase de base, on était sur sa phrase, voilà, voilà la, on va la À la majorité des étrangetés. J'ai eu une shitstorm pour ce truc-là, écoutez ouais, bien. Écoute. Pour savoir si on est sujet au raisonnement dit complotiste, il faut mesurer le rejet qu'on éprouve à l'idée que personne ne dirige le monde et que la bêtise humaine est l'explication à la majorité des étrangetés. L'ératome de ça, en description, je ne voulais pas dire harceleur présumé, mais présumé innocent. Mais c'est pareil, présumé innocent. Tu es présumé innocent dans le cadre d'un d'une d'une poursuite judiciaire, d'un processus judiciaire. Si tu n'es pas poursuivi par la justice, tu es bien évidemment présumé innocent dans ce sens-là. Enfin, c'est un terme juri juridique. Donc, euh, même dire présumé innocent, c'est assez bizarre parce que, à ma connaissance, ils sont pas attaqués ces gens-là. Il n'y en a aucun qui est en procès, à ma connaissance. Après, euh, peut-être qu'ils ont des procès, mais en tout cas, ils ont pas parlé dans la vidéo et ils l'ont pas dit. Donc, parler de présumé innocent pour Doumit qui a pas de procès, je trouve c'est très bizarre, quoi. Même dit comme ça. Et dans la vidéo de Wild elle disait harceleur présumé, cyberharceleur présumé. C'est comme ça qu'elle le disait dans la vidéo. Donc la vidéo à laquelle ils ont énormément réfléchi, elle contenait cette même expression. quoi. « Il fait du droit en amateur, oui, c'est ça. Il pratique le droit en amateur, oui. Ok. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous demander la shitstorm, c'est quoi C'est les complotistes qui sont venus Pas du tout. Ce sont des sceptiques. Qui sont en fait, personne de... ne contrôle le monde oui. par rapport à sa phrase. Personne ne dirige le monde. Euh, c'est faux. En fait, c'est faux. Il y, a, il y a effectivement des forces et même étudiées Par exemple, pourquoi est-ce que, euh, alors qu'on a toutes les connaissances écologiques, climatiques, on sait que brûler du gaz, brûler du pétrole, c'est pas bien. Produire du plastique, c'est pas bien. On sait, on le sait. On n'arrive pas à arrêter. Pourquoi Parce qu'il y a de fait des gens qui dirigent le monde et qui n'ont pas intérêt à ce qu'on arrête. Et c'est pas complotiste de dire ça, c'est factuel, c'est étudié par les, les scientifiques du climat, c'est étudié, c'est un effet effectivement de verrou, un des nombreux effets de verrou qu'on a, mais c'est un des effets verrou, c'est que les gens qui profitent le plus de, de ce marché, hein, les 7 sœurs, alors aujourd'hui c'est plus les 7 sœurs, mais bref, vous avez compris quoi, donc les, les grandes entreprises et les pays même, hein, c'est même des, des états qui bénéficient de ça, n'ont pas intérêt à ce qu'on arrête, donc on n'arrête pas, voilà. C'est pas nous qui dirigeons le monde du coup, c'est eux, effectivement. Donc effectivement, c'est une pensée très dépolitisante d'être en mode personne ne dirige le monde, la bêtise explique tout. Non, la bêtise n'explique pas tout. Et, euh, les intérêts de classe expliquent beaucoup plus que la bêtise. La phrase ne dit pas ça, Kali. Ben, je sais. Ce qu'elle dit est bête. Me, me, me critiquer parce que j'ai dit pour savoir si on est sujet au raisonnement dit complotiste, au lieu de dire une des méthodes pour savoir si on est sujet au raisonnement ah, du ça, ben... et au lieu de dire on peut mesurer le rejet qu'on éprouve à l'idée que personne ne dirige le monde, j'aurais dû dire j'ai dit il faut mesurer le rejet qu'on éprouve. Au lieu de dire on peut, j'ai dit il faut. Moi je ne comprends pas comment on peut connaître mon travail, mes vidéos, voir que je fais régulièrement des punchlines, mon, mon bouquin en est truffé et pas se dire « Non, mais c'est pas possible qu'ils croient que la seule méthode pour savoir si on est au sujet au, au complotisme, c'est de mesurer le rejet, blablabla. Bla » bla. Ça, ça crée des shitstorms sur, euh, sur Twitter, quoi. C'est quand même dingue. Alors, oui, dire, la tour PNL, je suis d'accord avec ton tweet. Coupe, coupe Twitter, etc. Alors, je vous rassure, Twitter, je, 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 je survole, je ne me laisse plus atteindre par ça. Mm -hmm. Mais ça reste un endroit où je, où je partage mes contenus parce qu'il faut bien faire la promotion de ces contenus. Il y a quand même une question pertinente qui m'a été posée par rapport à ça, c'est est-ce ah. que c'est vrai Est-ce que ce mantra est vrai Est-ce que c'est vrai qu'on peut mesurer euh, son propre complotisme à, au rejet qu'on ressent si on nous dit qu'il n'y a pas euh, de, de gouvernement secret qui s'occupe de tout Ben bah non. Ben bah, c'est pas systématiquement Un euh, gouvernement secret qui s'occupe de tout, c'est pas la même chose que « personne ne dirige le monde ». La même chose, forcément. Mais ce que je parle, ce dont je parle là, c'est d'un mélange entre le, le rasoir de Hanlon et les mesures d'écart métacognitif. On m'a, exi exigé des sources pour ça. Les gars, calmez-vous, quoi. Je bricole avec les choses que je sais. Je bricole, ouais. En fait, les aides, ils sont en carton, ouais. Euh, c'est pas déconnant. Faut euh... pas les mouiller, sinon ils portent plus rien. Euh, comme propos, c'est pas déconnant du tout. Effectivement, quand moi j'étais complotiste. Si je m'étais mis face à un sceptique respectueux et que je lui aurais dit euh, et qu'il m'aurait dit euh, euh, est-ce que tu penses qu'on on peut mesurer euh, le complotisme à la résistance à certaines affirmations et qu'on se serait mis d'accord sur le type d'affirmation puis qu'il m'aurait dit ça le rasoir de je ai quoi Alors on va lire la définition exacte pour pas dire de bêtises ici on est des éthéticiens qui utilisons la technologie pour trouver les réponses à nos questions donc, on va regarder Wikipédia. Le rasoir de Hanlon est une règle de raisonnement permettant d'éliminer des hypothèses. Formulée en 1980 par le programmeur américain Robert G. Hanlon, cette règle s'énonce de la manière suivante Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Ok, merci Hanlon. Merci beaucoup pour tes lumières. Ça m'aurait fait réfléchir parce que complotiste ce n'est pas synonyme de personne de mauvaise foi. J'aimerais bien que les sceptiques se mettent ça dans, le dans la tête parce que quand je lis les trucs, moi ça, ça me rend fou quoi. Une personne qui est complotiste c'est une personne qui a une mauvaise méthode pour faire ses déductions. C'est tout. Ça ne veut pas dire personne qui a une mauvaise foi. Et ça c'est une méthode. Et je pense que si, si un complotiste est d'accord avec, avec la mécanique de la méthode et puis qu'on lui sort cette phrase, mmh. bah ça va le faire réfléchir. Il va se dire ça, ça. quelle est ta méthode pour déterminer que personne ne dirige le monde du coup ah, C'est vrai, c'est peut-être mon angle mort. Euh, je ne supporte pas les explications dans lesquelles l'explication c'est la bêtise humaine. J'ai effectivement une résistance. Après la bêtise humaine explique beaucoup de choses aussi. Hein. Euh, spontanée et intuitive. Alors, par exemple, les scientifiques soviétiques qui ont mis le feu euh, à un trou de... avec... où il y avait du méthane en pensant qu'il s'éteindrait en deux minutes, hein. donc des scientifiques de... soviétiques ont mis feu à ce trou, c'est au Tadjikistan, euh, on appelle ça la bouche des enfers. Voilà, je ne sais plus lo... la localité exacte au Tadjikistan. Bah, effectivement, ils pensaient que ça allait brûler en quelques jours, quelques semaines. il brûle toujours aujourd'hui, ça fait genre 57 ans ou un truc comme ça. Donc, euh... Ouais, parfois les humains sont cons, On va pas dire le contraire. On va pas. Je, je suis effectivement d'accord que parfois il euh, y a une vision complotiste qui est de dire euh, oui forcément euh, il nous donne ça pour ensuite nous mettre ça et ces espèces de trucs. Je dirais forcément un enchaînement logique à des événements random. Genre non, parfois non, il y a pas d'enchaînement logique. Parfois c'est de la pure bêtise. Parfois c'est du hasard. Parfois c'est c'est au Turkménistan, pardon. Euh, Excusez-moi à l'explication par la bêtise humaine. Tiens, tiens, c'est vrai que dans toutes les hypothèses auxquelles je suis sensible, la bêtise humaine n'est jamais présente. Ça m'inquiète, je devrais m'inquiéter de ça. Effectivement, c'est vrai. C'est juste ça mon mantra, hein, les gars. Merci, Joris, Nouvelon qui nous dit. Salut Kali, force à toi, je regarde le live en décalé. Je suis sur la vidéo Diamond. Si tu ne supprimes pas cette vidéo, pense à biper les infos perso révélées dans cette vidéo. Ben, peut-être que je la supprimerai, euh, peut-être que je la supprimerai, effectivement. Ou que je mettrai une version euh, expurgée à terme. Euh, je ne pense pas qu'il y a besoin de source pour ça. Bon, je suis obligé d'ajouter la plupart du temps, parce qu'il y a aussi une dimension. En cas, si les personnes concernées veulent me le demander, euh, n'hésitez pas à venir sur Twitter, sur Discord. Euh, bien évidemment, je, voilà, je me plierai à vos demandes, il n'y a aucun souci. ...complotiste complotisme qui est associé à euh, des pathologies mentales, il semblerait. Mais c'est encore une autre catégorie. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez compris ce que je voulais dire. J'aimerais bien qu'on fasse un effort aussi là-dessus. Je comprends ce qu'il veut dire. Hein, ça de temps en temps, faut ça serait pas mal de, de revenir avec le je comprends ce qu'il veut dire. Et donc je ne comprends pas. Compris. Quand vous avez Moi, compris, par contre. une analyse qui est la première chose qui vous vient à l'esprit, demandez-vous peut-être si la personne en face, si vous la savez un minimum intelligente ou un minimum cultivée en tout cas, demandez-vous si en fait elle n'en a pas déjà tenu compte, hein, et que en fait c'est vous qui devriez non pas faire une affirmation, mais Poser une question, poser une question, une, et poliment, gentiment, enfin respectueusement, ou même, ou même avec euh, un ton euh, énervé, pourquoi pas, mais accuser directement la personne de ne pas avoir pensé à ça et d'avoir fait volontairement ceci et cela, ça me rend dingue, c'est incroyable, on est, on est vraiment à l'ère de l'émotion instantanée, euh, sans réflexion, etc. Donc voilà, ma participation à cette vidéo de Demon, Demon Wild Eye a été euh, longuement réfléchi, euh, la, la forme que ça a pris a été... Euh, a, est passée par toutes sortes d'idées différentes. L'objectif était vraiment d'aller à la limite. Hein. Donc c'est pour ça que je, je, je respecte franchement, si vous n'aimez pas la démarche, je respecte. Je ne suis pas fan. Respect, man. Respect. Si tu pas, respect. Respect Parce que c'est bien, il, faut, il fallait ne pas aimer. Il a dit lui-même, hein, ce n'est pas la stratégie qu'on veut voir, c'est sale. On est à la limite. Ils ont expurgé déjà la vidéo de pas mal de choses hein, euh, qu'il y avait au départ. Donc, ça a été très réfléchi. Non, mais vraiment, les CSC. Hein. La liste des CSC est infinie. Hein. Ça a été extrêmement réfléchi, mais 24 heures après que la vidéo soit sortie, il faut déjà enlever énormément d'éléments dedans parce que, euh, en fait, ça n'a pas été si réfléchi que ça, visiblement. Je... Et après, il accuse en mode Ah, et vous pensez qu'on n'y a pas réfléchi Ben, visiblement, non. Puisqu'il y a besoin d'enlever des tonnes de trucs dans la vidéo, en fait. Donc, non, vous n'avez pas si bien réfléchi. C est, c est... Il fallait prendre un peu plus de temps. Je en fait. déteste de voir en arriver là, mais comme le dit souvent Arnaud, euh, dans une de ses métaphores, on est un petit peu sur le, le coup du chien euh, qui ne mord pas, et, et dans lequel on donne des coups de pied, encore, 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 et un jour on s'étonne qu'il se mette à aboyer. À aboyer. Eh ben, euh, désolé de le dire comme ça, mais en fait, estimez-vous bien heureux qu'il ne fait qu'aboyer le chien, quoi. Parce que là, il n'y a, y a juste rien, il y a juste un message qui dit « vous n'êtes plus anonyme ». Si vous voulez emmerder des gens, et c'est pas une question des youtubeur, hein, je, je le dis à l'attention de, de, de tout le monde en fait, vous êtes emmerdé par quelqu'un d'anonyme, vous pouvez avoir recours aux détectives. C'est pas une question d'avoir de la visibilité, quoi que ce soit. Ayez recours aux détectives si vous, si vous êtes emmerdé par des anonymes. L'anonymat ça saute, et la police n'est pas très compétente pour ça. C'est un truc que moi j'ai mmh. vécu personnellement, je peux vous partager ce, ce retour d'expérience là. Ouais, mais aussi c'est total, du coup dans la vidéo ils n'arrêtent pas de dire faites confiance à la justice et tout. Et ils disent bon, au final la justice ne font pas le travail. Donc on est obligé de faire une vidéo pour semi-doxer les gens et les menacer. quoi. Et puis bon, avec une petite sponsor bien sûr, petite sponsor NordVPN sur la vidéo, hein, bien sûr si vous l'avez pas vu, il y a une sponsor NordVPN sur la vidéo. C'est... Voilà, ça ne s'invente pas. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. C'est... C'est vraiment, genre, je ne sais, sais pas quoi dire, je suis choqué en fait. Et excusez-moi, mais je trouvais que dans la balance, l'importance de ce message. qui reconnaissent que c'est une menace, reconnaît que c'est un coup de pression. C'est des méthodes dégueulasses, excusez-moi, mais genre, c'est. Enfin, à ma connaissance, ni Dumit, ni Le Bouzeux, ni Martin Eden, l'autre je ne le connais pas, mais ça a l'air vraiment un cas, donc je le mets à part, mais ces trois-là n'ont jamais fait quoi que ce soit d'approchant. Jamais! Donc, ce pas proportionné, en fait. Pas du tout proportionné. Du fait qu'il me concerne moi aussi. Euh, avec... Et c'est les premiers à chialer des call-out quand les meufs disent on est obligé, la justice fait pas son taf dans les cas de viol et d'agression. Alors, je ne sais pas si eux spécifiquement, enfin lui spécifiquement, il a ce discours-là. Mais c'est vrai que c'est un discours qu'on peut entendre, mais malheureusement, oui. Cette démonstration forte, bah oui, euh, valait mieux que d'éviter de faire un truc que je trouve. Un peu sale et discutable. Et à nouveau, si vous trouvez ça discutable, il n'y a pas de souci, je le respecte, euh, je le comprends, vraiment. Mm -hmm. Si vous trouvez ça inadmissible et qu'il faut absolument supprimer tout ça, là je suis désolé, mais non. Il y a un choix qui est fait. Ce choix est dans la légalité, avec les règles, face à un problème insoluble. Le vrai problème, c'est pas démon c'est pas moi, c'est pas... Euh, le le vrai problème, c'est l'impunité de, des gens qui sont sous couvert d'anonymat et l'inefficacité de la police. Et en l'occurrence, ces ouais. trois personnes elles sont sous pseudonyme, elles sont pas anonymes, elles sont sous pseudonyme. Et vous avez prouvé dans votre vidéo que c'était pas si difficile que ça de retrouver leur identité, puisque l'adjectif l'a fait en deux jours. Donc, euh... c'est Donc trop bizarre en fait, parce que l'impunité de domit et Eden, je vois pas. Fin... Impunité vis-à-vis de quoi Vous avez prouvé encore une fois aucun harcèlement, vous avez prouvé aucune même volonté de nuisance de leur part. Vous avez juste dit voilà, ils ont des ils font des vidéos qui parlent d'autres vidéas sur leur, sur leur chaîne quoi. Donc c'est des harceleurs présumés. Donc vas-y, on peut révéler comment avoir leur identité. C'est ça qui se passe dans la vidéo en fait. Et même si c'est mis en scène, que c'est fake, la manière d'y retrouver et tout, des gens ont réussi quand même à les retrouver. Donc euh, ouais, peut-être un petit peu. Je sais pas, se demander si c'est pas là qu'il est le problème, euh, puisque des gens ont été euh, mis en avant. Alors ça, c'est un truc qui me gêne un petit peu parce qu'effectivement, on a beau mettre des disclaimers, ce sont des présumés harceleurs. L'impunité de Doumit, c'est qu'il fait des cours de philo et que personne ne comprend jamais rien. Oui, c'est ça. Voilà, c'est. Il faut que ce soit puni ça. On en a marre de tes discours abscons, marxistes, Doumit. Fais du contenu gaming un peu, Doumit. Je n'en peux plus de ton impunité. On en a marre. Hein en vrai, j'ai envie. Je il prend tellement cher gratuitement que j'ai envie de vous mettre le, le lien de la chaîne de Doumit. Hein. Voilà, que qu'au moins ça lui fasse un peu de, un peu de clout. Hein. 5000 abonnés, Doumit. Il se prend la tête avec l'extrême droite, surtout plus qu'autre chose. Hein. Je vous mets le lien de sa chaîne, voilà. C'est fait. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de. de Salut Thierry. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de, de, de compte rendu qui a été fait par la, par la justice. Ce sont des présumés harceleurs. Bah en fait, non, s'il n'y a eu rien qui a été fait par la justice, ce n'est pas des présumés harceleurs. C'est à la justice de dire s'ils sont présumés harceleurs, en fait. Ce n'est pas à moi de le décréter. Sinon, je dis, euh, Mr Sam, présumé violeur. Ah, il n'y a rien. La justice n'a rien fait. Hein. J'ai zéro preuve à vous montrer. La justice n'a rien fait, mais voilà, présumé violeur. Voilà, je le dis. Donc, vous voyez, ce serait une dinguerie de dire ça. On est d'accord ou pas Ce serait une dinguerie absolue. Mais là, ils le font sans problème, en fait. Genre, je veux dire, c'est le CSC total. Merci, TiziTweet. De, de... Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de, de, de compte rendu qui a été fait par la par la justice. Ce sont des pas de jugement, pas de compte rendu. Mais est-ce qu'il y a une affaire seulement concernant Doumit, concernant Martin Eden Est-ce qu'il y a une affaire Est-ce qu'ils sont traînés devant les tribunaux pour répondre de certains propos À ma connaissance, non. Donc, euh, je pose la question est-ce que c'est le cas pour pouvoir les qualifier de présumés harceleurs Puisque des gens ont été euh... Mis en avant. en arrière, Alors, hein, pour avoir bien le contexte Ça, c'est un truc qui me gêne un petit peu, parce qu'effectivement, on a beau mettre des disclaimers, ce sont des présumés harceleurs. Il hein, n'y a, a, de, de, a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de, de, de compte rendu qui a été fait oui. par, la, par la justice. Mais est-ce qu'il y a une affaire Présumé harceleur. Est-ce qu'il y a une affaire Est-ce que Dumit est, est appelé en son vrai nom devant la justice pour harcèlement est-ce que Martin Eden est appelé en son nom, véritable, devant la justice pour, har pour des faits de harcèlement Est-ce que le Bouzeux Non. En fait, non. Donc, ce n'est pas des présumés harceleurs, en fait. Vous pouvez pas dire ça. Il n'y a même pas d'accusations qui ont été faites. C'est un truc de fou, quand même. Vous n'avez même pas montré une accusation. Avec des éléments, avec des trucs. Rien. Rien du tout. C'est un truc de fou. Hein. Et le fait de les citer, nommément... Euh, évidemment, ça fait une espèce de halo comme quoi ils sont des harceleurs. Bah, bien sûr, j'insiste. Évidemment. Ce ne sont pas des harceleurs reconnus. Il euh, n'y a pas eu de jugement. Ce ne sont pas des harceleurs. Voilà. Même le mien. Euh, et pourtant, je pense que euh, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que le mien en est un. Euh, Par contre, le sien, s'il parle du Belge, il a l'air complètement ouf. Donc, euh, pour lui, là, j'ai pas. En tout cas, c'est pas un cas que je connaissais. Mais Diamond et Sodom ont dit ouais oui, harcelé ce mec-là. Donc, effectivement, bon. Voilà, j'ai tendance, euh, j'ai plus tendance à croire qu'effectivement, celui-là il a l'air d'être euh, plus le genre de, de, de personne qui pourrait être euh, voilà qui n'a aucune limite, qui est, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinairement agressif qui euh, voilà n'entend pas raison, n'entend pas de discussion, n'entend rien du tout. Et effectivement, pour ce genre de personne, peut-être que c'est le dernier recours si le harcèlement continue aujourd'hui et que vraiment il n'y a rien d'autre à faire. Ça, je pourrais l'entendre éventuellement, mais. Encore une fois, Martin Eden avait fermé son compte YouTube, euh, avait fermé sa page Twitter. Et il était à deux doigts de fermer sa, son compte YouTube. Euh, Doumit, il fait des vidéos. Euh, le Bouzeux, plus personne ne parlait de lui. Donc euh, là, je vois pas l'urgence en fait. Je vois pas du tout l'urgence. Et je vois plutôt un move mesquin, un move de, de revanchard en mode ah nous on n'a pas oublié parce qu'on dort dans un voilà on a un 720 m carrés dans le cerveau euh, avec ces gens là. Donc euh, voilà, on veut leur balancer une crotte quoi. Moi, c'est tout ce que je vois honnêtement, hein. et je trouve ça assez, assez piteux honnêtement. Voilà, il est passé entre les filets de la loi. Et Par la contre, loi. oui, quand Psycho fait 20 vidéos, euh, c'est pas du harcèlement là. Hein. Là, c'est pas du harcèlement. Ouais, elle a tranché et c'est comme ça, les gars. Il faut le faire avec. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, donc, euh, voilà, c'est des présumés harceleurs. Victor Nickel est violent, il est capable de trouver le mail de ton boulot, et il envoie des mails diffamatoires. Ah ouais, c'est sombre ça. Ça, je sais que des gens, il me semble que des gens l'ont fait à Psycho, ça. Il y a un exemple qui est fait, qui est fort. J'ai pris euh, la peine d'aller voir un petit peu ce que faisaient les gens qui étaient pris en exemple pour ce truc de harceleur. Et donc je me suis retrouvé face à la responsabilité, je l'avoue, je me suis retrouvé face à la responsabilité de me dire est-ce qu'il mérite, est-ce que moi je l'estime qu'il mérite d'être exposé comme ça euh... Juste un tweet parmi les, les dizaines qu'a mis, alors, je ne sais pas les, combien il en a mis exactement, mais il en a mis beaucoup. Le foyer, là, euh, donc, euh, euh, un petit tweet là, de Mon Christian qui dit, euh, Ataraxia sur Twitter, qui dit, précision Une critique politique virulente n'est pas répréhensible devant la justice. Se faire justice soi-même en France, en intimidant des individus publiquement, c'est vraiment pas apprécié par les tribunaux. Effectivement. Pour le peu que j'ai vu, euh, vu, le peu que j'ai vu, le peu que j'ai supporté de voir de, de Psycho ce. Psycho l'a fait à un étudiant, il a appelé l'école. Ah, c'était ça, c'était ça. Eh ben. Qu'ils produisent, très largement oui. Je trouve que très largement, ils méritent d'avoir un petit coup de froid dans le dos et de se dire euh, Ah, euh, bah, je ne suis pas anonyme, je peux avoir une plainte. Je peux demain avoir euh, une plainte dans ma boîte aux lettres. À la limite, limite, limite. Si vraiment, genre, tu considères que le harcèlement d'une personne est insupportable, euh, genre tu peux lui envoyer une lettre et que tu veux lui montrer comme ça qu'elle est pas anonyme et tout tu peux lui envoyer une lettre enfin en... il a engagé une enquêtrice pour faire ça il a eu l'adresse de la personne tu peux faire une lettre que tu envoies à la personne même mandatée par avocat ou je sais pas quoi en mode euh, voilà un petit coup de pression tu vois à la limite si vraiment ils sont procéduriers ils ont l'air procéduriers de fou donc si t'es procédurier que tu veux mettre un coup de pression à la personne voilà t'envoies un courrier d'avocat en mode euh, mettons en demeure je sais pas quoi genre courrier avant plainte voilà genre premier courrier avant plainte si vous Continuer, euh, ça va pas aller. Donc euh, maintenant c'est du sérieux, ça va arrêter. Mais tu fais ça offline en fait. Tu fais ça, euh, voilà, par rapport à la personne. Pourquoi faire une vidéo publique Alors vous savez très très bien que le risque c'est que des gens vont s'engouffrer là-dedans pour eux-mêmes harceler, trouver la personne. C'est ça qui est grave, est ça qui est problématique. Vous en avez conscience, quoi. Mais bon, fallait faire une petite sponsor VPN, j'imagine. Fallait faire un petit tunnel de de promo pour, le, pour la formation pour la formation OSINT hein. Ce n'est pas du stalking, c'est de l'OSINT, bien sûr. C'est quand même Excusez excusez du peu mais je crois que voilà, c'est c'est critiquable mais de là à dire il faut annuler, il faut c'est inadmissible, c'est monstrueux ou je sais pas quel autre truc que j'ai lu euh... avec une balle dans le je sais pas ce que je dis mais je dis lui là son angoisse, c'est en mode je veux que ces gens ils se sentent pas à l'aise de parler de moi. En gros, c'est ça hein. En gros, c'est ça, que quand ils parlent de moi, ils se disent merde, il va peut-être payer un avocat pour me porter plainte. Bah, si vraiment c'est ça ton, ton truc, bah, t'envoies une lettre en, dans le privé en fait. Tu vois ce que je veux dire T'envoies une lettre avec les informations que t'as trouvées, tu les donnes pas publiquement et t'expliques pas publiquement comment c'est possible. Puisque, encore une fois, désolé de rappeler ça, mais c'est quand même euh, ce que dit une des personnes ciblées dans la vidéo, donc je pense que ça a son importance. Doumit nous dit suite à la vidéo de démo, j'ai déjà reçu des commentaires qui affichent mon nom et certains lieux où je me rends. Cela me met concrètement en danger. Compte tenu du fait que je suis ciblé par des personnes particulièrement énervées. Que dire de plus, en fait Donc là, il menace de porter plainte. Martin Eden menace de porter plainte. Et quelque part, je les comprends. Même si, bon, porter plainte, après, c'est des années de procédure et tout, c'est casse-couille aussi. Hein. Euh, sur les réseaux, ouais, c'est un choix, hein, je suis désolé. C'est un choix. Ouais. Je ne veux pas continuer à me laisser faire personnellement. Je ne je, je veux pas qu'il y ait. Je ne veux pas qu'on se dise qu'il n'y a pas de limite. Et c'est tellement grave que j'ai vu des, des, des gens, mais malades d'attention, se demander euh, Ah, et moi, pourquoi je ne suis pas dans la plainte Et des gens qui espèrent attirer l'attention sur eux, comme ça, avec de, de, parce qu'ils critiquent et wow. vomissent sur le travail des autres. Qui a dit ça C'est totalement dingue <laughs> d'être ce genre de personne. Je suis désolé de le dire, mais qu qu'est-ce qu qui vous est arrivé dans la vie pour en être venu à ouais. produire un contenu qui s'amuse exclusivement à mal parler de gens qui essayent de faire un boulot euh, comme ils peuvent quoi. C'est je dis pas qu'il faut pas. C'est Thierry. C'est pas, pas du tout ça la question. Mais bien sûr c'est euh, Thierry. Euh, évidemment déplatérer des insultes à longueur de vidéos et de tweets et vomir sa haine en permanence, être moqueur, hautain, systématiquement. Oh là là. Tout le ouais. temps, regardez stop. Regardez être moqueur et hautain. Genre c'est illégal d'être moqueur et hautain? C'est interdit, genre ça devrait être interdit. Donc on voit que c'est ça qui le gêne au fond. C'est des gens moqueurs et hautains. Parce que les insultes, bon, on, on le sait, hein, l'injure publique, ça peut être caractérisé. Il y a trois mois de prescription, tu peux porter plainte pour injure publique. Mais le ton moqueur et hautain, tu ne peux pas porter plainte pour ton moqueur et hautain. Genre c'est comme l'autre qui disait, j'ai porté plainte pour agressivité. Genre est, on est là-dedans quoi. J'ai porté plainte parce que vous êtes hautain et mesquin. Genre frérot, redescends, redescends de zinzin là. Redescente à Tour Eiffel, là, c'est pas possible. Tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Les gars, je vous plains, hein. Euh, je sais pas, moi, ça m'étonne, ça m'inquiète pour vous. Je serais un proche, je vous dirais, euh, dis donc, euh, euh, c'est inquiétant quand même, tu t'es sûr que tu vas bien Oui, alors, euh, voilà, on me dit euh, que je, je m'exprime sur mon harceleur, mais je ne m'exprime pas sur les, autres, sur les autres harceleurs du web. Ça vole haut, quoi. Bon, alors, euh, sur les réseaux, là, on voit un, un, un festival de gens qui s'improvisent juristes. Mais au-delà euh, de ça, moi aussi, hein, j'ai eu. Est-ce que tout simplement, votre vidéo, elle participe pas d'un phénomène de harcèlement, en fait Jeter des gens sous le bus comme ça, comme Doumit, comme Martin Eden, sans aucune preuve, et expliquer qu'on peut montrer leur, leur identité relativement facilement, c'est pas dans une dynamique de harcèlement, selon vous Genre, c'est pas. Y a pas un truc de ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est un truc de zinzin quand même. J'ai hein. eu les, les mêmes réflexes, me dire bah attends ça ne doit pas être légal machin. Bah écoutez ils ont vérifié. Ils oui ils ont j'aurais dû presser la suite c'est ça. Hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. c'est pas, pas mon métier d'être juriste et détective. Ils ont vérifié ils ont ouais. dit que c'était clean. C'est clean. Bon bah ok. Ouais bon on va pas. Un juriste a dit que c'était clean. Moi ce qui me pose question je m'en fous de l'aspect juridique en fait. Même si c'est légal ce qu'ils ont fait c'est pas ma question hein. C'est est -ce plutôt est-ce que c'est moral. Est-ce que c'est moral de faire ça en fait Est-ce que c'est la bonne réponse au harcèlement quoi Je... Surtout de la part de gens qui montent quand même pas mal sur leur grand jour, parce qu'ils parlaient d'être hautains. Je trouve qu'il est assez hautain quand même, merci beaucoup Choucroute Master. Et qui sont assez hautains quand ils disent Oui, c'est à la justice de faire son travail. Ne pas se substituer à la justice, ne pas se substituer à la justice. Oui, ça va le melon, ok. Ok, Batman, c'est un peu ça votre vidéo, donc euh, bon. On ne va pas s'éterniser euh, là-dessus, ça ne vaut pas la peine. Puis en plus, vous, le grand public, vous n'êtes pas, pas spécialement au fait de tout ça. Mmh. Et ça m'intéresse d'ailleurs de, de vous en parler, parce que y a, donc ce samedi, j'étais en dédicace à la foire du livre pour l'excellent bouquin Arrêtons de croire n'importe comment. Mmh. Arrêtez de croire n'importe quoi aux éditions de Book Superior. Ouais, pas, pas du tout méprisant et hautain comme nom de livre. Mais... <laughs> 10 années de zététique, plus des petits bonus, des petits jeux à faire avec vos amis. Si vous voulez par exemple faire un test avec vos amis et leur faire croire qu'ils ont des yeux au bout des doigts, je vous jure que c'est vrai, euh, vous pouvez le faire en une quinzaine de minutes. Je l'ai testé, c'est vraiment, euh, vraiment très marrant. Et en plus c'est un test que j'ai créé moi-même à partir de... Ouais, je vous dis rien. Bref. Euh, bon, C'est moi. Bon, Qu'est-ce que j'allais dire, moi. Oui, donc euh, la vidéo est encore Pour poursuivre minutes. un petit peu dans, dans, dans ce sujet-là, j'étais ah. à, à la foire du livre non. et euh, je faisais une dédicace à l'un d'entre vous qui se reconnaîtra peut-être et, euh, et il m'expliquait. Mais nous, je on, on, uriner, je crois. On, on vous voit parler de drama, de gens qui vous agressent, etc. Mais on n'est pas conscient de ça. On se rend pas compte. Nous, on a l'impression que vous êtes tous là, vous faites du contenu et, et vous, vous entendez plus ou moins bien. Alors que nous, notre quotidien, alors que nous. En fait, on se déteste entre nous. On passe notre temps à s'envoyer des fions, à porter plainte les uns contre les autres. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En fait, je suis le seul qui est gentil avec tout le monde, moi. Moi, c'est vrai. Hein. Moi, je suis gentil avec tout le monde. Genre, euh... encore ce week-end, j'ai passé euh... deux heures au téléphone avec Pazou, à donner un peu de ses nouvelles. Voilà. Euh... On l'embrasse bien fort, Pazou, bien évidemment. Mais moi, je parle avec tout le monde, absolument tout le monde. Donc, euh... Donc oui, je suis pas du tout dans leur truc. Mais c'est vrai que je vois les gros YouTubers, ils sont obsédés. Par leur nombre d'abonnés, leur nombre de vues et euh, qui couche avec qui dans le milieu, qui connaît qui, qui machin, enfin c'est genre. Euh, ils sont insupportables quoi, honnêtement ils sont insupportables. C'est pas des humains normaux, soyons honnêtes, c'est pas des humains normaux, c'est vraiment, ils sont trop bizarres. Donc moi j'ai des amis normaux qui sont pas dans le YouTube game, qui sont pas dans le Twitch game, ils sont même pas sur Twitter, ils s'en battent les couilles de tout ça et ça me va très bien. Mais c'est vrai que quand tu traînes avec des gens qui sont là-dedans, il ah, y a un truc malsain de fou. Parmi les gros là, dans une sphère comme ça, ils se prennent trop sérieux de fou. Enfin, c'est insupportable quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai des amis normaux qui ont des métiers normaux, qui font des choses normales. Voilà, on se vanne, on rigole, on joue à Hitster. Je vous conseille vraiment d'ailleurs si vous, si vous aimez euh, les blind tests, c'est un blind test où en plus il faut rajouter l'année. Et franchement, c'est de la frappe. Hitster, ça s'appelle, comme hipster et hit. Vous voyez, H I T H I T S T E R. Voilà vraiment il euh, très bien donc je vous le conseille donc, bah, moi je à histoire avec mes amis euh, je suis très heureux quoi donc euh, j'avoue être dans les angoisses de youtubeurs où tu connais que des youtubeurs t'es tout le temps en train de parler boutique et tout c'est insupportable hein, c'est vraiment ignoble perdier quoi c'est ces gens qui sont tout le temps là à, à se plaindre de notre travail à nous agresser mmh. à à demander des comptes, à exiger des comptes, à, à, à exiger qu'on réponde de pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a été parlé là, pourquoi on a osé dire ci à ça. Wouah vous... Parlons chiffres, c'est Johan qui dit euh, on s'en fait un petit easter, ben est-ce qu'il y a la version euh, en ligne C'est une version en ligne, moi je suis chaud de fou. Je jure que c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. C'est même tellement pas simple que je. je... Le move là avec Damon, mais vous imaginez pas à quel point c'est que dalle Comparé à ce que des mauvaises personnes pour, pourraient faire, <laughs> c'est fou. Enfin, bon, voilà. Ouah, rien pire l'argument Vous vous rendez compte On aurait pu faire bien pire. Pas sûr que ce soit le point que tu voulais marquer. Je crois que c'est plutôt un contre-son-camp, du coup. Hein c'est genre... Euh... Ouais. Surtout qu'en plus, si eux ont fait pire, il bah, fallait le montrer. Vous avez passé beaucoup de temps à montrer comment doxer ces personnes, mais vous n'avez pas passé la moindre seconde dans la vidéo pour montrer, regardez le type de post qu'ils écrivent. Et on voit Doumit qui dit, enculé d'astronogeek, je te déteste, je vais te décapiter. Vous voyez là, là, je suis en mode, ok, d'accord, c'est des harceleurs, je n'ai pas vu ça, j'ai vu vite fait trois miniatures de vidéos, j'ai vu zéro contenu diffamant, harcelant, violent, insultant, même hautain et moqueur, j'ai pas vu au final. Donc, c'est ça aussi qui est catastrophique dans votre vidéo. C'est que vous vous jetez des gens sous le bus sans, sans, per sans permettre de voir aucune preuve, sans montrer aucune preuve. Montrer aucune preuve de ce que vous avancez et vous dites présumer, cela, présumer, cela, on n'a rien, on a zéro. Genre, c'est trop bizarre en fait. C'est trop, trop bizarre. avec Demon, c'est vraiment mon dernier mot. Vous, vous pouvez le critiquer, il n'y a aucun problème à ben, ça. On le critique, oui. C'est un choix qui a été difficile à ouais, faire. Moi, je pense, honnêtement, je dis rarement ça, mais je pense que c'est le genre de vidéo qu'il faut supprimer parce que c'est trop limite, quoi. C'est vraiment trop, trop limite. J'ai voulu poser une limite. J'ai saisi ça. Je trouve ben, que c'est défendable non. et attaquable, Oui. Mais dans tous les cas, il n'y a rien Je de franchable. Je veux être le plus hautain voilà. possible. Euh, c'est un choix plus hautain voilà. possible. C'est comme ça. C'est comme quand quelqu'un est, est, est pris dans une bagarre, rendre les coups, pas rendre les coups. Ben c'est très facile à dire euh, de l'extérieur. De l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Ben, de l'extérieur, après, encore une fois, il aurait fallu montrer des preuves. Mais de l'extérieur, voir astronomo Reparler du bouseux en 2024, ça sonne pas du tout comme une bagarre en fait. C'est pas du tout une bagarre. Genre, c'est une bagarre. Tu t'es fait frapper dans un bar il y a 4 ans et tu as attendu pendant 4 ans de pouvoir empoisonner le café du mec. Genre, tu t'es fait embaucher dans le bar en bas de chez lui en attendant le jour où il allait venir, où tu allais pouvoir l'empoisonner. C'est plutôt ça. C'est plutôt à ça que ça fait penser. Ça fait pas du tout penser à une bagarre où je rends les coups, etc. C'est genre 4 ans après les faits. Genre, ça fait très longtemps que c'est que c'est passé la prescription. Donc ça sonne comme une vengeance. Ça sonne pas comme une bagarre où on rend des coups et où finalement on fait un peu de sale, ça sonne comme une vengeance. Genre l'envie de se venger, l'envie d'aller déterrer quelqu'un pour lui mettre une balle. Genre c'est c'est plutôt ça qu'on voit. Et c'est là où c'est cringe et où c'est gênant et où les gens critiquent si c'est voilà. Donc dire c'est attaquable, oui, mais il faut répondre sur les points, sur lesquels on attaque aussi. Et... J'exige, je l'exige, je suis hautain et exigeant, voilà. Et c'est si essaye... J'imagine que je mérite la prison, selon eux. Vraiment de critiquer ça objectivement, eh, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas moyen en fait, de, faire de, 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 de trancher objectivement. Je suis désolé de le dire comme ça. Même si on se met d'accord sur de l'éthique, etc., vous avez le facteur temps qui joue là-dessus. La personne qui renonce pendant 10 ans à rendre les coups, excusez-moi, mais au bout de 10 ans, si à un moment, elle les rend. Euh, malgré le fait qu'on soit plus ou moins d'accord sur une éthique qui soit en dehors là, de la. Ce ou... pas que tu te fais frapper pendant 10 ans, c'est que tu te fais frapper pendant 2 ans. Après ça s'arrête et après tu rends les coups, genre deux ans après ou trois ans après. encore une fois, là je parle du bouseux et de l'astrologie à ma connaissance. Et encore une fois, s'il y avait des éléments, il fallait les montrer dans la, dans la vidéo. Ben voilà, le bouseux il a peut-être fait des tweets, mais je veux dire, tu pensais vraiment que ça mérite de doxer quelqu'un le fait qu'il ait fait des tweets injurieux ou, ou vous voyez méprisants, hautains, méchants. Au bout d'un moment, si on est Charlie, on n'est pas Charlie. Genre, je Genre c'est un level de fragilité là qu'on voit, c'est quand même fou, c'est quand même fou quoi. Ça se voit que ça les obsède en plus, ne pensent qu'à ça, ils pensent toute la journée à comment ils vont se venger des gens qui les ont critiqués, c'est un truc de zinzin quand même. Pas tout ce que vous voulez, ça reste, excusez le, compréhensible. Voilà, non non, non je, je, je reviens en boucle dessus. Non. Donc je voulais ah, en venir. Il est autre chose. Encore. Je voulais en venir au, euh, à l'article de Pascal Wagner-Egger qui fait réponse l'objet de tout regarder là à notre Sodome. discussion qu'on a eu sur le, le, le militantisme dans le, le milieu sceptique et l'extrémisme qui est associé Sodome euh, par principalement l'extrémisme de l'extrémisme l'extrémisme des M euh, et sympathisant très important le et sympathisant parce que chez les M il n'y a pas il a pas que des éléments bon. il y a des gens avec qui je suis très après m'intéresse vite très fait tu as payé quand même hein. euh, il se trouve que dans euh, bah, j'arrête ah, quand je veux c'est quoi les ZEM Ah, les ZEM ah, Ça, ça pas les ZEM, non, je... Les c'est une petite frange ouais. euh, du milieu sceptique qui est euh, reconnaissable parce qu'elle est d'extrême-gauche mmh. elle s'identifie comme telle, hein, ouvertement, sur leur site, mmh. sur leur blog, mmh. et ils le revendiquent, qui revendiquent leur militantisme euh, devant euh, absolument tout, en fait. Ça semble être la priorité absolue, leur militantisme. Et euh, qui justifie des actions militantes par les sciences sociales. Okay. Et donc, ce sont des gens qui soudainement ont emporté comme ça une grande partie du public euh, en présentant des études, par exemple, qui montraient que euh, pour obtenir de grands mouvements sociaux, euh, avoir une attitude très agressive était efficace. C'est vrai, ce genre d'études existe. Mais la science n'étant pas prescriptive, c'est pas parce que euh, effectivement euh, euh, taper sur un marteau avec une bouteille en verre, ça, ça peut enfoncer le clou aussi. Voilà, Ça, mmh, ça peut être efficace. Oh, L'efficacité, le euh, de nouveau. Oh, le CSC. du coup, utiliser des méthodes de harceleur, de doxeurs, pour bon, voilà, à rester sur la limite de la loi, mais utiliser ce genre de méthode-là, là, par contre, il n'y a pas de problème. quoi. Trop bizarre. Hein. Trop bizarre. Hein. C'est aussi le prétexte de. Euh, de la psychanalyse, c'est aussi le prétexte de l'ostéopathie. Oui, il y a une certaine efficacité mesurée, mais est-ce que pour autant, euh, c'est si facilement prescriptif Et pour répondre sur le fond euh, de l'argument, qui est de dire, est-ce que euh, donc il y aurait des études qui montrent, je n'ai pas, pas lu les études, donc j'en sais rien, mais des études qui montrent, là je reprends les termes qu'il a utilisés, hein, donc genre, je ne sais pas si c'est exact ou si c'est correct ou quoi, on va se baser sur ce qu'il a dit. Il a dit il y a des études sociologiques sur lesquelles se basent les M. Qui disent que être très agressif, ça permet euh, très agressif dans le j'imagine le militantisme, euh, la façon de s'exprimer, etc. Ça permet d'obtenir des mouvements sociaux. Ben en fait, c'est assez logique quand on est matérialiste, c'est assez logique. C'est-à-dire que euh, radicaliser les gens euh, par rapport au rapport de force, effectivement, c'est toujours euh, favorable à la gauche parce que au contraire, ceux qui sont dans le statu quo, c'est-à-dire actuellement le capitalisme. Euh, oui, 23 h 4 ça sonne les cloches de 23h. Mais après, il va y avoir minuit, c'est fini. Mais euh, du coup, le statu quo actuel euh, dans, le, dans le capitalisme, il a intérêt à ce qu'effectivement, on calme les discours, on n'antagonise pas, on ne clive pas, on est euh, voilà, un, des rapports apaisés, qu'il n'y ait pas les rapports de force qui soient exprimés. Donc, bien évidemment que quand on va euh, faire ressortir ces rapports de force, c'est souvent un reproche qui est fait à la gauche, mais Quelque part, à juste titre, c'est-à-dire que si vous voulez calmer la situation en permanence parce que vous en tirez un bénéfice, ben finalement, c'est assez normal de trouver que la gauche est insupportable, de vouloir ramener le rapport de force au centre, euh, de montrer qu'il y a du rapport de force, que non, tout le monde n'est pas égal, qu'il y a des gens qui bénéficient indûment d'une situation injuste, etc. etc. Ben forcément, euh, le côté agressif, entre guillemets, on ne parle pas de violence physique, mais on parle d'avoir un ton clivant en fait je pense c'est à ça qui fait référence même si je n'ai pas les termes exacts de l'étude donc ça m'énerve un peu d'en de, parler comme ça mais moi ça me paraît évident qu'avoir un ton clivant offensif plutôt qu'agressif euh, soit plus efficace que d'avoir un ton apaisé euh, mou du gland quoi voilà moi je le dirais plutôt comme ça donc euh, donc ouais ouais ça me paraît assez logique j'ai besoin d'uriner donc euh, je vais cliquer comme ça j'entends mes toilettes voilà c'est des questions que je pose hein. on, peut en on peut en débattre il n'y a pas de souci ça et plein d'autres choses qui viennent de, de ce groupe-là, qui, qui, qui ont pas mal, pas mal, pas mal cassé les lucioles de tout le monde pendant la pandémie. Pas du tout au sujet des vaccins, etc. Parce qu'il y avait ça en plus, hein, bien sûr. Moi, ils m'ont énormément fait de mal. Les M et sympathisants m'ont énormément fait de mal, vraiment. Euh, si vous êtes, comme je disais, des, des petits morceaux de miracle qui m'ont sauvé. Eux, c'est des petits morceaux de malédiction qui m'ont enfoncé. Ils en font clairement partie. Ils sont, ils sont, en, en, ils sont en grande partie dans, dans mes critiques. quand Dans ma vidéo, j'arrête YouTube. C'est un blog qui... qui, qui bah de nouveau, hein, il y a une espèce d'obsession pour des gens. Pas pour leur travail, pas pour... Euh, ça devient une obsession pour des gens, pour tous leurs moindres faits et gestes, ils sont écortiqués, etc. Euh, J'ai été la cible de ça, c'est Thomas Durand qui est leur cible principale. Euh, qui était, en tout cas, je ne sais pas où ça en est maintenant, les aime. Et donc on en parlait avec Pascal Wagner-Egger dans la fameuse interview euh, sur le... Le bébou. le bébou, il a dit que les êtres lui avaient fait du mal. Les M Les M c'est les esthéticiens éthiques, métaphysiques. Non, je ne sais plus ce que c'est quoi. Je lui fais un câlin. Attendez, je sais lui faire un câlin. Comment Comment bébou. Bébou, oh, le bébou, le pauvre bébou, le pauvre bébou, oh, oh mais ça alors, les aimes lui ont fait beaucoup de mal, vous savez, beaucoup de mal, beaucoup de mal, le bébou, il, est, il souffre, c'est terrible, les yeux lasers, tout ça, c'est terrible, terrifiant, je souffre, je suis en empathie, absolue, si vous critiquez Monsieur Sam, vous serez banni à jamais de ce stream interdiction de critiquer M. Sam, il a trop souffert, beaucoup de mal. Les Zem lui ont fait trop de mal, trop de mal, le bébou. L'extrémisme et, euh, et la zététique, et les milieux sceptiques, l'extrémisme dans les milieux sceptiques. Donc Zem, c'est zététique, extrémiste, médiocre. Voilà, c'est ça que ça veut dire Zem. Et... Euh, Souffrance. Pascal était vachement agressé, Pascal wagner eger qui est quand même enseignant-chercheur en psychologie sociale, Argument autorité. Était vachement agressé par... Je un suis c'est un argument d'autorité ce qu'il vient de faire. membre en particulier des M, il lui a euh, adressé une réponse kilométrique, j'ai mis trois heures à la lire, mais c'est du petit lait quoi. Alors, pour le coup, du petit lait. là on est clairement sur du règlement de compte. Ça ne fait pas photo, c'est du règlement de compte. Mais, mais Pascal a truffé ça de source <laughs> Je sais pas, il y, y a 50 sources dans cet article, quoi. C'est ouais, des, des sources qui, qui parlent de, de tout, tout ce que je veux dire sur cette chaîne. Tout. est là, quoi, tout, tout, tout ce qui est sur le, le radicalisme, l'extrémisme, tout est là, quoi. Donc, euh, je, 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 je vais mettre l'article la, dans je la description. Peu, là, si vous avez envie d'aller le lire, vous allez le lire. N'emmerdez pas, ça a changé, par pitié, n'allez hein. pas emmerder en les gens. pantoufle, je préférais quand il jouait à Zomboid, là, c'était mieux, quand même. Je trouve que c'était mieux, là. Maintenant, depuis qu'il parle de zététique, on se pantoufle, bon... C'est plus ce que c'était, quoi. Là, t'as changé, Pantoufle. T'as changé, Pantoufle. C'est plus comme avant. Plus comme avant, ton contenu, là. Qu'est-ce que c'est Reviens-nous, Pantoufle. Fais des tiers listes, là. Fais quelque chose, mais je. Je sais pas, c'est grave. C'est grave. Non, bon. N'allez pas emmerder, euh, même les, les, les harceleurs de Demon résumé Présumé N'allez pas les emmerder. <laughs> les harceleurs. S'il vous plaît. Présumé, Présumé. les harceleurs. Je suis très sérieux. C'est pas juste une rhétorique de dire ça. C'est nécessaire de ne pas les emmerder. C'est nécessaire. C'est nécessaire, nécessaire d'être exemplaire. Et j'ai toujours trouvé que avant de d'adresser des critiques aux gens, il fallait être exemplaire. D'où la fameuse vidéo qui est sortie hier, dont ils ont déjà enlevé plein d'extraits, et plein de gens disent supprimer là, les gars, c'est un C.S.C. la vidéo. Et effectivement, la regarder, c'est un C.S.C. oui. Directement, on essaye soi-même d'incarner un minimum l'exemple qu'on veut leur transmettre. Ah Oui, oui, ouais, un minimum, voilà. oui. Un minimum, oui. Euh, voilà. Un minimum, oui. Donc, euh, si Et ville vous êtes intéressé -like par euh, cet article, <laughs> allez le lire. Il y avait, il y avait plein de choses à en lire dans cet article. En fait, pour être parfaitement honnête, hier, j'ai voulu ouais. faire une vidéo sur cet article avec mon nouveau setup. Euh, Excusez-moi, je cherche les notes que j'en avais prises pour éventuellement vous, vous les lire. Je rappelle que j'ai été payé un euro par minute pour regarder cette vidéo. Hein. Ah, elles sont là. Je rappelle. J'avais pris des ouais, notes et tout, pantouf, et puis j'ai commencé pantouf. à faire une vidéo qui, qui parle de cet article, et je me suis emmêlé les pinceaux, et je me suis dit, oh là là, je vais leur faire un truc verbeux, ça va être incompréhensible, etc. Mais voilà ouais, deux, trois trucs que j'ai notés qui peuvent être intéressants. incompréhensible. Donc n'allez pas les emmerder, parce que c'est aussi, c'est des personnes en souffrance, hein. moi je, je suis persuadé de ça. Je vois pas comment on peut ne pas être en souffrance en étant toute la journée dans de l'agressivité, comme ça. Dans de la véhémence, dans du. Il y a un underscore à un pantoufle Ces non. émotions fortes, là, de. Ouais, le feu, le truc. Je ne pense pas que ça, que ça rend très heureux. Je... Euh... Tu vas bientôt finir Ben bah non, parce qu'on n'a pas regardé le Usul et Lumi encore. Euh... Est-ce que j'ai mis Applique les corrections de Pascal de ton livre Ah oui, oui, je me suis... <laughs> suis mis un petit mémo, parce que Pascal m'a mis deux, trois corrections qu'il a trouvées dans mon livre. Et il euh, y a un doc bon, on va qui arrêter ça, doit non. les accueillir. Je dois absolument les faire supportable et sur. On a regardé en vrai là où ça parlait du truc. Je suis sûr qu'il y revient. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il en reparle après. C'est mon instinct. Mon instinct de YouTuber. Mon instinct de fan de YouTube. Donc, les, les billets sont des hallucinations statistiques, euh, comme, comme les IA. Me... C'est une petite idée, là. On est dans mes, okay. mes contenant Des informations sur les ovnis qui l'ont fait réfléchir. Entre guillemets, c'est une citation. C'est par les ovnis. Bon, bref. Oui, effectivement, on va regarder la suite. Il y réponse du Bouzeux, ça dure 5 minutes. Allez, on va clôturer quand même avec le Bouzeux, parce que c'est vrai que oui, il a été, bah, il a été quand même ac accusé. Donc en vrai, euh, droit de réponse, hein, droit de réponse. Donc on va écouter le, le Bouzeux. Salut les Bouzeux. Ce dimanche, 7 mars 2024, a été publié sur la chaîne Wild Die Demon une vidéo dans laquelle AstronoGeek me présente comme son harceleur et une enquêtrice expose son travail dont AstronoGeek l'a chargé il y a deux ans afin de trouver mon adresse personnelle. Eh ben. Oui, parce que je l'ai critiqué sur YouTube, alors Astrogeek a embauché une enquêtrice pour trouver mon adresse. Tout d'abord, ces gens prétendent que je me serais servi de l'anonymat pour nuire en toute sécurité. Il y a une confusion entre l'anonymat et le pseudonymat. Moi, je ne suis pas anonyme. C'est vrai. Je suis sous pseudonyme. Je montre mon visage, ce qui est quand même une information personnelle assez critique. Mmh. Pourtant, je la rends publique. Cela signifie par exemple que j'accepte qu'on me reconnaisse dans la rue. J'accepte que des gens. C'est même arrivé trois fois que quelqu'un prétend me reconnaître par erreur. Faut dire les barbes minces à cheveux longs. On se ressemble tous un peu. Du coup, c'était reconnu par erreur. C'est-à-dire reconnaître par erreur. Genre, t'es le bouzeux. J'ai fait l'erreur de croire que c'est toi, que je comprends pas la phrase. Des gens qui l'ont reconnu par erreur. Ah, du coup, ils sont en, en mode Mathieu. Ah non, moi, c'est Alex. Ah, pardon. Ah, mais j'étais reconnu, dis donc, par erreur. <laughs> Ça l'a appelé Usul, ouais. C'est pas bizarre, c'est le sosie de qui lui De Ban pan un peu. Moi, j'avoue, si je croisais Ban pan je pourrais le confondre, en vrai. Ban pan grosse moustache, ça peut. Il a une toute petite webcam, je sais pas exactement à quoi il ressemble, je pourrais les confondre. Désolé, Banwampan. Ah, là, là désolé, pas... désolé, désolé, Point désolé. Pointe du doigt. C'est pas rien, je ne suis pas anonyme. Je suis le seul que je vois. Je suis désolé, désolé. Ma vie privée <laughs> et préserver ma liberté d'expression. Pas, de ah, de... pas du ring long, Ah, pas du ring, peut-être. Ouais, en, vie... en train de crever. Non. Bam, non. Je me exemple, kéfi, oh là, là. Ce qui est mon droit et ce qui est une pratique. Envoie une photo toi, toi, Bam. En qu'on compare. Ou pas. Dans la satire. Charb, Kabu, par exemple, ce sont des pseudos. J'ai commencé sur Internet le 26 janvier 2015, hmm. suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Je me ah, il a sur... dit voilà, les, les artistes de Charlie Hebdo, ils écrivent aussi sous pseudos. Bon, c ils sont pas anonymes. venu ouais. que moi aussi, j'avais des choses à dire. voir aujourd'hui, Johnny est... Hallyday, du coup, il est anonyme selon eux. Johnny Hallyday, il cache, hein, il cherche à cacher sa vraie identité. Bon, il est mort maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire Son vrai nom, c'était Jean-Philippe Smet. Juste, son pseudo, c'était Johnny Hallyday. Tout le monde le connaissait sous le nom de Johnny, voilà. Et on s'en fout que ce pas son vrai nom. Est-ce qu'il essayait de cacher, de dissimuler au monde sa vraie identité Oui, c'est un peu bon. Qui d'armes à feu se vanter de connaître mon adresse me laisse... Et ostélo, ce il dit, il est encore d'actu, le pointeur... Maiden. Oh là là, avoir... c'est moi qui vais avoir des problèmes, là. C'est moi qui vais avoir des problèmes, là, maintenant. Mais du coup, euh, en fait, oui, techniquement, il est revenu dans l'actu euh, grâce, entre guillemets, à une vidéo euh, soutenue et approuvée par Mr. Sam, vidéo de euh, Wild Died Demon qui du coup a parlé euh, du Bouze Magazine dans sa vidéo, parce qu'Astronogeek, visiblement, a encore le seum des années après que le Boozeux ait fait trois vidéos sur lui. Merci beaucoup, Rio, merci pour, euh, pour ta vidéo. Euh, J'arrive pas à mettre sur le juste moment où on voit le... Ah, il y a le... Donc, ils connaissent psychodélique Mais ce qui les gêne, c'est le Booze Magazine. C'est quand même... Euh, c'est... Ouais, vidéo trop bizarre. Donc, on l'a regardé tout à l'heure. On va pas la regarder. On l'a regardé au début. Ça vous intéresse, vous revenez au début de la rediff. Mais voilà, on va regarder la réponse du Booze puisqu'il a quand même été mis en cause en tant que, que cyber harceleur présumé. Euh, donc, euh, ouais. Et AstronoGeek, techniquement, a menti sur lui puisqu'il a dit qu'il avait fait des, des dizaines de vidéos et des centaines de tweets. Alors, pour les tweets, je ne suis pas allé compter les tweets, je vous l'avoue. Mais pour les vidéos, Daimon a regardé tout à l'heure. On a trouvé 3. Voilà. Et peut-être qu'il a fait allusion à lui dans trois autres vidéos. Donc, on sera un total de 6. On est très, très loin euh, des. Même en étant voilà, dans une estimation haute, très, très loin des dizaines de vidéos. Donc, euh, ouais. Goût amer. Cette dernière vidéo de Geek, légitime d'avoir cherché mon adresse dans le but de porter plainte. Kali bientôt doxé par Wild démon pour être autant et moqueur, ce schlag va payer. Bah ben en vrai moi de toute façon même si tu à me doxer, que tout à l'heure, les harceleurs, imaginons qu'il y a un harceleur qui arrive à trouver mon adresse. OK, donc il est en mode vas-y, je vais aller harceler Kali physiquement, je vais aller le voilà, taper à sa porte, je pas casser sa boîte aux lettres, lui mettre un caca dans, dans, dans sa serrure, n'importe quoi. Donc il est en mode OK, allez, j'y vais. Donc billet d'avion pour aller le voir parce que je vis encore ça. Hein. Kali se doxe tout seul. Voilà, Mais je vous explique comment, comment me doxer, comment me venir me menacer physiquement. Euh, je doxe Kali encore, voilà. Donc billet d'avion. Donc on a vu tout à l'heure, il n'y en a des pas trop cher. Vous pouvez vous en sortir pour, allez, 180 euh, euros, 150 euros aller-retour euh, en arrivant à Figari. Moi, je suis plus sur Bastia. Donc euh, voilà, donc il faut louer une voiture. Louer une voiture, pourquoi Elle au moins 3 jours, donc c'est au moins du 350 euros. Donc vous êtes déjà dedans de plus de 500 euros. Vous n'avez même pas encore commencé à me harceler. Vous n'avez rien fait du tout. Vous êtes encore très loin de chez moi. Donc euh, voilà. Après, si vous avez trouvé mon adresse, ben écoutez, je vous voilà, je vous invite. Hein. On se fumera une petite clope, on se boira un petit café. Euh, vous serez fatigué de la route forcément, donc euh... donc bon, bah, allez-y, voilà, allez-y. harcelez moi, comme dit rester l'état qui criait ça à l'époque. harcelez moi, harcelez moi, bordel. Mais bref, non, ne me harcelez pas en vrai, laissez-moi tranquille. Mais oui, effectivement, je suis encore se cacher quelque part, donc. Euh... Ah oui, franchement, fille matériel surtout si c'est toi. Je paye mon, joint, bien sûr, évidemment, de CBD légal validé par Darmanin, bien évidemment. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, je vous dis, vous serez fatigué de la route, vous aurez qu'une envie, c'est que vous fasse un petit café. Même si vous me détestez, bah vous aurez plus trop la, vous aurez plus trop la foi à mon avis. Mais bref, ça après c'est, c'est mon dos. Donc voilà, allez-y si vous voulez me harceler, euh, voilà. Contre moi. Pourtant, il ne l'a pas fait. Cher Vendette, à moi je peux te harceler. Bah Vendette alors. Si, si tu avais le courage de me parler, tu pourrais peut-être me harceler, Vendetta. Mais pour ça, il faudrait que quand on se croise, tu aies le courage de venir me serrer la main et de me dire :« Hé, hey, c'est moi, Vendetta. » Parce que tu sais très bien qu'on s'est déjà croisés et que tu m'as... Moi, je sais pas à quoi tu ressembles, mais toi, tu m'as ignoré. Du coup, tu m'as même... Je sais même que tu m'as écouté parler avec mes amis discrètement. Alors, je ne savais pas qui tu étais. Mais bref, voilà. Donc bon, déjà, Vendetta, pour pouvoir me harceler, il faudrait que tu aies le courage de venir me parler. ce Serait déjà pas mal. Après, on passera au harcèlement dans un second temps. <laughs> Mais bon, la prochaine fois, viens. Moi, je peux, oui, tu peux, techniquement, M. Modem. Tu peux venir me harceler, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Il suffit juste que tu me demandes mon adresse, je te la donne, voilà, tu peux venir. Mais oui, effectivement. Pour les Corses, c'est un peu spécial, mais après, il n'y a pas de Corses qui veulent me harceler, donc c'est ça la différence. Mais bref. Tu as déjà des stalkers, j'ai un stalker, j'ai vendetta, effectivement, oui. Chercher l'adresse de quelqu'un en allant jusqu'à embaucher une enquêtrice est légitime si le but, c'est de porter plainte. Par contre, chercher l'adresse de quelqu'un et ensuite crier sur tous les toits qu'on possède son adresse, sans faire appel à l'autorité de la justice, ce qui était pourtant l'objectif à atteindre, ce n'est pas légitime. Cela relève de l'intimidation, d'autant plus ça. de la part de quelqu'un qui possède... C'est ça, final, pas utilisé le mot, mais le mot, euh, c'est ce mot-là, hein, c'est intimidation. Hein. C'est que ça, cette vidéo, en fait. une vidéo d'intimidation. Et M. Sable l'a reconnu à demi-mot. Il a reconnu à demi-mot. Demi Donc, euh, je le mais il bah, a raison. Là-dessus, on ne peut pas lui donner tort juste actuelles. Et qui se met en scène, en texte ou en vidéo, commettant des meurtres pour rire. Oui, Astronomique justifie de ne pas avoir porté plainte contre si moi. Tu vois des tuyaux en PVC, fuis, Kali. Ouais, j'aurais peur de ce que je peux entendre. Au prétexte que j'aurais éclaté en plein vol. Pourtant, si je l'ai harcelé. Toujours et... pour venir te harceler une semaine ou deux pendant les vacances, en vrai, j'ai jamais été en Corse. Bah, franchement, Ribos, si tu veux, alors deux semaines, c'est être un peu long. C'est peut-être un peu un long harcèlement. Mais une semaine, déjà, on peut partir sur une semaine diffamé, comme il le Une prétend, semaine que j'ai éclaté en plein vol, ne change rien. Il y a aucun rapport. Si un type me frappe, et que par Merci hasard, c'est comme son emploi... Alors désolé, on parle pas de politique, on parle de sujet drama ultra chiant, mais dans 5 minutes, on va regarder la vidéo de... même pendant 3 minutes, on regarde la vidéo du et Lumi qui parle de, de BFM et tout, donc voilà, on va parler médias, tout ça. Le NPA débarque pour faire la bagarre. C'est le NPA Tu représentes le NPA, Hugo, très bien. Eh bien, bienvenue. Alors on regarde la fin de ce drama, euh, long drama... J'ai la flemme de résumer pour la quatorzième fois, mais long drama qui euh, inclut euh, Mr. Sam, Astronogeek, Vous avez le droit sur la chaîne Wild Eye Demon où ils ont semi-doxé, on va dire, plusieurs personnes, donc ça crée un petit drama. Et là, on écoute la réponse euh, de, du booze Magazine qui a été ciblé dans cette vidéo comme un présumé harceleur. Euh, et donc, bah, il répond en mode euh, Est-ce que vraiment cette vidéo avait pour vocation de me. De M'intimider au fond, est-ce que c'était pas plutôt ça le but, quoi? Voilà, bref. Il m'aura quand même frappé. Merci pour les, les gens qui nous rejoignent, merci Manon. Donc, s'il ne porte pas plainte au prétexte que je suis symboliquement mort, c'est que le but de sa démarche, c'était de me détruire et pas d'obtenir justice. Il y a deux ans, Astronogeek m'a menacé de porter plainte si je ne me taisais. Il a mis un message. Ça fait un bon mois que je sais qui tu es. Oui, tu es caché, mais pas assez. D'ailleurs, pense-y bien pendant ta shitstorm en te rappelant que moi, j'ai des mecs chelous qui viennent devant chez moi encore aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je m'arrange pour que tout le monde sache que je suis armé. Voilà le message de psycho. Sérieusement, oh là là. J'ai entamé une procédure de plainte, mais pas contre X pour harcèlement en ligne et diffamation. Mais je vais attendre. Donc il a pas entamé du coup. Attendre de voir si tu retiens la leçon. tu se prend pour. Euh... C'est comment il s'appelle ce film là avec hey, le psychopathe là, qui est trader et tout. American Psycho. Franchement, ça me fait penser à ça. C'est American Psycho, quoi. Si tu comprends enfin que le monde n'est pas noir et blanc, mais en nuance de gris, que tout et son contraire peut être dit, surtout dans le but de nuire à quelqu'un, et que donc il faut faire preuve de prudence. Et si tu comprends l'impact d'une shitstorm sur les gens, alors le Alex qui mérite de se prendre une plainte ne sera plus. Et je rangerai mon dossier quelque part. Donc maintenant, je demande à voir la suite. Voilà, en mode tais-toi. Procédure baillon en mode Attention, si tu me critiques, je porte plainte. Voilà. Ah, c'est très gris, ouais, c'est très gris tout ça. Hein. C'est pas. C'est ni noir ni blanc, c'est gris, c'est des nuances de gris, quoi. Ça n'a pas marché. Il m'a ensuite menacé de harcèlement. Le changement de registre de la menace démontre la volonté de faire pression par tous les moyens. Nouvel échec, car je ne me soumets pas à l'intimidation. Deux ans plus tard, astrologique continue. C'est allé jusqu'à avoir son ami Codreño qui affirme que mon adresse circule sur fond de fusil. Alors ensuite, je voulais en envoyer une au Buzz Magazine. Hein. J'ai pas. Bon, vous me direz, tout le monde sait où il habite maintenant. Son Toujours nom... parfaitement mixé, les vidéos du Buzz Magazine, on adore. Son prénom et son adresse ont largement fuité. Renault, entre temps, a perdu le droit de détenir des armes à feu sur décision du ministère de l'Intérieur, mmh. pour vous dire à quel point le type est suspect. Crier sur tous les toits qu'il possède mon adresse, c'est pas très malin de sa part, parce que cela signifie que s'il y a des gens qui viennent chez moi pour m'emmerder, il sera je le premier Je pratique l'activité physique, euh, le sport, euh, je fais attention. Suspect. Pour terminer ce passage... Le Bouzeux Magazine, c'est un type qui, sur sa chaîne YouTube, a fait des dizaines de vidéos et des centaines de tweets où il me traite de facho et de violeur. Alors, certes, il s'en défend. Il prétend, à qui veut l'entendre, qu'il n'a jamais dit ni l'un ni l'autre. Mais ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est que la justice n'a pas besoin de l'entendre prononcer un mot pour qu'il y ait diffamation. Il fait des sous-entendus gigantesques et des raisonnements par lesquels il emmène son auditoire vers cette conclusion. Mais sans avoir à le dire lui-même. C'est qui dit violeur, c'est faux, apparemment. En fait, je crois que les gens qui traitent Astro de violeur, euh, là, de violeur, c'est parce qu'il avait fait un tweet où il disait hein, c'était sa fameuse expérience sociale, où il disait voilà, euh, il m'arrive de réveiller ma copine sexuellement, on se réveille sexuellement, on n'a pas besoin de consentement parce que, euh, voilà, c'est notre couple, on fonctionne comme ça, etc. Et il avait dit du coup, je viole ma copine, euh, entre guillemets, ou je ne sais plus trop comment il avait formulé, mais c'était, voilà, une espèce de provocation autour de ça, euh, alors qu'en vrai c'était sa période où il voulait euh, se friter avec les JW, et du coup ben, il en a tiré une réputation de merde. Euh, voilà, il a littéralement dit en la violant, ouais c'est ça, donc voilà, il a fait une série de tweets comme ça qui étaient vraiment ignobles, et en mode c'était une expérience sociale pour voir comment les gens allaient réagir. Tu savais parfaitement que les gens allaient devenir fous, et effectivement des années plus tard ils le sont encore, et c'est pour ça qu'ils sont en mode astronofaf, etc. Donc tu as voulu faire le Hedge Lord, il faut assumer les conséquences derrière, mais... Il n'a jamais assumé les conséquences de, de ça. Et, euh, et en fait, il supporte pas que des gens aient une image de merde de lui suite à ça. en fait Mais bah, c'est ce comme ça, en fait. Tu l'as voulu, euh, tu l'as eu. quoi C'est comme ça. Hein. C'est comme moi, je fais du contenu. Je prends mon exemple hein, pour dire c'est pas un truc euh, ça ne s'applique pas qu'à lui. Moi, je fais du contenu de gauche, voire d'extrême gauche. Je sais qu'il y a plein de gens de droite et d'extrême droite qui me détestent, qui ne supportent pas de regarder ne serait-ce que 10 secondes de mon contenu. C'est comme ça. Je vais pas aller porter plainte ou... Vous voyez, elle essaie de les harceler euh, en, en les doxant, je ne sais pas quoi. Pourtant, il y en a qui m'ont insulté, qui m'ont menacé de mort, qui m'ont. Euh, voilà, tout. Donc, euh, je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment euh, bizarre. Après, moi, je suis beaucoup moins gros que euh, que lui. Moi, je suis plutôt de la taille du bouseux, donc clairement, euh, je n'ai pas, euh, pas reçu euh, autant de harcèlement que, que lui. Ça, c'est clair, je veux le dire aussi. Hein. Je ne nie pas que lui, il a reçu beaucoup de harcèlement et qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont envoyé des dingueries. C'est évident. Mais on le sent d'une amertume et d'un côté revanchard, une envie de vengeance, qui... T'as quand même ton pizza gateway, mais voilà, j'en ai plein des, des trucs au final. Je me suis embrouillé avec énormément de gens au fond. Mais tu vois, je suis pas là, 4 ans après, à, à conspirer pour euh, pour euh, doxer des gens ou je sais pas quoi, tu vois. C'est genre... Euh, T'es beaucoup moins problématique. Ouais, non, mais j'essaie de, tu vois, me mettre à un niveau... Euh... T'es gros, Kali. T'es pas gros. Je suis gros, je suis pas gros. T'es pas gros, ça te va vraiment bien. Bah non, non, je suis pas gros. Du coup, euh, t'as un pizza game, c'est une sombre histoire, on s'en fout complètement. C'est quoi ton pizza game Non, mais je veux même pas en parler, ça n'a aucun intérêt. Bah. Et donc, même s'il ne prononce pas les mots, la diffamation est caractérisée. Le bouseux m'a traité de violeur et de facho, même s'il ne l'a jamais dit, mais selon la justice, les sous-entendus suffisent. Mmh. Alors, oui, mais t'es pas la justice. C'est bien à la justice de déclarer si oui ou non. J'aurais fait des sous-entendus diffamatoires qui poussent les gens à faire leurs propres conclusions, qui causeraient du tort par ma faute à Astrogeek, mais cette réflexion n'appartient pas à Geek, qui fait ici La justice. diffamation est caractérisée comme si j'avais été jugé coupable, MDR. Petite atteinte à la présomption d'innocence, tranquille, à partir d'une explication foireuse de sous-entendus qu'on ne démontrera pas. C'est ça qu'ils n'ont même pas montré les sous-entendus en question. C'est ça en fait qui est catastrophique dans leur vidéo, c'est que tu arrives de l'extérieur, ta confiance de base dans Mister Sam, dans Astrogeek. Dans, euh, bon, peut-être, Boiled Dimon, si t'es abonné à sa chaîne, tu vois ça avec des youtubeurs que tu aimes bien, tu te dis, ah oh, vraiment, ils sont terribles ces harceleurs, hein. ils sont vraiment horribles. Mais en vrai, tu n'as vu aucune preuve. Pour des chaînes zététiques, scientifiques, machin, c'est quand même très très léger d'accuser les gens d'être des présumés harceleurs sans la moindre preuve et sans même expliquer qu'il y a une enquête contre eux en fait, ou une affaire, ou une procédure, ou quoi que ce soit lui-même comme à son habitude. En disant même pour le coup pour Astronogeek que en fait il n'a pas porté plainte. Donc s'il n'a pas porté plainte, euh, le bouzeux n'est pas présumé harceleur. Il est pas harceleur en fait, vu qu'il n'y a pas eu de plainte. C'était d'ailleurs le sujet de ma vidéo intitulée Astronogeek le justicier. J'ai déjà pu démontrer que non seulement je ne l'ai pas traité... J'ai Boulette qui dit je viens de voir qu'Astronogeek avait engagé un détective privé pour retrouver l'identité du bouzeux à l'époque. La dinguerie, on est là-dessus depuis 2h là. dessus depuis 2 heures, là 3 h 04 qu'on qu parle de ça, putain. De violeurs, mais en plus j'ai dit le contraire. Voir ma vidéo La L'Arroseur Arrosé et en particulier cet extrait. En effet, on comprend que, a priori, dans son couple, bon bah, ils acceptent tous les deux de faire comme ça. Ça, c'est pas une accusation de viol, d'accord Quant à le traité de facho, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait, mais au pire, même si c'est le cas, c'est pas de la diffamation. Hein quand on pratique l'intimidation, quand on vante les régimes autoritaires, qu'on dit que la révolution française n'a servi à rien, qu'on dit que les gens sont trop cons pour la démocratie et qu'il faudrait un despote éclairé, <laughs> bon, faut quand même bien s'attendre à être qualifié politiquement, et cette qualification politique est d'extrême droite. Qualifier politiquement les gens, ça fait partie de la liberté d'expression. Même si ce régime déplaît beaucoup à -Geek, nous sommes censés être en démocratie et l'expression de sa citoyenneté, donc de son opinion politique, est un droit. Ce mafieux de Paconini. Il n'y a pas des sources le bouseau aussi. Ben oui, il a été accusé de violence sexuelle, mais je ne sais pas ce que ça a donné l'affaire, in fine. Euh, quel a été le truc de, de l'affaire. Mais il y a effectivement deux personnes qui l'ont accusé de VSS. Donc, euh, oui, il avait été à l'époque. Euh... Déjà bien cancel pour ça. Et c'est vrai que d'ailleurs même Astronogeek disait, finalement comme il lui arrivait ça, j'ai retenu mon coup. Quoi. Je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je me suis dit, bon voilà, non lieu, il y a un non lui, ok. Euh, et du coup, voilà, Astronogeek a dit, bon, il lui arrive cette sauce, du coup, je, voilà, je fais rien. quoi. ne m'intimide pas, malgré toutes ses tentatives depuis deux ans Si Astronogeek avait vraiment de la matière contre moi, alors il porterait plainte au lieu de se contenter ouais. d'essayer de m'intimider sur YouTube par le biais de ouais. la justice des réseaux sociaux. Alors clairement, il pourrait porter plainte, c'est évident. Mais même au-delà de ça, il pourrait juste montrer des éléments dans la vidéo. Juste montrer, ne serait-ce que deux tweets, un extrait de vidéo, un clip, quelque chose. Montrer quelque chose pour dire, voilà, le genre de comportement qui est quand même catastrophique. Le problème, c'est que s'il l'avait fait, bah, on aurait vu qu'en vrai, c'était comme à une époque, Psycho avait fait, la... avait fait ça. Il avait affiché plein de tweets d'MJ. Euh, en mode tatata, en mode rafale, comme ça, il avait fait du montage, hein, pour vous dire. Il avait fait du montage pour afficher plein de tweets d'MJ. Mais en fait, si tu mettais pause et que tu les lisais individuellement, les tweets, il n'y avait aucun qui était vraiment problématique. Mais de montrer comme ça une masse de messages qui, en fait, viennent d'échanges Twitter où parfois, ça peut créer des threads infinis. Donc, tu prends plein de messages où le mec s'exprime un peu de manière véhémente et tu dis « Regardez, je suis harcelé ». En fait, non, c'est juste quelqu'un qui s'exprime de manière véhémente sur Twitter, ce qui arrive tout le temps, en permanence, sur Twitter, en fait. c'est Donc, euh, il y a un moment, on va pas porter plainte pour des choses qui sont… Euh, voilà, des gens qui relâchent la pression sur Twitter, ça arrive tout le temps, ça ne mérite pas une plainte. Faut arrêter. Donc, euh, donc la vérité, c'est que s'ils avaient commencé à montrer des éléments, on aurait vu que lui-même, parce que ça, c'est un autre truc aussi dont on n'a pas parlé. C'est vrai qu'il faut quand même le dire avant de finir sur ce sujet. C'est que lui-même, Astronogeek, on a vu le message qu'il a envoyé au Buzzers. Enfin, vous avez vu le genre de la manière dont il parle, manière dont il s'adresse aux gens, manière dont il considère les gens. Donc il y a aussi des histoires de lui qui lance sa communauté sur des gens, etc. Donc euh, après, je n'ai pas tous les détails de ces histoires-là, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais on m'a dit qu'il y avait eu aussi ça. Donc euh, c'est un peu bizarre de venir donner des leçons, alors que toi-même, tu n'as pas été impeccable tout, sur toute la ligne, et que là, tu viens d'éterrer une affaire qui a plus de deux ans. Pourquoi, au final, rien Juste menacer, juste venger un peu minablement. Donc, euh, donc ouais. Attention. Vas-y, porte plainte. Qu'on rigole. Et combien qui y a pas eu aussi ce drama à l'époque La table a fait une vidéo sur le Oui, moi aussi je l'ai fait. J'ai fait une vidéo où je dis plus ou moins la même chose, où je suis scandalisé, la main en petites excuses et tout. Mais pff, franchement, euh, je sais pas si c'est une très bonne vidéo en vrai, parce que c'était un moment difficile pour tout le monde. C'était pas. Je sais pas, c'était un peu compliqué, quoi, comme histoire. Mais bon, je pense qu'il a eu, quand même, s'il a pas été condamné par la justice, il a quand même eu une forme de peine. Euh, voilà, quand même, quoi. Donc. Euh... Explique au procureur que, euh, que j'ai parlé de toi. Avec un peu de chance, je serai convoqué. Oblige-moi. Oblige-moi à parler de toi à la police. Mmh. Ok. Bon, bah écoutez, ça conclura ce, cet arc. Hein. Euh, trois heures là-dessus, c'est beaucoup trop. Mais en vrai, heureusement qu'on a Kali, son amour pour les Kramas les est tellement beau et drôle. C'est quoi les Kramas Les dramas Ok, j'avais pas la lettre, il me manquait une lettre. Euh... Ouais, ben bah, écoutez, hein, mon amour, mon amour, je sais pas. Hein. En tout cas, là, on va regarder une vidéo normale. Du ah. le... Stream normal, ah, on entend la voix de Zemmour à chaque fois, ça me cringe. Ce générique, je coupe le son du générique, m'énerve. M'énerve ce générique, j'en ai marre. trois heures de drama. Bon, t'es content, Sodom, t'en as eu pour ton argent, en tout cas. Écoutez, j'ai été payé pour ce drama. Attendez, du coup, il n'y a pas le son, on n'entend pas le début. <laughs> Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler de BFM TV, mais surtout de son nouveau propriétaire, Rodolphe Saadé. On vous a ah. déjà parlé de Bolloré, de Drahi, d'Iskandar Safa. On a fait un épisode complet sur Robert Ersan. Vous devez vous dire qu'on est obsédé par les milliardaires dans Rhinocéros. Mais non, c'est les milliardaires qui sont obsédés par les médias. Donc nous, on est obligé de vous parler d'eux. Bah oui, puis ça se trouve, Saadé, vous le connaissez pas. Moi-même, je le connaissais pas plus que ça avant de préparer cette émission. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans Backseat. Mmh, à quoi est-ce qu'il est qu joue, Rodolphe Saadé là Il essaye lui aussi d'être un contre Bolloré Contre Bolloré, je sais pas, mais nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est bah, tiens, super, un autre milliardaire, il va falloir qu'on qu lui fasse confiance à celui-là. Mmh. Bah, au moins, t'étais prudent. Oui, mais ce qu'il se disait beaucoup à ce moment-là, c'était que Saadé, ça, ça pouvait être une alternative à Bolloré. Hein. Bon, j'étais sceptique, euh, même si j'avais pas beaucoup d'éléments à ce moment-là. Je, je sais pas, Rodolphe Saadé, je le connais pas, j'ai pas bu un coup avec lui, mmh. je peux pas dire. Est-ce que tu y crois, Usul milieu ah, il a besoin de boire un coup avec les milliardaires pour savoir quoi en penser. Ah, bravo, il a changé Usul, hein. Ouh là là il a changé Usul. Hein. On une époque, euh, il n'aurait pas eu besoin de boire un coup avec un milliardaire pour savoir quoi en penser. Mais bon. Du mais milliardaire bon. de gauche Non, non. <laughs> ah, non, non <laughs> Vous vous rendez compte où on en est dans ce pays Condamné à attendre comme des cons qu'un milliardaire de gauche vienne pour rééquilibrer un peu le tout Ouais, bah, en ouais. tout cas, c'est pas qu'il nous faut un Jésus milliardaire aujourd'hui. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut un Jésus, mais pas qui est pauvre, qui est milliardaire. C'est serait... ça qu'il nous faut. Qui est vraiment très, 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 très riche, mais qui est Jésus. C'est, Je crois qu'on attend ça et du coup, on va attendre longtemps, à mon avis avec Rodolphe Saadé que ça va s'améliorer à BFM TV, et vous allez vite comprendre pourquoi. Son visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant Rodolphe Saadé est l'un des patrons. Ce ton ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est le ton de tous les journalistes en France depuis 15 ans. Ce ton insupportable que prennent tous les journalistes, pourquoi est-il aussi insupportable, et pourquoi les journalistes le prennent-ils tous Nous avons enquêté avec notre ⁇ Ah, j'en ai marre !⁇ Insupportable. Son visage ne vous dit peut-être mais ta gueule Sérieusement. Les plus oh. puissants du pays, à la tête de l'armateur CMA CGM, troisième entreprise mondiale du transport de conteneurs. Un patron qui depuis quelques années multiplie les acquisitions. Dernière en date, celle de Bolloré Logistics. Bon bah de toute façon, on allait bien finir par devoir s'intéresser à ce gars parce que c'est une figure montante du capitalisme français. qui rachète super. tout et n'importe quoi. Elle il dit incontournable. Le patron marseillais a bâti un empire. Ces dernières années, il s'est aussi emparé du spécialiste suisse de la logistique, SEVA. Il est entré au capital de l'opérateur de satellites TELSAT, ah, de la compagnie maritime Britannie Ferries et aussi au capital d'Air France KLM, une de ses fiertés. Ah, il peut et être ben fier. Hein. Mais il n'a pas beaucoup de mérite, Rodolphe Saadé. En fait, il a hérité de l'entreprise de son père, Jacques Saadé. Étonnant. Et son histoire ressemble pas mal à celle des autres milliardaires français, hein, Bolloré, Arnaud. À la base, il y a toujours un héritage, une entreprise familiale. Et puis ensuite, beaucoup d'opportunisme. Et surtout, pas mal de coups de pouce de l'État français. Ah. Surtout ces dernières années. La France ah. de Macron et de Bruno Le Maire, c'est un pays qui aide beaucoup ceux qui réussissent déjà. Le groupe CMA-CGM en a bien profité, en tout cas. Favorisé par un régime fiscal favorable ah bah. à la taxation au tonnage, CMA-CGM n'a payé que 2% d'impôts sur ses résultats en 2021. Ah bah, de quoi relancer le débat sur la taxation des supermarchés. Pas question pour le patron. Ah, puis ça tombe bien parce que c'est pas non plus euh, le projet de Bruno Le Maire, tout ça, les impôts pour les riches. CMA-CGM a pourtant réalisé des dizaines de milliards de bénéfices, notamment grâce à la guerre en Ukraine, grâce au Covid. Et c'est tout cet argent-là qui est utilisé aussi pour racheter plein de médias. Là, typiquement, on est dans le cas où on peut parler de super profits. Et alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, on évoque la création d'une taxe sur les super profits. Pour le budget, il paraît qu'on est galère, on est un peu récrac, ah oui. on va quelques enfin, minières, bon, ça. Vous avez pas remarqué un truc sur le stream d'aujourd'hui Parce que j'ai pas changé, du coup, le stream est en 1080p. Personne n'a remarqué. C'est vraiment la preuve qu'on s'en bat les couilles de 720p, 1080p. Vous avez personne à remarquer que le stream était en 1080p pour la première fois de l'histoire de ce stream. En vrai, la première fois, c'était le stream Diver. Ce week-end, mais voilà. Pour jouer le diver, je trouve que c'est plus joli en 1080p. Si, moi, si, si. Me suis remis en 480p. Je suis en 160. Voilà, c'est que en fait, vous êtes tous des écolos qui sont en 160 avec des connexions de merde. Clairement, on s'en bat les couilles, ben ouais. Mais qui a quand même kiffé Il y a quelqu'un qui a kiffé 1080p ou pas Que ce soit un peu plus net. Non, vous kiffez Non, vous, vous, vous en battez les couilles en vrai. Pour mais Rodolphe Sade, il a dit non, il veut pas. Euh, il est assez ferme hein, là-dessus. C'est pas honnête vis-à-vis -vis de nous. Vous pensez pas à un moment donné, je veux bien qu'on qu qu arrive avec des recommandations, mais il faut qu'elles soient réalistes, enfin, ces recommandations. Et moi, je ne veux pas être le seul à payer. Pour le seul offert à M. Hibou. Et c'est surtout Alex qui a aidé pour euh, trouver la, euh, le réglage optimum. Bah oui, mais pourtant en ce moment, la question se pose. On sait donc que Bruno je Le Maire et Emmanuel Macron ne veulent pas en entendre parler, mais la nouveauté c'est que vu la gueule de nos comptes publics, même Léa Salamé se sont autorisés à poser la question de la taxation des riches. C'est assez nouveau. Euh, taxer les plus riches, par exemple, qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça euh, Vous êtes aujourd'hui la cinquième fortune française. Est-ce qu'il faut faire un effort ou non Vous dites on paye suffisamment Ce que je dis, c'est que je suis un contribuable français et je paye mes impôts en France. En tant que, que dirigeant, je souhaite être utile à mon pays. Et attention au message qu'on fait passer aux entrepreneurs et aux jeunes entrepreneurs. Si systématiquement on va les menacer avec une taxe sur leurs profits, peut-être que ça peut avoir un impact négatif. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'Apolline de Malherbe a posé la même question à Yael Braun-Pivet, la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, et que celle-ci a eu une réponse qui n'était pas alignée sur les dogmes de Macron et le maire. Écoutez. Ah. Il faut tout regarder, regarder toutes les options et donc évidemment ah. regarder les options qui concernent les dépenses de l'État, mais il faut aussi regarder du côté des recettes. Quelles sont les pistes qui vous paraissent les, les plus intéressantes aujourd'hui Regardez au niveau des profits des entreprises, donc c'est les fameux super profits. Ah. Regardez les dividendes qu'elles versent, ce sont les super dividendes. La question qu en fait, ils vont regarder les super profits, mais vu euh... que comme l'a dit Bruno Le Maire, lui ne croit pas aux super profits. Pour lui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de super profits, donc ils vont dire ils sont les super profits. Je les vois pas. Tu les vois toi Non, je les vois pas. Ben voilà, on a taxé les super profits, il n'y en a pas. Donc euh... La pose là, c'est est-ce que Apolline de Malherbe va pouvoir continuer à évoquer ce sujet à l'antenne Elle va avoir un nouveau patron, Rodolphe Saadé, qui est complètement opposé à cette idée. Bah oui, parce que ça le touche directement. Il en fait, lui, des super profits. Et puis là, pouf, il achète une chaîne. Et ah, c'est une chaîne sur laquelle on va organiser ce fameux débat. Taxé, pas taxé, bah sur la chaîne de quelqu'un qui veut pas être taxé, on va voir ce que ça donne. Mais il y a moyen qu'à un moment il ait envie de passer un coup de fil au chef d'Apolline de Malherbe pour demander à Apolline d'arrêter de poser des questions de merde. Et oui, ça sert à ça d'acheter des médias. Rodolphe Saadé l'a bien compris, Et depuis quelques temps il s'intéresse beaucoup aux médias. En 2021, il crée le groupe de presse CMA CGM Média, qui aujourd'hui s'appelle Why Not Media. Au passage, il donne du travail à sa femme, Véronique Saadé, qui se retrouve à la tête du groupe. Bon, bien ça. avant, elle vendait des yachts, mais après tout, why not Le Lyriel est notre prochain yacht, donc qui sort en avril 2015. Mmh. Donc, il est un sister ship, c'est-à-dire euh, qu'il est un navire identique aux trois premiers, à savoir le Boreal, l'Austral, le C'est un yacht, ça bon, C'est un paquebot, le machin Identique aux... Est quoi Combien d'étages 1 2 3 4. Aucun sens... Qui a besoin de ça? Il y a un hôtel là, c'est un hôtel flottant. Moi, quand je fais la traversée, c'est avec des trucs comme ça au final, hein. c'est pas beaucoup plus gros. Hein. Enfin, ils sont peut-être un peu plus gros les NGV quand même, mais bon. En vrai, euh, c'est n'importe quoi. C'est un sister ship. Hein. Avoir le boréal, l'austral, le soleil. Bon, c'est pas une première. Si vous avez suivi Rhinocéros, vous savez que l'ancien propriétaire de Valeurs Actuelles, Iskandar Safa, lui aussi vendait des bateaux de luxe. Bon, voilà, du coup, je pense qu'il n'y aura Logique. pas de débat sur BFM TV pour savoir si, euh, il faut taxer les yachts, euh, si les riches y polluent trop avec leurs yachts à la con. Euh. Bah, rien que les porte-conteneurs, déjà, c'était pas ouf. Oui, de toute façon, déjà, oui, de toute façon, est... il est assez polluant, hein, ce milliardaire quand même. En c'est Donc... le pluralisme, je veux dire, il faut une chaîne qui dit que les milliardaires c'est bien et que les yachts c'est bien, une chaîne qui dit que les milliardaires c'est bien et que les yachts c'est bien, une chaîne qui dit que les milliardaires c'est bien et que les yachts c'est bien, et une dernière chaîne pour dire que les milliardaires c'est bien et que les yachts c'est bien. Voilà, et comme ça, il y a le pluralisme qui est respecté. C'est ça la France. Dans le groupe Waynode Media, les Saadés vont d'abord incorporer le journal La Provence en faisant une offre beaucoup plus élevée que celle de leur concurrent Xavier Niel qui voulait aussi s'en emparer. La bataille était apparemment féroce. D'ailleurs Xavier Niel, gros rageux hein, sur ce coup-là. Il s'est carrément fait jeter par les salariés et le PDG du journal au moment de la procédure de rachat et alors c'est quand même rare qu'on foute les actionnaires à la porte. Donc on vous passe la vidéo pour le plaisir. Est-ce que vous me demandez de sortir de cet établissement Est-ce que vous me demandez de sortir -ce de cet établissement Qu'est-ce que vous avez dit de un, ce un, un représentant de CMA Non, je pas dit. Le un salarié de Monsieur salarié. Moi, c'est mon sentiment, ça, sentiment de la manière dont vous vous comportez. Donc ma question aujourd'hui, vous me demandez de sortir d'ici. Sortez-vous Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux milliardaires. Évidemment, avec cette attitude qu'on ne va pas avoir de milliardaires de gauche, tu t'entends c'est les gens comme toi qui font fuir des mecs sympas comme Xavier Niel, je suis sûr qu'il est très sympa Xavier Niel. Le rachat de la Provence, c'est tout récent, c'était en août 2022, puis tout s'est enchaîné très vite pour Saade et sa femme. En septembre, ils rajoutaient Corse Matin. En avril 2023, ils sont entrés au capital de M6, Corse puis matin. de Brut. Bisous, Rémi Buzine. En juillet, ils ont racheté La Tribune. Ah ouais, et en bon. mars 2024, là, c'est le pompon, ils ont carrément racheté à Patrick Drahi le groupe Altis Média, dont font partie BFM TV et RMC. Et, et bah... c'est là que certains se sont mis à comparer la Voracité de Saadé à celle de Bolloré. Et eh oui, sauf que Saadé, lui, au moins, il s'entend bien avec le gouvernement. Il paraît même qu'il ah, est un peu pote avec Macron. Brigitte Macron aussi, d'ailleurs. Ah, bah, c'est important d'avoir des amis bien placés. Pardon, moi, j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas, pas d'amis Non, j'ai pas d'amis. Ok, il pas a amis. pas d'amis, mais il a quand même un peu des chouchous. C'est marrant parce que c'est sur BFM, en juin 2023, qu'on apprenait qui était le chouchou d'Emmanuel Macron. Et vous allez voir, ils avaient vraiment écrit chouchou. Hein. En ce moment, Rodolphe Saadé le est le patron préféré d'Emmanuel de Macron. Macron depuis deux ans. Pas un séjour à Marseille sans que le président de la République ne s'arrête à la tour CMA-CGM sur le port. Même Brigitte Macron s'y est rendue l'an passé. Emmanuel Macron veut surfer sur la puissance du groupe à Marseille et profiter de son... RMC, trait... Alors Pazou était racheté par Saadé. Oui, alors Pazou, il n'est pas employé de RMC. J'en ai parlé avec lui. Je, je, voilà, je, je détruis la rumeur comme quoi Pazou serait employé de RMC. Euh, il peut être appelé éventuellement sur des événements, mais il y a d'autres gens aussi. Euh, voilà, donc il a, il a travaillé avec eux. Il, voilà, il, est, il, est, il sera peut-être rappelé pour faire des trucs, mais il n'est pas employé. Vous avez dit ça la dernière fois, vous étiez en mode, oui, il est employé de... de... Parce qu'il a posté une photo de lui. Mais en fait, c'est un truc de pigiste, c'est des piges. C'est-à-dire euh, qu'on peut t'appeler un mois et puis pas le mois d'après. puis après, on ne te rappelle pas pendant six mois. Et puis au bout de sept mois, il y en a un qui est malade et on dit Ah, tu veux pas, tu veux pas venir Donc euh, voilà quoi. Osef, il faut bien qu'il mange. jouer. en plus, il y a des gens qui lui ont reproché ça alors que, genre, euh, Pazou, sa passion, c'est l'espoir de combat. On lui propose de commenter l'espoir de combat. Vous voulez qu'il dise non Genre, vous êtes, vous êtes élu. Ça, c'est le, euh, le gauchisme malsain, ça. Trésor de guerre. CMA, CGM a accumulé 40 milliards d'euros de bénéfices en deux ans. L'État a d'ailleurs puisé dedans pour recapitaliser Air France-KLM à hauteur de 400 millions d'euros. Et l'Élysée a vu d'un bon oeil son entrée au capital d'M6 aux côtés des Allemands de Bertelsmann. De son côté, Rodolphe Saadé veut, comme toutes les grandes fortunes, être bien vu de l'Élysée et être considéré comme un fleuron. En fait, les liens un entre l'entreprise CMA-CGM et l'Élysée remontent à plus longtemps que ça. Le père de Rodolphe, Jacques Saadé, était déjà très proche de Jacques Chirac, ce qui l'aurait aidé à bâtir son empire. À l'époque, il n'y avait pas encore oh. la grande tour CMA-CGM que les Marseillais connaissent parce que bah, tu peux pas la louper c'est la quatrième plus grande tour de province en France euh, ça devait être la première parce que le gars voulait oh bah évidemment il voulait la plus grande du monde même carrément la plus grosse oui il ouais, voulait ouais. la plus grosse et Jean-Claude Godin, le maire de l'époque a dit oh non pas plus grande que Notre-Dame de la Garde du coup bon elle fait 147 mètres de haut histoire d'être plus basse que Notre-Dame de la Garde mais le père était un peu ben... pareil, lui aussi, il voulait des gros... Alors lui, il voulait un gros aquarium, c'était dans l'ancien siège de CMA-CGM. Le plus gros aquarium avec des requins dedans. Ouais, des requins, a... on lui a dit, bah, monsieur, ça va être un peu compliqué, les requins, tout ça. Il a voulu mettre les très gros requins, mais bon, il pouvait pas survivre dans l'aquarium, donc ah. du coup, il a dû prendre des plus petits requins, requins pointe noire, vous savez. Mais c'est bien pratique quand même, les requins, si tu veux balancer les journalistes qui t'emmerdent, tout ça. Ça te pose une ambiance, quoi, tu rentres là-dedans, il y a des requins. Bon... Ces histoires de requins, on les a découvertes dans cet article du Monde de 2005. Dans cet article, on apprend surtout que Chirac, alors président, aurait aidé Jacques Saadé, un homme proche du RPR, à acquérir la CGM, la Compagnie Générale Maritime, qui était publique et qui a donc été mmh... privatisée. Je vous le disais, dans ce pays, on ne devient pas un fleuron, euh, un méga milliardaire sans avoir eu quand même un petit coup de pouce de l'État, mais là même concrètement, sans avoir pillé un peu l'État quand même. C'est pour ça qu'il faut garder des bonnes relations avec tout ce qui est euh, peu, président, euh, premier ministre. Jacques le savait, il a su. Je connais un peu ce milieu, il paraît que l'ambiance à la CMA-CGM est horrible, c'est un management par la terreur. Eh ben. Tu restais resté en bon terme avec Sarkozy comme avec Hollande, mais quand on a changé de président en 2017, le groupe CMA-CGM a aussi changé de président. Et c'est là qu'a débuté la bromance entre Macron et le fils Saadé, mmh. Rodolphe. On be... est vraiment dans succession, hein. pour ceux qui ont la rêve, c'est vraiment succession. Bonne relation, elle arrange tout le monde. Celui qui veut pas payer d'impôts et qui veut pas rendre de compte sur ses activités, mais aussi celui qui veut se mettre dans la poche les capitalistes les plus influents du pays. Et puis ça marche bien, hein. faut dire qu'il y met du sien. Regardez ce qu'il faisait Macron euh, lors de la rentrée scolaire 2021. Juste avant d'aller voir dans quel état il avait laissé les écoles à Marseille, il est passé faire une petite visite. Magnifique entreprise de tout ce que vous êtes collectivement en train de, de réussir. Moi j'étais très heureux avant d'aller faire la rentrée scolaire, de passer parmi vous et je... Je remercie vraiment Rodolphe à toute l'équipe, pour, euh, pour leur accueil. Merci pour vos merci explications. Robert. Et vous dire que vraiment, votre succès nous, nous rend fiers, parce euh, cette ville plus forte, mais le pays plus fort. Et c'est vraiment un groupe euh, exemplaire à tous égards. Donc vous pouvez être fiers de cela et merci infiniment. Et oui voilà, alors qu'il y avait peut-être d'autres problèmes, là ce jour-là il a décidé de s'offrir un petit moment de positivité, d'aller voir Rodolphe Saadé, et de lui dire euh, bravo, beau bon boulot. Euh. Ils, sont, ils sont où les requins Il n'y avait pas les requins avant Moi je voulais voir les requins. Brigitte voulait voir les requins. Et vous avez entendu, juste avant il a dit que l'entreprise CMA CGM était exemplaire. Alors ça c'est un peu fort quand même. Exemplaire, faut le dire vite. Jacques Saadé, le père avait quand même été mis en examen pour abus de biens sociaux. Hein Oups. Et le fils Rodolphe, il n'est pas passé loin du scandale, c'était il y a tout juste deux ans. Oui, est-ce que vous vous souvenez du ministre des Transports qui faisait des tiktok. Hein le genre de mec aussi qui aurait bien aimé bah. avoir des requins dans son bureau, je sens que c'est un peu le même style. Hey, hey. Ah oui Barry baristes. En 2022, c'était... Euh, c'était... Je l'ai. Uh, it's not my name de... Ah, comment il s'appelait Je sais plus le nom, c'est The quelque chose, The requin, The The. Oh, je sais plus, The Ting Tings. Ah, voilà, j'ai mis du temps le chat, j'ai mis du temps, mais vous l'avez. C'est ça, The Ting ting it's not my name, c'est ça, The Great Review. Non, c'était pas The Great Review, The Ting Tings, exactement. Ça passe, morceau. Moi, j'ai eu la chance de fou quand j'étais euh, en formation radio, j'ai eu une invitation pour aller voir un concert de Ting Tings, je crois que c'était pour Europe 2. De mémoire, je crois que c'était Europe 2. Euh, et du coup, j'ai assisté à un concert, genre pour la radio, de The Ting Tings, assis par terre, sur des tapis, devant eux, comme ça, ils ont joué devant nous. C'était trop, trop bien. C'était incroyable. Donc euh, voilà. Après, The Ting Tings, c'est pas un de mes groupes préférés, mais franchement, ce moment était trop, trop cool. Petit duo, euh, batterie, chant, et tout, c'était grave cool. Rodolphe Saadé voulait prendre Jean-Baptiste ouais, Le premier album était vraiment cool, ouais. Paris, ancien ministre délégué en charge des transports comme vice-président exécutif chargé du pôle spatial. Voilà ce qu'écrivait Laurent Modu dans Mediapart à ce sujet. La haute autorité pour la transparence Choqué, Genre ouais, c'était genre vraiment un truc pour la radio avec je sais pas une quarantaine de personnes et tu vois juste quelques gens invités comme ça trier sur le volet. Donc j'avais beaucoup de chance, c'était par mon école que j'avais vu ça quoi. La vie publique a trouvé la ficelle un peu grosse. Que le géant français du transport maritime, en passe de monter au capital d'Air France, souhaite embaucher le ministre des Transports qui avait la charge de ses propres secteurs d'activité, mais aussi d'Air France, était évidemment stupéfiant. Parce que là, ça aurait pu être un peu de la prise illégale d'intérêt. Parce que est-ce qu'il l'a pas aidé avant En tout cas, il est récompensé après, mais récompensé pourquoi Enfin, le soupçon, vous savez, les gens sont un peu paranoïaques parfois. Mmh. Bon, mais tout ça, vous vous en doutez, Macron, il s'en fout. Il rend plein de services à Rodolphe Saadé, en plus de sa politique globale qui déjà protège les plus fortunés. Ouais, c'est ce expliqué Dov Alphonse au micro de France Inter par exemple le président est celui qui décide d'envoyer gratis des avions et des troupes pour protéger des, des rebelles outils les porte conteneurs de ça des autres exemples la... voix de radio euh, exquise. Transition écologique rendue obligatoire pourrait coûter cher à Saadé ou ne rien lui coûter du tout selon une décision présidentielle. Et si les sociétés maritimes de Saadé échappent toujours à l'impôt sur les sociétés et aux cotisations patronales sur les salaires des marins et aux taxes sur le fioul, c'est aussi grâce à la clémence de la majorité présidentielle. Ah oui. En 2022, par si exemple. Si ils 2% d'impôt, c'est grâce à Macron, quoi. Cette clémence a économisé à Saadé plus de 5 milliards d'euros. Et, et puis bon, non, tous ouais. ces petits services rendus, mine de rien. Bah, 5 ça... milliards d'euros, ouais, c'est pas rien. C'est ce dont on a besoin pour le, le chômage et les retraites. 5 milliards d'euros, donc ouais. Permet à Macron d'avoir un allié voilà. de. Pour avoir. Pour son ami, il n'y a pas d'ami Macron, mais a, ça nous coûte quand même 5 milliards, ses amis. Poids face à Bolloré, qui lui utilise tous ses médias pour booster l'extrême droite. Non mais vous avez vu tous ces petits cadeaux là Non mais moi je serais Rodolphe Saadé, j'interdirais qu'on dise un mot de travers sur Emmanuel Macron. Sinon, hop, oh, au requin <laughs> Nous avons un bon président de la République, courageux, qui veut avancer. Il faut l'aider à aller au bout de son non, histoire, estime Rodolphe super. Saadé. Et rassurez-vous, Saadé a eu exactement le même raisonnement. C'est-à-dire qu'en effet, dans les médias de Saadé, il n'est pas question de dire ouvertement. Dans Saadé, il n'est pas franco-israélien, il est franco-libanais, il me semble. Du mal de Macron, euh, et même pas ouvertement d'ailleurs, même un peu subtilement. En tout cas, ça s'est vu lors du déplacement du président à Marseille. Le 19 mars, Macron est donc allé à Marseille pour faire un petit coup de com et se montrer comme un président déterminé à lutter contre le trafic de drogue. Il se trouve que le journal La Provence et les habitants du quartier n'ont pas été très convaincus par cette démonstration et la une du journal titrée le lendemain, 24 heures après la visite du président à la Castellane, il est parti on et nous parlé. on est toujours là. Sous-entendu, les dealers ont repris leur poste. Hein, cette visite n'a servi à rien. Le 22 mars, Xavier Monnier donc, nous révélait ce que dans. Pas, la phrase n'était pas attribuée aux dealers, elle était attribuée à des habitants. Qui était en mode genre il est parti et nous on vit toujours là. C'était plutôt ça que les dealers. Mais c'est vrai que ça a été interprété comme ça. Un article pour Blast que le président Macron a appelé lui-même dès le matin du 21 mars. Rodolphe Saadé, héritier de la CMACGM, milliardaire et nouveau tycoon des médias, propriétaire notamment de la Provence. Personne n'engueule Saadé au téléphone, assure un conseiller élyséen. Mais le message est bien passé. Pour preuve, comme l'a écrit Le Monde, le directeur de publication de La Provence est convoqué par Saadé le jour même pour se faire remonter les bretelles. Alors que franchement ça va, la une elle n'était pas si violente quoi. C'était pas écrit euh, Macron dégage je reviens plus jamais à Marseille, gros nul, t'as servi à rien. Enfin ça, ça va, tu vois, moi j'aurais titré comme ça moi. Hein. Le journal a tout de même présenté publiquement des excuses alors que personne n'en avait véritablement demandé. Et surtout, le directeur de la rédaction Aurélien Vias a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Alors que c'était même pas lui qui était en poste au moment de la une. Mais euh, voilà, on sent la fébrilité quand même. Cette inquiétante mise à pied a provoqué une grève illimitée des journalistes qui demandaient la réintégration immédiate d'Aurélien Viers. La rédaction de La Tribune, La Tribune Dimanche, également propriété de Saadé, s'est aussi mise en grève en solidarité avec les confrères de La Provence. Saadé a fini par rétro-pédaler et le directeur est revenu à son poste. Alors pourquoi il a cédé si vite Parce que c'est un patron sympa Évidemment que non. Non, c'est surtout que là, il était un peu au centre de l'attention à cause de mmh. cette affaire de rachat de BFM TV. Et ajoutez à ça qu'en plus, il était convoqué pour les auditions, vous savez, des parlementaires là sur la TNT, des auditions elle qui se pas sont passées, sienne, tiens, hein. en huis clos. Donc pas la peine ah. de chercher l'audition de Rodolphe Saadé sur, sur YouTube. Ça. Elle a eu lieu, elle a eu lieu, mais il n'y avait pas de caméra. Voilà. Wow. Une affaire comme celle de la une de La Provence pour la rédaction de BFM TV, forcément, ça a des conséquences. Eh oui, ça a des. Ouais, su je suis déçu. On, on, on m'enlève. Euh... Moi qui avais converti ma chaîne en réacte des commissions TNT, genre, ça euh, là on me l'enlève, quoi. On m'a enlevé un poulet, là, je suis très déçu, hein. très énervé. Provence pour la rédaction de BFM TV, forcément, ça a des conséquences. Eh oui, ça a déçu euh, des journalistes qui s'attendaient peut-être à avoir un patron un peu moins encombrant. En réalité, Rodolphe Saadé avait déjà intimidé les salariés d'Altis Média. Mais eh oui, ça a démarré mal dès le début. Parce que figurez-vous que le 19 mars, le jour où Macron faisait le kéké à Marseille, Saad et lui était venu rendre une petite visite à ses nouveaux employés. Et selon Aude Dassonville du Monde et Adrien Schwitter de Challenge, il n'a pas du tout rassuré la rédaction. D'abord, il leur a dit qu'il ne serait pas interventionniste. Mais quand on lui a demandé, mais si jamais il y a une affaire avec la CMA-CGM et que nous, on fait notre une dessus, vous allez le prendre comment Eh ah. bien, il a répondu un peu honnêtement, euh, je ne réagirai pas bien et je le ferai savoir. Je n'interviens pas, mais je considère que c'est très agressif d'avoir une attitude agressive contre son actionnaire. Il y a manière et manière. Je ne vous raconterai pas d'histoire. Je pense qu'il faut que l'info existe. Mais je suis particulièrement déçu quand je vois qu'il y a seulement un petit encart dans mes journaux quand mon groupe fait quelque chose de bien. Déjà, ça pue quand même. En fait, le mec sera aussi interventionniste que Bolloré, sauf qu'il va défendre un autre groupe et il défendra le président. Ouais, et puis est l'hypocrite, Le truc de non, je n'interviendrai pas. Enfin, j'interviens pas. Et puis, quelques jours plus tard, il convoque le directeur de la rédaction d'un journal qui a fait une une qui est gratigné, un peu Macron. Franchement, c'est très inquiétant pour l'avenir de BFM TV. Déjà que c'était un peu de Télé Macron depuis quelque temps, parce que la chaîne avant, elle appartenait à un autre milliardaire, Patrick Drahi, qui lui aussi avait soutenu publiquement Emmanuel Macron. Croyez-moi, acheter des médias, ça n'a rien à voir avec une demande d'influence. Moi, j'ai 30 millions de clients chez SFR, j'ai la moitié de la France. Donc je me, me promène dans la rue, tout le monde me connaît. Pour ne pas perdre la confiance de l'Élysée, Patrick Drahi avait même procédé à de petits réglages. Grâce à une enquête de off-investigation, on sait maintenant que pendant le mouvement des Gilets jaunes, Macron n'avait pas apprécié la ligne de BFM TV. Il trouvait qu'on en parlait trop, qu'on montrait trop les violences, et bah, c'était pas bien quoi. Alors, oui, il montrait beaucoup les violences sur BFM TV parce que ça faisait de l'audimat, c'était devenu un petit rendez-vous le samedi, on regardait les bagnoles qui crament et tout, avec tout un plateau qui commente. Mais le plateau, il commentait pour dire que bah, c'était pas bien de cramer des bagnoles quand même, ils encourageaient pas les gilets jaunes à faire ça quand même. Ouais, mais Macron, quand même, il n'était pas content parce que ça donnait une mauvaise image du pays, mmh. de sa gestion de la crise, je sais pas moi. Ouais, d'accord. Patrick Drahi a donc nommé. Ouais, Patrick Drahi qui dit euh... oh, Quand je suis dans la rue, tout le monde me reconnaît. Non, non frère, non, vraiment, la plupart des gens ne te reconnaissent même pas. Même moi qui ai vu l'audition, je suis pas sûr que je reconnaîtrais. Donc, euh, je le confondrai avec Marc Twati, à mon avis. Marc-Olivier Faugiel, directeur général de BFM TV en 2019. Fogiel, c'est un proche du couple Macron, surtout de Brigitte. Et alors pour ce qui est des violences, le gouvernement n'a pas eu à s'inquiéter puisque Fogiel refuse que l'on parle de violences policières sur l'antenne. Des témoignages anonymes expliquent que c'est un patron très dur qui surveille tout, qui impose ses décisions. Il va même jusqu'à vérifier lui-même chaque recrutement, même pour un CDD. Et alors un sujet sur lequel il semble intransigeant, c'est le traitement de l'information quand il s'agit du gouvernement. C'est ce que raconte le journaliste Gauthier Meignet pour l'enquête de Off Investigation. Le journaliste politique nous raconte que les conseillers les... Conseillers presse de l'Élysée euh, sont constamment au téléphone, en réalité, avec les chefs, euh, notamment les chefs du service politique à BFM TV, constamment au téléphone pour rectifier ou amender, euh, si tu veux, parfois dans le cardin, euh, les citations du gouvernement euh, mises, en, mises en bandeau à l'antenne. Marc-Olivier Fogel, le directeur général de BFM TV, enfin des petites anecdotes comme ça, mais si tu veux, a régulièrement Gérald Darmanin au téléphone, ministre de l'Intérieur, euh, pour un peu tout et n'importe quoi. Ah. Donc, euh, si tu veux, il y a une source qui nous raconte que Darmanin est en déplacement, Marc-Olivier Fogel est au téléphone, et dans l'open space de la rédaction, il dit, euh, bah, tiens, tu veux une équipe pour couvrir ton déplacement à Albi, à Montauban, à Machin, etc. Wow. Donc, BFM TV a déjà cette réputation d'être wow. un peu télé-Macron. Dans le petit milieu du journalisme, tout le monde sait ça. Les confrères de Fogel l'avaient d'ailleurs interrogé là-dessus. Et vous allez voir pour lui recevoir des coups de fil c'est pas grave, c'est pas des pressions, enfin si c'est des pressions, mais oui ça peut arriver, mais bon, quand c'est un ami, est-ce que c'est vraiment un coup de pression Le côté, oh là, là un, un appel politique, c'est forcément une agression journalistique. Euh, moi je ne souscris pas du tout à ça. Euh, au début, euh, jeune journaliste, on a plutôt tendance à penser ça, oh là là, euh, on, on veut nous, nous museler et tout. Euh, non, on a un échange courtois, raisonnable, de temps en temps avec des coups de pression, ça peut arriver. Et puis Macron, ce n'est pas seulement un ami du directeur de la chaîne, c'est aussi un téléspectateur fidèle. C'est intéressant cette relation qu'a le président avec cette chaîne de télévision en particulier. C'est simple, il paraît qu'il ne peut pas s'en passer. Il y en a même qui disent que c'est comme ça qu'il reste connecté au pays, wow. en regardant BFM TV tout le temps, voilà, il reste connecté au réel. Non mais attends, qui dit enfin, ça comme, comme Trump avec Fox News hein, c'est la même l'addiction à regarder ce qu'on pense de lui sur les chaînes d'infos c'est terrible une laïque, euh, une journaliste qui apparemment est une des spécialistes du, de Macron lui-même. Hein, elle le connaît mieux que tout le monde et elle expliquait ça sur le plateau des grandes gueules. Écoutez, il a une coupure institutionnelle, mais lui, il est connecté en permanence. Il passe sa vie à regarder, envoyer des SMS, aussi. la télé. Oui. Ah oui, je pas qui je, tiens je vais tiens nommer. À vous dire qu'il est hypnotisé, hypnotisé pas que le suite, par BFM TV, oui, mais est, à l'Élysée <laughs> en le permanence. BFM, est vous cata, le savez, est BFM TV est animé. Tout le monde regarde BFM TV. Joseph Zimet, qui est l'ancien directeur de la communication, m'a dit qu'il passait dans les bureaux en leur disant "Non mais arrêtez, regardez un peu CNews, regardez." des France, mmh. France TV Info. Et non, ils, ils reviennent toujours à BFM TV. Donc wow. vous avez aussi euh, les honneurs, le de la public. gloire. Bah ouais, et le service public ouais, alors... C'est rassurant, il écoute Christophe Barbier sur BFM toute la journée, quoi. Wow. Léa Salamé et Thomas Soto, ils se démènent comme des dingues pour plaire à Macron, et l'autre, il passe son, <laughs> son temps devant Olivier Truchot et Yves Calvici 3D, là. Bah ouais, ça fait vraiment <laughs> le gars, il regarde sa petite chaîne faite pour lui, par son copain Fogiel, avec tous les éditorialistes qu'il aime bien, qui disent du bien de lui. Pendant un temps, on s'est demandé si Fogiel allait être maintenu à la tête de BFM TV. On vous rappelle que la chaîne info numéro 1 commence à être sérieusement concurrencée par CNews et qu'elle risque de perdre sa place de leader. Ceci dit, il semblerait que finalement, il se pourrait que le directeur soit maintenu à son poste et en même temps, pour diriger une chaîne qui va défendre Macron, quoi de mieux qu'un mec et pote non. avec Macron Finalement, c'est plutôt un bon casting. Donc voilà, j'espère que vous êtes rassurés. En face du groupe Bolloré, il y aura un groupe qui va combattre l'extrême droite, pied à pied. Oui, enfin, sauf si c'est le gouvernement qui mène des politiques d'extrême droite, auquel cas il faudra pas le dire trop fort, mmh. il faudra pas trop critiquer, hein, parce qu'attention, la mise à pied, elle peut partir vite. Au requin. Allez. Et le pire, c'est que Rodolphe Saad sans qu'il tient un truc. Il a compris l'importance des médias et vous allez voir, il ne compte pas s'arrêter là. Alors où vous arrêterez-vous Pourquoi voilà. cette frénésie ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, le groupe CMA CGM, c'est 150 000 collaborateurs de grande valeur qui sont présents dans 160 pays, et je compte beaucoup sur eux pour continuer à me développer. Donc aujourd'hui, tant que j'ai les moyens financiers de le faire, je vais continuer. Il y a d'autres médias qui vous intéressent Je regarde tout. Le sujet m'intéresse, donc je regarde. Alors on va voir. Est-ce que par exemple Apolline de Malherbe va commencer à recevoir des coups de fil, des coups de pression Est-ce que la rédaction de BFM TV va se mettre en grève pour soutenir Apolline de Malherbe Eh ben on ne sait pas. Mais bon courage, bon courage à tout le monde, bon courage à Apolline. On en toi. On sait que tu vas, tu vas pas te laisser faire. Hein. Non, si, parce que moi je pense qu'elle se laisse pas faire, Apolline de Malherbe. Non, non. non. Femme de caractère, tout mmh, ça. Donc euh, mmh. bon courage à elle, bon courage à tous les journalistes. Bah, en et... vrai, Apolline de Malherbe, si on est honnête, elle a fait des interviews euh, avec des membres du gouvernement qui n'étaient pas, Je ne pas non plus trop marcher sur les pieds. Le problème, c'est plus ses angles, quoi. Elle a des angles, euh, voilà, euh, turbo bourgeois. Enfin, c'est son, son euh, domina de Malherbe. Ouais, en fait, c'est. C'est qu'elle a des angles horribles, mais parfois, elle sait quand même mener une interview politique, Apolline de Malherbe. C'est clair, hein, moi je la préfère à Salamé. Oui, ok, c'est ma waifu, voilà, je vais vous dire la vérité. Mais <laughs> ça va bien se passer, Apolline. Voilà, quand tu l'as dit, ça va bien se passer, elle, elle a terminé, Darmanin. Donc, est-ce que ça passera encore euh, avec Rodolphe Saadé Est-ce que Apolline de Malherbe pourra se, se permettre de remettre à leur place des, des membres du gouvernement Je ne suis pas sûr. Merci Bubu Radical pour le soutien depuis 30 mois. Let's go, Bubu. Merci beaucoup. Tant de mois de soutien, merci à toi. Et y compris à celles et ceux qui ne, <laughs> ne savent pas encore qu'ils vont finir sous le contrôle de Rodolphe Saadé, parce qu'il va tout absorber là dans les années à venir, quand même. Pourquoi tu rigoles mais Parce que je suis pas convaincu. C'est sérieux. Mais je suis comme... pas convaincu qu'on. Voilà. Mais si, <laughs> c'est. pas mais... une bonne femme la Pauline de valeur Mais <laughs> si. Faut les encourager un peu. Parce que bon, ce Rodolphe Saadé, c'est vrai qu'il a pas l'air si attaché que ça à l'indépendance des rédactions. Hein. On s'attendait à un anti bolloré finalement, on dirait juste que c'est un Bolloré macroniste. Bon, mmh, C'est ça. À la semaine prochaine. Du coup, ça changera peut-être pas grand-chose parce que Drahi, c'était déjà plus ou moins ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire Au fond, est-ce que BFM va changer S'il est intelligent, en vrai, il ne change rien. Il laisse faire et puis voilà, il laisse il laisse le gérer. S'il est intelligent, mais il n'a pas l'air très intelligent parce que la phrase qu'ils ont citée de lui aussi tout à l'heure, quand on lui dit genre « Oui, est-ce que si on fait un truc sur la CGA-CGM, vous allez intervenir ?» Il était là « Ah bah ça ne me ferait pas plaisir. Et puis moi, je veux que dans mes journaux, on parle de ce que j'ai fait de bien. » Ça part très 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 mal. Hein. Il est vraiment. Euh, être un milliardaire horrible, hein. c'est sûr et certain. Hein. Donc, euh, bref. Donc, bref, ouais. Bon, bah écoutez. Bon, il est minuit, j'avais proposé qu'on fasse du duel diver, mais franchement, j'ai la flemme, j'ai faim en fait, j'ai envie d'aller manger. Donc, euh, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Euh, pour ce soir, on va arrêter quelqu'un. On est à quoi 3h39, dont 3h de drama au fond, hein. Au fond, si on est honnête, hein. Euh, qui on va raid. Il y a Sentier Battant, il y a Shieldery, il y a Joyeux Sociologue. RP Outlaw, c'est du RP. In-L. Bon, j'ai la flemme. Pour une fois, pas de raid. T'as vu le teaser du Zawashow Ah non, j'ai pas vu. Ah, je crois que quelqu'un l'a envoyé tout à l'heure. Je dois l'avoir peut-être là. Vous l'avez envoyé là, on le mate. Et après, on bouge. Euh... Quelqu'un l'avait envoyé, mais je l'ai plus. Fermé. Je vais fermer. Comme un idiot. Taper Zawa. Putain, j'arrive pas à écrire. C'est terrible ce qui se passe. Euh, on va regarder le teaser du Zawa Show. Pour les bandeurs de Zawa prod, il y est même pas là, ils l'ont même pas retweeté sur leur compte. JPP hein. JPEP. Dany. Dany Ah, voilà. Cette question palestinienne, elle est imbriquée à la question des droits humains. Je crois qu'on est dans un attendez, pays. Attendez, attendez, je vais couper YouTube avant hein, parce que ça va me créer des problèmes sur YouTube, ça c'est sûr.